Est. Et on est dans la place. Est-ce qu'on nous entend bien? Oui, on nous entend bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue sur le Retro Game Show. Nous sommes mardi soir et cette fois, nous sommes le bon jour de la semaine, il n'y aura pas de décalage. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas mercredi ou un autre jour de la semaine. On est bien le mardi. Hello tout le monde, hello, comment allez-vous? Alors, on va rejoindre tout de suite Gameou, ainsi qu'un invité. Un invité. Alors, les dossiers aujourd'hui, c'était assez tendax, parce qu'en fait, on avait des jeux en stock. Moi, j'avais un gros dossier sur un genre de jeu à part entière, les boomer shooters, comme vous le voyez ici. Et du coup, en fait, il était possible qu'on fasse un récap de la PGR qui a lieu ce week-end. Mais on voulait un invité ou quelqu'un qui a assisté à la PGR, parce que ni Gameou ni moi, on y était. Et en fait, bah, malheureusement, personne n'était dispo. Donc, on va en parler, mais très rapidement. Mais on a un autre invité dans la place pour venir vous parler de jeux vidéo rétro. Mais je vais déjà rejoindre mon comparse Gameou. Mister Gameou. Didio Hermi. Oh, alors attends, si je ne t'entends pas, c'est qu'il y a une raison à ça. Alors, un petit instant, parce que j'ai changé de casque, si vous vous rendez compte. On voit mes oreilles, je n'ai pas mon casque énorme sur la tête. Alors, attends, Gameou, laisse-moi juste configurer la bonne sortie son. Hop. Eh oui, quelle idée d'avoir fait ça, mais quelle idée! Avec un peu de chance, je devrais entendre un Gameou. Alors, moi, je t'entends. Le problème, c'est est-ce que les gens t'entendent? Alors, attends. Attends, attends, parce que c'est pas parce que moi, je t'entends que les autres t'entendent. bon, je pense que tout le monde m'entend. Si tu peux ajouter Chris dans le staff audio, parce que je n'arrive pas à le faire. Je peux faire ça. Super. Alors. Bon, déjà, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous entendez Gameou? Oui. Ah, bah voilà. Bon, bah, je vais regarder c'est qui y a alors. Attends, hop, on va sur YouTube. Attends, je vais même te faire apparaître comme par magie. Alors, YouTube. Alors, non, je vais d'abord glisser notre invité parce que sinon. Ouais. Alors, son pseudo, alors... s'il te plaît, c'est tapis rouge. Bon, j'imagine que c'est le dernier à être venu. Ouais, attends, je te refile ça. Ouais, c'est bon, je l'ai. L'ami okay, Chris. D'accord. C'est ça, c'est ça. Ok. Dis-lui juste de se mettre dans l'audio général, comme ça moi je peux le glisser dans staff. D'accord. Il peut se connecter dans okay. Général, ça c'est public, n'importe qui peut aller dans l'audio général. Et c'est juste marche, le staff qui est teasé. Ok, alors... Attendez, je vais enlever la webcam tant que... On ne voit pas Gameou. Ok, voilà, ça y est, ça c'est dit. Et donc, j'essaie de retourner sur YouTube. Quel talent. Ouais, ouais, je sais, putain. Bien multitâche, vraiment... hein, presque. On y croit presque. Ah ouais, ouais, j'ai vraiment qu'un neurone, quoi. J'ai vraiment pas de RAM dans mon cerveau. Alors, changer de compte. Voilà. J'étais sur la chaîne secondaire, la chaîne politique. Ah oui. C'est ça qui va être complètement voilà. Désolidarisé de la vie de video game. Bah oui. Comme ça, tu pourras faire tes conneries dans ton coin et t'arrêteras d'emmerder le monde. Merde. Bah non, on pourra tous faire des tu conneries. Tu laisseras jouer aux jeux vidéo tranquillement, là, bordel. Tu vas foutre les pieds dans le plat, là. Ok, alors qui c'est qu'on a? On a Melmos. Salut Melmos. Salut Richard. Salut Damishko. Valérie, c'est Damishko ou c'est moi qui me trompe? Non, c'était pas terrible. Elle est pas mal. Pardonne-moi, Damishko. Non, salut Wise Pixel. Tu as le droit. Bon, Wise Pixel, on se voit demain. Hop, alors Ninja Neko Nico, salut Mika, salut Castellian, Mika j'espère que tu nous chanteras une petite chanson. Salut Loloz, salut Noritro, salut Faye. Je sais pas ce qu'il alors, a Faye, bouffé mais... Faye, il fallait que je te dise un truc mais j'ai oublié ce que c'était. Je sais pas si c'est pas Noritro qui sait. Bon et salut Sylvain. T'as le mec, il a besoin d'une secrétaire quoi. C'est Noritro qui sait, tu sais moi j'ai oublié, faut que je demande à ma secrétaire Noritro. Voilà c'est ça, salut Christophe, hein, je vois que t'es aussi dans le chat. Est-ce salut Bantaro. Est-ce qu'il a un petit tailleur sexy Noritro? Moi c'est ça qui m'intéresse. Non je plaisante, Oblivion Legends. Salut Dams, salut ce bon vieux Kéké. Salut Loïc, salut Monsieur Barumba, on a du monde hein, ce soir, salut Gwen, salut Oli, et qui c'est qui manque encore? Qui c'est que j'ai raté? Encore un peu, on va croire que les gens attendent ce format.
N'importe j'ai quoi. Raté Ashram et j'ai raté le Cani. Salut les mecs. Hey, Frédéric. Salut Frédéric. Un gros bisou, mon grave, pote. J'espère que tu vas bien du côté de Puto. Voilà. Trop de talons, bon, ça fait des gros mollets. Chaussures plates, ouais, ça passe aussi. Salut, c'est Petite Flèche. Tu fliches pas sur ta taille. Et bisous à Philippe. Et puis, voilà quoi. Ouais. Je glisse, tu veux que je rajoute notre invité tout de suite ou bien... Ouais, je pense qu'il est là, il attend, donc autant... Ok, bah c'est parti. Et s'il veut rester, il commentera aussi avec nous. Écoute, bien sûr. Voilà. Allez, salut, c'est Jérôme. Parti. Et Chris est avec nous. Salut Ryu. Coucou. Salut Alain, putain, il y a du monde. Hello. Ça va bien, tu nous entends? Ouais, et vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien. Comment tu vas? Bah ça va, et vous? Tranquille, t'as pris ton dîner? Oui, c'est bon. Et des takoyaki ou quoi? Non, bah non, pas tous les soirs, quand même. Non, pas tous les soirs, d'accord, ok. Overdose. Bon. Eh bien, je vous présente quelqu'un que vous connaissez sûrement, Christophe Galati, donc, qui est l'auteur de Save Me, Mister Taco, Taskete Taco-san. Donc, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Oui, bah je peux. Voilà, on a déjà dit le gros du truc que j'ai fait, c'est Mister Taco. Mais je suis un dev indé français qui a bientôt la trentaine, qui vieillit. On est tous mais, des vieux, t'inquiète pas. Mais ouais, en gros, j'ai commencé à faire des jeux assez tôt sur RPG Maker, comme beaucoup, vers mes 12 ans, et un truc comme ça. Et après, j'ai fait des études dans le jeu vidéo et j'ai commencé Taco très jeune. Et c'était mon ah premier. Ouais bah, j'avais 19 ans quand j'ai commencé à faire Taco. Ouais. Ah ouais, d'accord. T'as fait quoi comme études, par curiosité? Parce qu'en fait, de là où nous on vient, les quarantenaires, les écoles de jeux vidéo, ça n'existait juste pas. Et du coup, je suis toujours très curieux de savoir le cursus de ceux qui sont un tout petit peu plus jeunes. Ouais, moi en gros, direct après mon bac, je suis allé à Izard Digital à Paris. Ok, ouais. Très connu Izard. Où j'ai fait game design et programmation. Du coup, vu que je faisais déjà pas mal de trucs tout seul déjà via RPG Maker avant, j'avais déjà un peu le côté couteau suisse de faire du pixel art, des trucs un peu tout seul. Donc je visais la formation game design à la base, mais on m'a mis en game design et programming. Du coup, j'ai un peu complété le couteau, quoi. J'ai appris à programmer en plus. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des jeux tout seul au final, comme Taco. Ouais. Okay. Ce qui est assez fou, est-ce qu'il y a moyen de passer un petit extrait de ce jeu Game Boy qui est Save Me, Mister Taco? Il y a moyen. D'accord. Et est-ce que t'as jamais pensé à l'adapter sur Game Boy? Il y a moyen de faire ça ou pas? Alors j'y ai pensé à l'époque, j'avais contacté un peu des gens qui font du homebrew comme on dit, et des jeux en assembleur. Mais bon, pour le coup, le jeu il est fait avec des outils d'aujourd'hui, ouais. Donc il a été fait sur Unity. Et après concrètement, même si j'ai respecté graphiquement les contraintes, en termes de contenu, ça tiendrait jamais sur une cartouche de Game Boy. Le jeu il dure 20 heures, il y a beaucoup de scénarios, il y a 50 niveaux, 20 donjons, 10 villes, enfin il y a... Ah si, je pense qu'il y a moyen là-dessus. Il y a 110 musiques. Parce qu'on te fait bien des cartouches Game Boy avec des ports pour les cartes SD, donc tu vois, je pense... Ouais, mais bon, ça serait pas sur l'original, quoi. Ouais, non. Parce que même là, sur Unity, il fait 500 MO, il fait le jeu. Ouais, ça serait une cartouche Game Boy un petit peu spéciale, mais je pense qu'il y aurait moyen de le faire tourner sur la Game Boy, mais c'est compliqué, j'avoue. Mais bon. Enfin, je parle sans savoir, en fait. Je dis de la merde. Donc, ta technique est un peu ramasse, hein. Faudra qu'on révise tout ça ensemble. Parce que c'est vrai que quand on le regarde, on se dit, putain, il y a peut-être moyen de le faire passer sur Game Boy, quoi. Donc, c'est pour ça que j'insiste dans ma connerie. Des fois, c'est trompeur. Hein. Visuellement, c'est un look effectivement de Game Boy, mais techniquement, c'est plus lourd qu'un programme qui serait fait avec un dev kit Game Boy ou carrément en assembleur, quoi. Ah oui, bah c'est sûr. Bah après, moi, comme je disais, j'ai commencé à programmer en 2012. Donc l'assembleur, c'était pas ce qui était à la mode, on va dire. Ah non, clairement. Non, et puis c'est s'infliger de la peine gratuitement que de développer en ce moment en assembleur. Faut vraiment vouloir en gros exhiber, tu vois, tes feats de développement. Il y a des outils maintenant et des dev kits, c'est tellement plus accessible. Yep. Mais bon, j'ai quand même fait tous les graphismes sur Paint. Si ça d'accord, peut vous c'est respectable, c'est roots. C'est roots, c'est le genre de truc qu'on kiffe. Mais franchement, regardez ça, les mecs.
Et franchement, en termes de pixel art, hein, c'est très japonisant, de toute façon, on le sait au vu du titre. Mais vraiment, ça respecte tous les codes, c'est maîtrisé, quoi. C'est ça qu'on a envie de dire, c'est maîtrisé. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est un jeu qui a eu son succès. Et donc, raconte-nous un petit peu l'histoire de la définitive édition, puisqu'en fait, tu pouvais pas changer le jeu, tu pouvais pas le patcher pendant 2 ans, c'est ça. Et après, ils l'ont retiré des stores, c'est ça. Ouais, c'était un peu compliqué, mais après je peux pas tout dire hein, concrètement, mais en gros, le jeu, il a été fait, déjà j'ai mis 4 ans à faire le jeu tout seul, il est sorti avec un premier publisher qui était Nicalis, qui m'avait repéré quand j'étais allé au Japon pour le Tokyo Game Show en 2016, d'accord. Et c'est un peu le passé du rêve à la réalité si on veut, enfin du rêve au cauchemar je voulais dire. La réalité a été assez brutale une fois le jeu sorti, parce que concrètement, moi, c'était mon premier jeu. Donc, il n'était pas parfait. Il y avait des problèmes de difficulté que moi, je ne voyais plus trop à la fin, vu que j'ai passé 4 ans. Mmh. À la base, moi, je le faisais en 5 heures, le jeu. Donc, quand j'ai vu que ça prenait 20 heures, j'étais « Ah oui, d'accord, en fait, il est plus long que... » L'équilibrage, quand t'es le dev, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Faut des regards externes pour juger ça. Quand t'es tout seul, bien sûr. Donc pour le coup, j'avais fait pas mal de salons, mais en salon, les gens, ils jouent la première heure, ils jouent pas tout le reste. Donc j'avais eu peu de feedback sur ce qui se passait après, et du coup, j'ai pu peu voir les pics de difficulté. Donc le jeu, il est sorti avec un peu quelques défauts, qui a fait que il a quand même fait parler de lui, et il a quand même plu, hein, malgré ses défauts, mais c'est vrai que l'éditeur a pas forcément fait son taf. En amont, avant la sortie et après. Et concrètement, le jeu, c'est édité par qui, par curiosité? C'est pas pour leur jeter des tomates, hein, mais juste savoir le contexte. C'était Nicalis, c'est le publisher de Banning of Isaac et Cave Story. Ouais, ok. Mais du coup, en gros, le jeu, ils ont rien voulu en faire, quoi. Parce qu'ils y croyaient pas, en fait, tout simplement. Tu peux dire. Ils y croyaient avant la sortie, mais enfin. J'ai pas trop le droit de dire du mal d'eux, mais bon. mais concrètement, ils ont pas fait leur taf, quoi, on va dire. Et donc, le jeu est resté un peu bloqué pendant 3 ans, où moi j'avais fait des patchs et on m'interdisait de les sortir. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis. Ça, c'est abusé, parce qu'au final, toi, tu mets à jour ton jeu, ce qui pourrait limite aider les ventes, et l'éditeur à qui ça coûte rien, parce que tu confirmes à partir du moment où, entre guillemets, t'as payé ta place sur le store, un patch, vous ne payez pas pour l'upload d'un patch, c'est gratuit. Alors, on paye pas pour le plot d'un patch, mais après, eux, en gros, ça mobilise du staff dans leur entreprise, quelque part, de gérer. Ça, ils doivent payer des salaires et allouer des gens et du temps sur un projet. C'est vrai. Donc, ça coûte pas rien non plus, mais... concrètement, je pouvais le faire moi et on m'a dit non. Jeu dématérialisé, je veux pas maintenant être l'avocat du diable, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire à part faire une actu dans le bloc actualité Steam pour dire le jeu vient d'être patché, éventuellement un community manager qui publie vaguement sur les réseaux de Nicalis que le jeu a eu droit à un patch et mettre le patch note en ligne, mais au-delà de ça, c'est toi qui finalement développe le patch, tu vois, donc ça leur coûte pas spécialement d'argent de mettre le jeu à jour, et limite ça peut justifier des ventes additionnelles si le jeu est mieux équilibré Oui, mais quand t'as des millions, tu te fais des millions avec Banning of Isaac à côté, tu t'en fous. Je pense que c'est ça. Je pense qu'ils délaissent les petits jeux indés qui n'ont pas un potentiel de fou à millions d'exemplaires. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris, en tout cas. On a sorti des jeux qui étaient déjà connus, on s'est fait des thunes avec, et derrière, on essaye d'éditer des jeux qui on l'espère, feront pareil, mais on n'a pas les compétences marketing pour faire en sorte que ça arrive. D'accord. Donc, du coup, ça n'arrive pas, et on fait rien. Voilà. Donc, ils ont rien fait avec mon jeu qui est resté bloqué pendant 3 ans, et donc j'ai dû un peu me battre pour le récupérer. J'étais pas le seul à avoir des problèmes avec eux. Hein. Après, ça a été exposé sur Kotaku concrètement. D'accord. Au bout d'un moment, j'ai réussi à récupérer les droits du jeu. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont supprimé en fait de tous les stores. Parce que forcément, ils ont pas voulu me rendre ça facile non plus, hein, tant qu'à faire. Évidemment. Mais du coup, donc ça a été un peu comme repartir de zéro, quoi, vu que tous les gens qui avaient acheté la version originale ont dû racheter la nouvelle. Ouais. J'ai pas pu faire de genre de promo spécial vu que j'avais aucun droit Steam sur la version originelle. Ouais. Et sur Nintendo, ça se fait pas. Donc j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me voir en mode ça se fait pas, c'est de l'arnaque, tu revends ton jeu, on l'a déjà acheté. C'est pas à moi qu'il fallait dire ça concrètement, si j'avais pu éviter, vous pouvez bien vous douter que
Surtout que bah, les stores aujourd'hui, c'est beaucoup des algos, surtout Steam. Ouais. Donc si t'as pas les wishlists, les reviews, j'ai tout perdu. C'est pour ça que je vais le mettre dans la wishlist, ne serait-ce que pour la news, soit un peu plus dans ta faveur. Faites-le tous, hein, c'est gratuit, et ça, pour le coup, ça peut l'aider à monter un petit peu dans les listes de recommandations. Donc ouais, on est un peu reparti de zéro, mais bon, concrètement, j'ai pu faire le patch que j'avais envie de faire. Donc le jeu, il a quand même pas mal évolué à ce niveau-là. J'ai fait plein de changements pour l'améliorer. Et bah, sur Metacritic, il a gagné 10 points quand même. Du coup. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est pas rien, ouais. Donc c'est pas mal. Et puis bon, il est ressorti. C'est un happy end après toutes ces galères, quoi. Oui, enfin en tout cas, je suis content d'avoir réussi à... Bah toi, t'as pu livrer, entre guillemets, ton produit comme tu l'envisageais, contrairement à la version précédente qui était peut-être pas à la hauteur de ce que t'avais en tête, quoi. Oui, c'est ça. Puis bon, après, j'ai appris pas mal de choses. Et là, le jeu, on va dire, du coup, c'est Limited Run Games qui m'a aidé à le récupérer. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il est sorti en version boîte après avec eux. Ouais. Et donc, il est aussi sorti en boîte, ce que Nikelis me promettait depuis le début et qui n'était pas encore arrivé. Donc, j'ai pu faire la peluche faire la boîte. Et on va dire, voilà, ça a fait le happy end. Il m'a enfin rapporté des sous 4 ans après la sortie. Mais voilà. Jamais trop tard. Non, c'est jamais trop tard, et puis c'est déjà bien pour un premier jeu d'avoir eu ce succès, parce que finalement, avec tout qui jouait contre toi, t'as réussi à te faire une base de gens, comme tu dis, qui ont été convaincus par ton jeu, donc c'est pour ça qu'ils vont attendre le prochain, je pense. Mmh. Bah en fait, c'est ça aussi que j'ai fait moi de mon côté par Avec Taco, c'est que j'ai commencé très tôt, et j'étais pas mal sur Twitter, j'étais très régulier dans ma communication avant d'avoir un éditeur, et j'ai fait pas mal de salons, donc au début beaucoup en France, le Stunfest, des trucs comme ça, que j'ai fait au moins 4-5 fois avec le jeu, mais j'essayais d'être un peu partout et de faire que les gens découvrent le jeu, donc c'est aussi pour ça que j'ai pu pas mal être soutenu par la presse avant, et enfin pour les deux sorties, donc... Donc ouais, c'est beaucoup de taf, mais bon malheureusement une équipe marketing ça et du budget en marketing ça aurait été un peu plus, mais ouais, mais bon en tout cas là. Non vas-y termine, je t'ai coupé, excuse-moi. Ah non c'est bon, bah voilà le jeu est ressorti en tout cas, on va dire là du coup le problème de la version originale qui était trop dure, c'est que du coup les gens la recommandaient pas forcément. Là, il y a plus de problèmes, donc quand je fais des soldes, il se vend un peu mieux. Et voilà, il est là maintenant. Ça t'a coûté combien de récupérer tes droits? Tu peux en parler, ça, ou c'est un peu secret? C'est un petit peu Imitsu. Ouais, théoriquement, c'est secret, puis c'est pas moi qui l'ai payé, du coup, c'est Limited Run. Ah oui, d'accord. Donc c'est aussi pour ça, ils ont... Mais bon, c'est... ça, voilà, dans 15 ans, j'aurai le droit de parler. D'accord, bah écoute... Je te réinviterai à ce moment-là, quand on sera exactement, sur... Exactement, parce qu'on est curieux de savoir. PTV numéro 1 européenne, rachetée par Vladimir Poutine après avoir gagné la guerre, bien sûr. Non, je plaisante. Non, mais ça fait plaisir, c'est au moins... parce que ça rappelle énormément d'histoires qu'on entend en coulisses, hein, sur des coulisses de développement où en fait Frogware s'était fait déposséder d'un jeu, c'était un jeu de détective sur le mythe de Cthulhu. Et pareil, hein, leur éditeur, que je dise pas de bêtises, c'était Nakon, si je ne m'abuse. Qui du coup avait vraiment bloqué le jeu. Eux ne pouvaient plus le mettre à jour. Ils voulaient en faire une définitive édition avec plein de bonus. Ils étaient, pareil, empêchés de le faire. Et ça s'est fini en justice. Il y a eu des mois de galère. Et au final, ils ont récupéré les droits, enfin. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Quand un éditeur comme ça fait bloc, et c'est même pas pour les bonnes raisons. Parce qu'un éditeur, il est censé éditer des jeux. Donc si c'est pour empêcher d'un jeu de se mettre à jour et de bénéficier de ventes en plus, hein, parce que quand on a une édition comme ça définitive, t'as toujours un coup de com' qui fait en sorte que ça relance un petit peu la machine, quoi. Tu fais des soldes souvent à ce moment-là aussi. Ou si tu peux le faire, ça a pas été ton cas, tu fais en sorte que si tu possèdes l'original, t'as une grosse réduc pour avoir la version à jour. Enfin. Mais ouais, c'est le problème aussi du démat et par des éditeurs, hein, parce que dans le monde de l'indé, c'est un petit peu la jungle, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut savoir aussi que sans aide, tu n'es personne, en fait. Ne serait-ce que pour la localisation à l'international. Et tu vois, Guémou, la semaine dernière au Stunfest, tu disais « Ouais, mais pourquoi ces petits jeux indés, ça me parle pas du tout, machin, c'est pas, ils sont un peu moches, machin. » Mais tu vois, c'est essentiel, en fait, d'en parler, parce que dans ce cas-là, on fait aussi ce travail de curation, où on met en avant des jeux qui nous ont, entre guillemets, parlé, ou qui pourraient parler à un public, en tout cas, quoi.
Ouais, pour lancer les gens, ouais, j'entends bien, ouais. Et donc, j'ai une petite question pour Chris. Avant qu'on passe à la suite, parce que forcément, si t'es là, c'est parce que bah, y a des news aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui te touche dans le jeu vidéo? Quel jeu, quel genre, etc. Alors, raconte-nous ton parcours de joueur. Moi, concrètement, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui est collectionneur de jeux. Ah, ça, c'est donc... bien, ça. Donc on va dire, on m'a un peu forcé à jouer au jeu dans l'ordre chronologique, si on veut. J'avais pas le droit de jouer à des dans jeux... Dans une cave avec un bâton. Bah, tu commences par Mario 1 hein. Bah, j'ai fait les Final Fantasy dans l'ordre, hein, concrètement. Ah, c'est bien. Mais j'avais pas le droit de... Enfin, je devais... Du coup, j'ai pu goûter à plein de jeux qui étaient pas de ma génération, quoi. Au lieu de jouer à la Play 2, jouer à la NES, quoi, concrètement, au collège. Mais du coup, ouais, ça m'a donné une certaine culture, et moi, je me suis beaucoup tourné vers les JRPG et les jeux japonais en général. Mais ouais, gros joueur de JRPG, je pense que ça se voit dans ce que je fais. Il y a toujours cette inspiration asiatique, très légère, ouais. mais du coup, ouais, bah, on va dire bah ça se voit encore plus dans le nouveau jeu, concrètement. Les jeux qui m'ont le plus marqué, mais c'est vrai que ouais, très Nintendo, très JRPG. Et maintenant, bah, c'est quoi ton top 3 ton top 3 JRPG pour voir un petit peu si ça fait parler le chat ou que ça leur évoque des choses. Alors, si t'as des jeux obscurs peut-être. Bon, les Final, oui, j'imagine. Non, mais le 6, Golden Sun. Tu mettrais le 6 au-dessus du 7? Oui. Ah, bah voilà, on a des gens de qualité ce soir, ça fait plaisir. Bah, le 7 a repris pas mal de choses du 6 dans un autre setting, on va dire. Mais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, il y a Golden Sun aussi, Terranigma, Illusion of Time, Pandora's Tower, ce genre de jeu, quoi. Ah ouais, Pandora's Tower sur Wii, alors. Ouais. D'accord, ok. Ce genre de jeu. Après, bon, bah, il y a les Zelda, il y a les Metroid 2D aussi, les Castlevania. Est-ce qu'il y a du Squaresoft style Chrono Trigger? Forcément, oui, Chrono Trigger, bon, ça, c'est Chrono les classiques. Cross, Grandia. Si t'aimes le JRPG, c'est dur de passer à côté, quoi. Et Xenogears aussi, ouais. Ouais, j'allais demander, ouais. Xenogears, c'est une obligation. Okay. Faites-le, les gens, si vous ne l'avez pas encore fait. Bah, ça serait bien qu'ils le mettent sur la Switch un jour, quand même. Ah oui, c'est vrai. Bon. Et ton bro, il avait des jeux en import, genre des JRPG américains sur PlayStation, quoi? Alors, c'était sur PlayStation, je me souviens pas, parce que bah, les FFF, ils sortaient, mais je sais qu'il avait, sur la SNES, on avait un truc pour lire des cartouches anglaises. Enfin, ou japonaise, hein. Du coup, on avait FF4, qui était FF2 en américain, et il avait Final Fantasy VI aussi sur la Super Nintendo. Mais bon, après, j'étais un peu trop jeune pour y jouer, du coup, vu que c'était en anglais. Mais je me rappelle aussi, moi, j'avais. Bah, moi, plus grande partie de ma collection à moi aujourd'hui, c'est des jeux Jap, pour le coup. Et j'ai commencé un peu à l'époque, j'avais récupéré Tales of Phantasia sur SNES aussi en japonais. Mais c'était un peu. Très belle compliqué. Boîte. Oui, très belle boîte. Mais c'était un peu compliqué, mais bon, j'essayais. Mais ouais, on avait ça. Alors, il y a Requin Visqueux dans le chat qui, lui, fait des musiques hein, pour des jeux. Hein. En fait, il dit qu'il faudrait que tu dises que tu kiffes Wizardry 8, parce que sinon, il donne une mauvaise note à ton jeu. Donc, ouais, mais j'y ai pas joué, donc je vais pas... Il y a de la menace, pas ouais. Du chantage. Ouais, hein. Bah, c'est un requin, hein, il porte bien son nom, du coup. Mais il faut jouer au IS aussi. Ah oui, bah, bien sûr, ouais. Le prochain qui sort d'ailleurs, plutôt que prévu, je le voyais pas aussitôt, mais il arrive cet été déjà. Ouais. On a Melmoth qui nous dit « Il m'a converti, on fait une cagnotte pour son prochain jeu ?» Ah non, on sort déjà les cagnottes en cours avant d'en lancer une nouvelle. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme les crédits, t'en prends jamais trop en parallèle. Alors, est-ce qu'on va parler de ton nouveau projet? Parce qu'on a envie de savoir. Donc, Ah bah oui, tu nous as parlé de nouveaux jeux, là, on est... Bah oui, bah justement. Bah là récemment j'ai balancé un trailer. Ouais. Effectivement, c'est pour ça qu'on est là. Qui annonçait le nouveau jeu qui du coup est la suite de Taco. Mon suite spirituelle, on n'est plus dans du platformer du tout là, mais. Ouais. Mais ouais, ça fait un moment que je travaille dessus et ça fait un moment bah, que j'en parle un peu sur les réseaux, mais sans montrer les poulpes. Donc ça y est, la nouvelle est sortie. Mais ouais, j'ai pu commencer à travailler sur ce jeu-là. Oui, les poulpes ont été lâchées. Les poulpes ont été lâchées. Mais ouais, j'ai pu commencer à travailler sur ce jeu-là, le nouveau que vous allez voir dès 2019.
juste après la sortie de première sortie de Taco, en fait, hein, j'ai commencé à taffer dessus et j'ai eu la chance d'être sélectionné en résidence artistique au Japon. Donc, en fait, je suis parti 5 mois à Kyoto et c'est là où j'ai commencé le nouveau jeu. D'accord. Je sais pas si vous connaissez le concept de résidence artistique. Bah, tu peux expliquer moi, pour les gens du chat, peut-être qu'ils connaissent pas du coup. Mais en gros, moi je connaissais pas non plus, hein, mais j'étais tombé sur un documentaire Arte sur la Villa Médicis, qui est à Rome, et qui est en gros une résidence artistique qui a été ouverte, créée par Louis XIV. Et en gros, la France, en gros, et depuis ce concept est resté, en fait, c'est la France qui envoie des artistes à l'étranger pour faire du rayonnement culturel et des échanges artistiques avec plein de pays. Et en fait, bah, y a eu une résidence française comme ça au Japon, qui s'appelle la Villa Kujoyama et qui est à Kyoto. Et bah moi, après avoir vu le documentaire sur Arte, je me suis dit, bah, ça serait bien qu'on ait ça pour le jeu vidéo, quand même. Parce que bon, ça reste une forme d'art aussi, au même titre que tous les autres. Mais ça n'avait pas eu lieu encore. Donc j'ai un peu tenté comme ça, au culot, hein, si on veut. Et c'est passé, en gros. Du coup, je suis devenu le premier créateur de jeu à entrer dans la résidence. Oh. Ça, c'est plutôt notable, hein, j'ai envie de dire. Tu mets un petit peu de prestige sur notre discipline préférée, c'est bien. Bah, c'était un peu l'idée, quoi, d'essayer d'ouvrir les portes des résidences à ça. Donc bon, j'ai essayé de militer un peu. J'ai organisé une game jam à la villa pour montrer un peu au ministère de la Culture que le jeu vidéo, comment ça se passe, quoi. Essayer de rassembler un peu toutes les formes d'art qu'il y avait. Mais en gros, voilà, on m'a donné cette chance-là, bah, de partir 5 mois. Donc c'était pile après la sortie de Taco, comme je disais. Donc bah, moi, c'était à la sortie du burn-out, si on veut. Donc ça m'a pas mal rechargé. Parce que bon, bah, après ce qui s'était passé, c'était un peu mode, est-ce que je me repars encore dans un jeu complet, comment ça... Qu'est-ce que je fais, quoi. Vu que bah, j'avais rien touché de Taco et que bah, j'étais chez mes parents au RSA, quoi, concrètement. Donc bah, j'ai pu partir là-bas. Mais y a pas de mal, hein. Ça m'a pas mal. Non, on adore. On est plein à être passé par la team RSA, hein. Ça fera même rire certains d'ailleurs. Je leur fais des bisous. et ouais, du coup, j'ai pu bah, bien commencer ce projet. Et bon, bah, après, dès que je suis rentré en France, c'était les deux choses à faire qui étaient. Fallait sauver Taco, quoi, en rentrant en France. Donc, ce jeu-là, il a été pas mal ralenti. Vu que bah, du coup, il a fallu récupérer Taco et le ressortir, donc refaire toute la C'est com, combien de temps de tergiversation et de manigances administratives pour arriver à récupérer les droits Ah, ça a pris 3 ans. Hein. Ah ouais, c'est énorme. 2-3 ans, ouais. Il est resté coincé un moment et du coup, bah, c'est pour ça, en fait, ce jeu-là, il a été pas mal ralenti. Et du coup, bah, là, c'est vraiment depuis un peu depuis la ressortie de Taco que j'ai pu commencer à vraiment aller dessus comme il faut avec une équipe. Parce que là, cette fois-ci une équipe parce que faire ça tout seul là, ce qu'on voit à l'écran, tout faire tout seul là, franchement, tu deviens mon dieu absolu, quoi. C'est juste dingue. Non, maintenant j'ai des graphistes. Voilà, d'accord. je fais plus le visuel, mais je fais toujours le code, le game design, le scénario. Bah t'as su t'entourer, hein, parce que franchement, waouh. Mais ouais, du coup, il faut des sous maintenant pour payer les gens. Bah donc, oui. C'est aussi pour ça que là, je suis en pleine phase de création d'entreprise. du coup, bah, là, c'est ça, quoi. Parce que bon, j'ai perdu un peu de temps à démarcher des éditeurs sans trop de succès. Parce que bon, aujourd'hui, le marché, enfin, même par rapport à Taco, le marché a pas mal changé. Et je me disais quand même que avoir sorti un jeu déjà tout seul allait m'aider, on va dire, mais pas forcément. Donc là c'est moi qui prends des risques encore et qui monte mon entreprise, mais c'est. Donc c'est là bon. T'as fait des emprunts, c'est ça que tu nous dis en fait. Oui, bah c'est ce qui est en train d'être fait, ouais. Un prêt d'honneur plus un prêt bancaire pour créer l'entreprise et en gros, parce qu'en France en fait ça marche d'une manière où en fait c'est quand tu as des sous qu'on t'en donne en France. Oui, oui c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Donc en gros les prêts bancaires vont me permettre de récupérer des subventions et de faire bah, de demander plus et d'avoir le budget pour développer tout le jeu avec l'équipe. Là où c'est un sacré risque. Là où Taco j'avais pas ce problème vu que j'avais fait le jeu tout seul quoi. Mais, ouais. Mais après, voilà, c'est aussi. Maintenant, je me permets maintenant de le faire, alors que je ne l'ai pas fait pour Taco, hein, concrètement. Même si, bon, j'avais mon prêt étudiant à l'époque, donc on peut dire que c'est un peu la même chose, hein, si on veut, mais. Oui, t'avais un prêt sur le dos aussi. C'est une autre structure, quoi, pour le coup. Oui. Mais du coup, voilà, Taco, vu qu'il a commencé à rapporter un peu, j'ai pu réinvestir de l'argent de Taco dans l'entreprise. Et. On va dire c'est le moment, quoi, de faire le saut, et on verra si ça marche.
Mais en tout cas, voilà, là on va dire, on a le projet pour ce jeu-là, là, c'est de faire un Kickstarter, justement. Alors justement, je suis sur la page, mais ça charge en boucle. Alors, elle est censée être accessible ? Elle l'est, mais Kickstarter bug souvent. D'accord. Écoutez, je vous mets le lien dans le chat. Au pire, si vous avez comme moi un écran de chargement en boucle, repassez un peu plus tard sur le site. De toute façon, on est voué à en reparler hein, de ce oui, jeu. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bah écoute, coup, ouais, vas-y, dis-nous tout. Bah du coup, ouais, là, en gros, maintenant, l'annonce a été faite. Le jeu est en développement. Alors, on est encore loin de la sortie. Hein, ça va prendre encore minimum 2 ans une fois qu'on aura les sous. Et donc, ça va être Kickstarter, qui va être une grosse étape. Et si ça marche, on va pouvoir faire tout le jeu, où tout est déjà écrit, hein, tout est prêt. Maintenant, faut le faire. Et on aura l'entreprise, on aura le jeu. Et après, on pourra voir pour la suite, si j'arrive à m'installer, quoi, qu'on crée plus confortablement. Ah oui, t'as des sacrés baloches, hein, c'est qui tout double. Hein, parce que soit tu te plantes vénère parce qu'il y a un caillou qui rentre dans un rouage, soit t'arrives à faire ce que tu veux comme tu veux, et là, t'as un moyen vraiment d'exploser au niveau international, je pense, avec un jeu comme ça. Hein. On va dire j'ai l'expérience de Taco déjà, quoi. Donc on va dire je pars pas les mains vides sans rien non plus. Donc ça va être c'est le moment, quoi. Je sens que c'est le moment. On faut passer à la vitesse supérieure. Et là, après, on va dire 3 ans de flottement, on va dire avec Taco un peu dans la sauce, quoi. Il faut que les choses se débloquent, quoi. Et vu que le marché il est comme il est, c'est à moi de prendre le risque. Et on verra. Après, j'ai aussi d'autres opportunités. Hein. Je me suis assuré. J'ai des projets sur lesquels je travaille en freelance à côté. Enfin, j'assure quand même un minimum. Oui, je vais jamais mettre tous ses œufs dans le même sac, c'est clair. J'ai une petite question par contre au niveau du CNC, parce qu'on voit effectivement sur la bande-annonce de la page Steam, t'as donc support du CNC, Institut Française, et que tu nous expliquais via la villa Kujoyama, donc ça tu nous as expliqué. Le CNC, il est impliqué à quel niveau? T'as demandé en gros une bourse d'aide à la création, c'est ça? Oui, en gros, dès 2020, je l'avais eu, c'était l'aide à l'écriture du CNC. Donc c'est avec ça que j'ai pu faire une démo et tous les visuels qu'il y a là avec l'équipe. En gros, c'était une aide pour l'écriture que j'avais eue. Et là, récemment, j'ai fait un peu comme j'avais fait pour la villa, à tenter une aide au culot. j'ai tenté. Vous voyez, les gens, faut tenter le culot, hein. Ça marche des fois. J'ai tenté une aide que les gens de jeux vidéo connaissent pas trop et qui est pas très. En tout cas, quand je suis passé, le jury, il y avait vraiment personne du jeu vidéo, qui s'appelle l'aide parcours d'auteur. Qui est une aide qu'on peut avoir qu'une fois dans sa vie et qui est pareil pour les auteurs et avant la phase d'écriture, quoi, vraiment pour réfléchir à leur projet. Et c'est vraiment beaucoup de gens du cinéma qui la demandent, mais le jeu vidéo est aussi éligible. D'accord. Donc j'ai tenté et je l'ai eu. J'attends l'argent maintenant, mais c'était là il y a un mois où j'ai eu cette aide là, donc qui va me permettre d'assurer mes arrières aussi par rapport aux différents prêts bancaires que je vais faire. Mais voilà, ça fait partie de l'aide à l'écriture, qui elle est une aide propre aux jeux vidéo, et l'aide parcours d'auteur, c'est les seules 2 aides qu'on peut avoir sans être une entreprise et sans apporter d'argent. Toutes les autres aides, il y en a peut-être d'autres que je connais pas, hein, mais les plupart des autres aides du CNC, il faut être une entreprise et apporter la moitié de la somme qu'on demande. Être déjà porteur d'une partie du budget, quoi. Du coup, voilà, on en est là. Et ce genre de coulisses, et de savoir un petit peu aussi les démarches que tu fais, parce que les gens, des fois, ne tentent pas de faire ce genre d'aide et passent directement par la phase financement participatif. Mais comme tu dis, en amont, ça peut t'éponger déjà quelques frais et ensuite te lancer uniquement sur le développement et à ce moment-là, faire le financement, quoi. En fait, le financement participatif, il y a aussi beaucoup de mythes et d'illusions autour de ça. Hein. On a l'impression qu'il y a des gens arrivent sur Kickstarter de nulle part et font leur campagne et ils ont 1 million, mais en vrai c'est plus compliqué que ça. Et moi j'avais pas envie de faire un Kickstarter à la base, hein. J'ai un peu par défaut devoir en faire un, parce que les éditeurs aujourd'hui, si t'as pas fait ça et si t'as pas toutes les wishlist Steam pour leur prouver que le jeu va se vendre, c'est une figure imposée maintenant quasiment, quoi. Et sachant que Taco concrètement il s'est bien vendu sur Switch, mais sur Steam il a pas fait des folies. Pour toutes les histoires de wishlist perdues et tout concrètement. Hein. Mais du coup, en gros, les éditeurs, ils m'ont dit on a peur que ton nouveau jeu, il se vende pas. Donc, on te signe pas. Mais si tu peux nous prouver la popularité en faisant un Kickstarter, par exemple, et là, on considérera la question. Quoi.
Donc aujourd'hui, le marché, c'est ça, malheureusement. C'est dingue, hein, parce qu'en gros, un éditeur, c'était à la base, dans la conscience collective, c'est censé t'éviter ce genre de démarche autonome d'aller toi chercher, lever des fonds via le public. Et au final, ils ont besoin de ça maintenant comme preuve finalement de montrer patte blanche. Ce qui est un petit peu comme les banques, ce que tu disais. Hein, maintenant, t'es obligé de venir avec de l'argent pour te faire prêter de l'argent. Donc c'est... Oui. Mais il y en a même des éditeurs qui m'ont dit ça, en mode le fait que tu fasses des prêts bancaires va montrer que tu crois en ton projet, donc les autres vont y croire. Non, bah oui, mais bon, le fait que j'ai fait un jeu avant, ça montre que je crois en mes projets aussi, peut-être, je sais pas. Oui, et que c'est l'avenir dans lequel tu te destines, si c'est déjà ton deuxième jeu et que tu lâches pas, entre guillemets, l'affaire, c'est que voilà quoi. Surtout que bon, les choses que j'ai pu vivre sont assez connues dans l'industrie quand même. Oui, bah donc, c'est malheureusement. Je suis pas venu. Trop courant quoi. Voilà, donc on va dire les éditeurs savent à peu près qui je suis, hein, donc on me répond, hein, et ils ont testé le jeu. Hein, et... Donc voilà, on ne va pas fermer des portes en mode je ne viens jamais, sauf pour des cas de catalogue. Hein, une personne qui édite que des jeux 3D, ben forcément, il ne va pas le prendre. Mais les autres, ils sont aussi dans leur programmation. Quoi. C'est ça, mais voilà, là, en gros, la plupart sont en mode on verra plus tard. Quoi. En tout cas, tu as l'air d'avoir... Excuse-moi, je te laisse finir. Non, c'est juste, bah voilà, en attendant, c'est à moi de monter la société, d'essayer de trouver une partie des fonds par moi-même et de faire un Kickstarter. En tout cas, t'as l'air d'avoir la tête sur les épaules et c'est absolument nécessaire pour réussir un projet et ça t'amènera sûrement au succès, quoi, si les étoiles s'alignent. Vraiment, c'est... Ben, si je peux témoigner rapidement, moi j'ai vu beaucoup trop de projets indés où en fait les jeux étaient bons, mais ils étaient faits par des très mauvais gestionnaires, des très mauvais gens qui géraient la partie financière, administrative, et ça c'est aussi le nerf de la guerre quoi, parce que faire un bon jeu, faut aussi qu'il se fasse distribuer, faut aussi qu'il trouve son public, faut qu'il se fasse marketer, et tout ça, ça nécessite des synergies et des compétences que t'apprends pas forcément en école de jeux vidéo, même si maintenant les cursus intègrent de plus en plus ce type de formation aussi, hein, création d'entreprise, droit sur internet, enfin, t'as des troncs communs où quand tu les fais, tu te dis mais ça va jamais me servir, et en fait si, parce que quand t'es livré à toi-même à devoir tout monter au niveau structure, au niveau société, etc., bah t'es content d'avoir eu ces petites bases quoi. Ah oui, non mais c'est sûr qu'en école de jeux vidéo, on a eu quelques cours d'entrepreneuriat, hein, mais c'était voilà, c'est ça, ouais. C'était assez décroché de tout. Mais hein, très limité, et puis c'est les cours que eux te donnent, c'est aussi déconnecté de maintenant le marché, comment il fonctionne. Le marché qui a évolué en 5 ans encore d'une autre manière, donc les profs traînent parce qu'ils n'ont plus tellement le pied dans les entreprises, hein. À part quelques écoles où il y a vraiment des intervenants qui sont des professionnels de l'industrie qui viennent faire des cours ponctuellement, quoi. Bah moi j'interviens dans quelques écoles aussi, en parlant de projets freelance à côté pour gagner un peu de sous. Bah oui, parle-nous-en, hein, c'est intéressant. Il y a ça aussi qui se fait, intervenir dans les écoles, donc j'essaye de le faire un peu. Du coup, tu témoignes sur ton parcours en fait de développeur indé et de créateur d'entreprise, c'est ça ? C'est ça, et je peux aussi faire, ça m'arrive aussi de faire du suivi de projet et donner des conseils en code ou ce genre de choses. Ok. Mais ouais, c'est... Bon, c'est bien, t'as plein de casquettes, hein, j'ai envie de dire. Bah, j'essaye ça de... ça sent le mec prudent quand même, qui prend des précautions parce qu'il sait aussi que la vie des fois, ça se passe pas toujours comme on veut, quoi. Oui, puis bon, on va dire pour Taco, je l'ai fait à fond, en mode je suis tout seul, peu importe ce qui va se passer. Du coup, je suis sorti quand même pas mal en burn-out, quoi. Ma vie à côté était un peu en suspens. Ça aussi, on n'apprend pas à gérer, à cloisonner vie privée et travail quand tu es à ton compte et que tu travailles de chez toi, c'est compliqué. Bah, c'est aussi juste à segmenter. Hein, c'est juste clairement pas possible. Donc voilà, en gros, je recommande pas aux gens de faire comme j'ai fait. Après, dans mon cas, ça a pris. Même si bon, les retombées financières sont arrivées bien longtemps après, on va dire dans l'estime ça avait pris. Bon, je me suis fait connaître et c'était le principal. Puis bon, j'ai fait un jeu qui a quand même un peu de gueule, mais voilà, j'ai pu voir malheureusement beaucoup d'indés qui font des jeux mais qui communiquent pas et qu'on voit en salon le jeu pour la première fois et qu'après on le voit plus. Donc il faut penser à ça et malheureusement bah c'est faire 5 jobs en même temps quand on est tout seul quoi. Donc faire le jeu, faire la com, faire les financements. Donc c'est pour ça, là, j'essaye de petit à petit de me structurer un peu mieux, de déléguer un peu plus et de... Aller sur des salons aussi, parce que, par exemple, le Stunfest, ouais. Bah, c'est à tes frais, du coup, tu vois, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais tout ça, ça s'accumule, hein, finalement. Ah oui, et les coûts des salons sont montés aussi, hein, parce que moi, à l'époque, le Stunfest, c'était 100€ pour montrer Taco, maintenant, c'est plus ça. T'as vu, c'est un peu plus cher, ce que je te disais, le prix des tables a quasiment quadruplé en 10 ans, hein, c'est... Ouais, d'accord.
Mais bon, il y a toujours des opportunités, hein, il y a toujours des salons. Donc là, j'ai hâte de pouvoir commencer à en faire avec le nouveau jeu. Pour Taco, j'en ai fait vraiment beaucoup et c'est vrai que ça manque un peu quand même. Et moi, je dis rendez-vous sur un salon et comme ça, on testera ton jeu en direct du salon et on refera un petit point interview en direct. Moi, je ferai sans doute le Stonefest un jour avec Imitsu, hein, en fait. Mm-hmm. Taco l'a fait 4 fois, donc il faut bien que je revienne. Oui. Sinon, Liberté va être jaloux. Enfin, sous réserve que le Stonefest continue. Hein. Non, je touche du bois, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai qu'ils ont eu moins de gens cette année que ce qu'ils avaient escompté. Et puis, bah, les frais, eux aussi, augmentent chaque année. Les frais de location, les frais de roulement, de gestion. Donc, ouais, c'est compliqué pour tout le monde hein, en ce moment. Ouais, mais bon. En tout cas, voilà, là, maintenant, c'est la phase. Tout va, on va dire, le jeu, même là, pour bon, c'était bloqué pour Taco, ça s'est débloqué. Maintenant, c'était ce jeu-là qui était bloqué. Et là, ça commence à se débloquer. Donc maintenant, là, pour le reste de l'année, c'est essayer de retrouver un rythme de développement régulier et de faire la campagne avant la fin d'année. Et en attendant, bah, essayer de continuer à communiquer et faire grimper les wishlists au fur et à mesure sur Kickstarter et sur Steam. Parce qu'il y a ça sur Kickstarter aussi maintenant, il faut wishlister avant la campagne pour que l'algo le mette en avant. Ouais, ah ouais, c'est chaud. C'est partout comme ça, malheureusement. Okay. Et bon, on vous remet le lien en tout cas, et du coup, bah, n'hésitez pas à wishlister les gens, hein, ça aide énormément les développeurs, vous ça vous coûte rien. Quand bien même vous ne voulez pas forcément vous procurer le jeu à la fin, voilà, faites juste tourner un petit peu l'algo, comme vous mettez des pouces des fois sur des vidéos, hein, c'est bête et méchant, mais ça participe à médiatiser un petit peu le jeu sur la plateforme. Parce que c'est vrai que le marché est saturé, hein. Steam, je sais plus combien de sorties c'est actuellement par jour, enfin c'est du n'importe quoi, donc pour arriver à ressortir, bah, c'est des curateurs, c'est des groupes, d'ailleurs comme un de nos membres nous a donné le lien vers son groupe et voudrait nous donner son groupe en gestion, parce que lui ne s'en occupe plus, bah, ça sert à faire ça, à mettre des jeux en avant, sur des thématiques, via des filtres, et pour ça Steam est quand même de mieux en mieux foutu, hein, pour trouver en tout cas du contenu bien ciblé en cherchant en fait avec des mots-clés. Et ben en tout cas, merci Chris, si tu veux y aller, tu peux, à moins que Job ait encore des questions, mais sinon tu peux aussi rester avec nous, commenter l'actualité, comme tu veux, c'est toi qui vois, je pense que t'es occupé, mais... ouais, il est un peu tard. T'es libre. Ouais. Okay, ça mais en tout cas, merci de m'avoir invité. Ah non, 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 merci à toi. J'espère pas trop déprimer les gens avec l'envers du jeu vidéo. Mais Ah non, pas du tout. Je pense que ils sont friands de connaître tout ça. Et bah écoute, tu nous as captivés par l'envers du décor. Donc merci pour ça. Puis on te dit à bientôt. Voilà. Yep, bah merci et à bientôt. Et bah wishlister les jeux. Ouais, bah on va wishlister. Ouais. Ouais, tout à fait. On s'est déjà fait. Merci. Allez, bonne soirée à toi. Excellente soirée à toi. Bye bye. Salut. Et voilà, donc et bah écoute, je te propose d'enchaîner parce que c'est très très chargé ce soir, il y a énormément de news. Tu m'étonnes. En tout cas, très sympa, hein. Puis un jeu aussi qui a de la gueule, hein, que ce soit le premier ou surtout celui-là. Pour ceux qui aiment la GBA, on est vraiment dans cette inspiration-là, quoi. Donc, mais moi je dis, c'est intéressant, il parlait de déprimer. Effectivement, les gens qui pensent que c'est tout beau, que c'est tout bisounours dans le monde du dev indé, bah, enfin voilà, c'est important. De la même manière qu'il y a des gens qui disaient, ah, mais quand on entend les malversations chez Ubisoft, chez EA et tout, ça dégoûte un peu du JV. Mais non, parce que plus t'es au courant de ça, plus tu peux parler avec porte-monnaie et puis entre guillemets faire entendre ta voix avec tes petits moyens de finalement de consommateur, parce que c'est qui fait tourner ces grosses boîtes au final, c'est nous, hein, les gamers. Donc à un moment donné, s'il y a des choses que vous acceptez pas, bah, ne donnez plus vos sous et puis aidez des petits développeurs comme ça qui ont besoin de sortir un petit peu de la masse, quoi. Bah, c'est surtout que, comme je l'ai toujours dit, les jeux vidéo c'est les pyramides modernes. Donc comment veux-tu qu'un mec qui fasse un jeu, encore plus quand il le fait tout seul, bah il soit bien, quoi, il va pas finir à 17h, il va falloir qu'il se tue sur son jeu. Chris, ouais. Je pense qu'il s'est tué sur son jeu, et la plupart des gens, même en équipe, ils se tuent sur leur jeu, et il n'y a pas d'autre premier choix. Jeu Burnout, tu vois, ça pose le décor, quoi, du type de stress, bah ouais, que t'as dans ce job, quoi. Et même Jay le disait, tu vois, quand dans la vidéo où Jay Grouard est là, en fait, il le dit, tous ceux qui se plaignent du crush dans les jeux vidéo, ils ont pas compris comment ça fonctionne. C'est inhérent au jeu vidéo. Tu ne peux pas faire autrement que quand t'as des merdes qui arrivent sur ton jeu, tu t'approches du délai, il y a plus de budget, bah faut cruncher, il y a pas le choix, c'est inhérent à la façon de travailler. Tous les studios font ça.
Si, s'il y avait moyen d'éviter, bah évidemment que ça serait que deux ou trois exceptions par-ci par-là, mais c'est la majorité de l'industrie qui fait ça, donc, donc le jeu vidéo c'est du sacrifice en barre, c'est tout. Et donc Jay disait, puisque lui a des projets en ce sens, que si tu fais du jeu vidéo, tu fais quelque chose qui te passionne, donc sois heureux de faire ça ou fais autre chose. En fait, c'est ça. C'est vrai que c'est triste, c'est dur. Faut relativiser en disant que t'es pas à l'usine, t'es pas en train de faire les 3-8 à monter des jambes sur une bagnole 250 fois par jour. On reste dans un métier passion. Mais il est vrai que chier du code ou chier de la texture ou être quelqu'un qui développe des assets à faire des verres, des tasses, des pieds de chaise, tu vois, à longueur de journée, au bout d'un moment, ça peut aussi être avilissant. Ce sera pas physiquement, mais ce sera psychologiquement avilissant. Et à un moment donné, je pense qu'il y a une piste aussi. Mais attention, on va pas se lancer dans le débat, hein. C'est juste te dire pour clôturer. Que les IA, on en parle souvent en mal en ce moment, que ça va voler des jobs. Moi, je pense que les IA, il faut s'en servir pour ces trucs répétitifs, avilissants, pour laisser les créatifs justement être libres et dépenser leur temps ailleurs sur des trucs plus importants, quoi. Mais bon, je suis un rêveur, hein. je vois les choses en rose, mais non, ça va partir en couille. On sait que Skynet va dominer le monde et qu'on va se faire buter par les Terminators, quoi. C'est comme ça. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on enchaîne et qu'on parle un petit peu de la PGR ? La PGR, moi, j'y connais rien. On a essayé d'inviter des gens, ils n'ont pas voulu venir. Ouais, ben, personne n'est dispo, hein, là. Qu'est-ce qui se passe, les gens, là ? Non, mais plus sérieusement, effectivement, comme on n'y était pas, c'était compliqué de vous faire un dossier, entre guillemets, ou un vrai débrief. Donc, on a lancé des cannes à pêche un petit peu au dernier moment. Il est vrai, mais personne n'était dispo pour venir nous faire un débrief ce soir. Donc, moi, ce que je vais vous faire, très rapidement, je vais vous montrer 2-3 photos et bah je sais pas, on peut juste présenter l'événement. Donc Guimou, est-ce que tu y étais déjà les autres années? Tiens, ça peut être déjà un début. Non, je suis jamais allé. D'accord, ok. Bon, alors moi de même, je n'y suis jamais allé non plus. Donc, bon, bah... Alors il semblerait que ça, c'est une genre de bourse rétro. Les gens viennent plus pour montrer du matos que pour vendre, hein. Je crois pas qu'il y a de commerçants qui viennent vendre des pièces. Corrige-moi si je dis de la merde. Ah, j'en sais rien du tout. D'accord, donc t'es venu vraiment les mains dans les poches. Alors attends. Ah ouais, non, mais la PGR, moi c'était des invités ou c'était rien, parce que j'y connais rien. Donc voilà, on c'est va la salle en live. La PGR, c'est super. Et bah allez-y, parce que nous on connaît pas, donc voilà. Écoutez, il y avait Cousin Hubert, donc ça peut que être bien. Il y avait Rétro. Non, mais je lui ai demandé de venir, hein, Cousin Hubert, il m'a dit j'ai rien vu. Donc je suis resté con. Original. Il est resté sur son stand, il a pas bougé, et les autres, il leur a fait des gros fucks avec ses petits doigts. Et okay. Ouais, ça s'arrêtait là. Donc Non, mais en gros, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est quand même quelque chose qui est assez, assez confidentiel. On n'est pas sur un truc Pixel Days ou Stunfest ou un truc énorme. Et de ce que j'ai compris, là encore, corrigez-moi dans le chat si je dis de la merde, c'est un truc un petit peu plus entre particuliers pour montrer des bécanes et du matos rétro. De ce que j'ai compris, il n'y a pas de vendeur. Maintenant, tu peux toujours négocier, hein. Le mec, il a posé une Jaguar, tu peux lui poser la question, est-ce qu'il la vendrait ? Pas, éventuellement. Ah. Il y a une info qu'on peut partager. Il me semble qu'il y a aussi beaucoup d'odeurs et de bidouilleurs qui ramènent en gros des ordinateurs rétro équipés avec des sorties, on va dire, numériques ou du HDMI ou des émulateurs de disque optique. Enfin, voilà, tout ce qui peut être hardware rétro et bidouille, c'est à mon avis bienvenu. Et au niveau de la taille, j'ai l'impression que c'est une grande salle de sport, c'est genre une salle municipale, un foyer, quoi. Ouais, c'est ça. Alors si, il y a une info qui est intéressante, qu'on peut relater quand même, malgré notre incompétence notoire. On peut quand même dire qu'il y avait Fonzie de Watermelon Games. Donc c'était la surprise, parce que le mec, il est malin. Il n'a pas annoncé qu'il allait venir à la PGR. Et donc, du coup, il était invité surprise. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il fallait pas lui poser de questions sur Paprium. C'était un petit peu la consigne. Mais il fait comme Kamiya, c'est ça ? Il a les règles pour s'adresser à Fonzie, uniquement parler en japonais, oui, ne pas parler de Bayonetta. Exactement. C'est exactement ça. C'est le Hideki Kamiya français. Fantastique. Donc, il en faut. Il en faut des personnalités un peu atypiques. Moi, comme je dis, hein, il aurait pas aussi mal géré la thune. Pour moi, ce serait un mec, comment dire, flamboyant, tu vois. Il en faut, des mecs comme ça, des mecs un peu perchés, rêveurs. Mais le problème, c'est quand c'est eux qui ont les cordons de la bourse et qui gèrent la logistique et l'argent des gens, là, c'est vrai que ça devient un peu plus amer, tu vois, et on rigole un peu moins, quoi. Oh mon Dieu, un saint ! Vous avez rien vu ? Oh mon Dieu ! Non, mais si c'est passé sur Facebook, le hentai, il n'y a pas de raison que ça passe pas sur YouTube et ailleurs, hein. Je suis confiant. En tout cas, on est fiers que l'année prochaine. Bah tiens, ça appartient pas à ce très cher cousin Hub, l'écran sphère là. Je l'ai vu déjà dans un salon. Peut-être.
C'est pas en toi, tout cas, on espère que bah, l'année prochaine, on aura quelqu'un qui pourra soit nous faire un petit résumé et nous parler un petit peu des stands, soit qu'on y aille nous-mêmes, mais qui sait, on verra. Bah oui, de toute façon, le but final de cette association, c'est aussi de pouvoir couvrir ce genre de salon et de pouvoir se dispatcher sur tout le territoire. Et si on a des adhérents un petit peu à droite à gauche sur le territoire, qui ont en plus envie de produire du contenu, parce que personne n'est forcé, vous pouvez suivre entre guillemets la vie associative, profiter de tout ce qu'on fait nous, mais pas forcément avoir envie de mettre les mains dans le cambouis. Mais si ça vous dit, ça permettrait d'avoir un réseau de gens qui pourraient, à défaut de couvrir le truc de manière pro, prendre quelques photos, nous envoyer quelques vidéos, tu vois, faire un petit débrief écrit sur le futur site web. Ça pourrait être intéressant, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis des salons comme ça, il y en a plein, hein. Ça, c'était un peu au-dessus de Paris, c'est ça? C'était dans le nord-ouest, ouais, j'ai regardé, c'était à 130 km de chez moi. En fait, je l'ai su le dernier jour, mais j'aurais littéralement pu y aller en mode touriste. En une heure, j'étais là-bas, quoi. Mais bon, je me suis rendu compte trop tard et j'avais un week-end très chargé où j'ai enfin pu rattraper mon retard. Alors attention, il y a Cousin Hubert qui se propose de venir commenter, mais c'est compliqué sur ce format, Cousin, parce que en fait, il faut que tu viennes sur notre Discord et qu'on t'insère dans... on va t'insérer. Ouais, qu'on t'insère Paprium. Quelque chose. Regardez la belle borne, Paprium. Donc est-ce que t'es prêt à venir sur notre Discord? On te met le lien. Et donc du coup, après, on t'insère dans le chat, dans le salon privé. Alors attends, j'essaie de te retrouver le Discord et mets-moi une réponse en attendant. Le slip en cuir de Paprium, pris en gros plan. Voilà, je vous mets le contexte, hein, parce que sinon les gens vont se dire on montre notre dernière soirée BDSM au club. Clin d'œil. Un petit alien en peluche, un facehugger, voilà. Ah oui, toute la collection alien. Je comprenais pas pourquoi il y avait la peluche, parce qu'en fait, il y a littéralement la collection de probablement tous les jeux Alien versus Predator. C'est très spécifique. Ah non, pas que. Non, il y a Isolation, Colonial Marine. Non, en fait, c'est tous les jeux aliens, il semblerait. Donc voilà, il y avait ce genre de petite collection, quelques belles pièces du rétro. Et après, effectivement, si Cousin Hub veut venir, moi, ce que je te propose, c'est d'enchaîner les news, parce que si Cousin Hub vient nous faire un débrief, j'ai peur qu'avec nos deux dossiers, on termine à 4h du mat. Donc, Tout à fait, on est mal parti, là. Oui. Je vais lui mettre donc le lien déjà du Discord, parce qu'il doit même pas y être. Attends, est-ce qu'il a dit un truc déjà? Oui, regardez, prêt. Il est là, je l'ai invoqué. Paf, Cousin Hubert apparaît sur mon écran. Bon bah Cousin Hubert, t'as qu'à me mettre un message sur Messenger quand t'es prêt, et puis après on s'arrange. Voilà, okay, je vous laisse vous organiser. Ouais. Ah, Doug, il était là aussi, le petit coquin. Bah il est partout, Doug. Oui, mais Doug, le mec, je crois qu'il a la capacité d'ubiquité et de se dédoubler. C'est pas possible. Je l'ai déjà vu sur deux salons en même temps. Donc soit il a un frère jumeau, soit je ne sais pas. Un petit JM Destroy aussi. Oui, donc alors... voilà, toutes les têtes habituelles, j'ai envie de dire, du rétro gaming. La magnifique moustache de Fonzie qui commence à griser. Il a la moustache grise avant les cheveux. C'est original. Alors, donc, voilà, du Windjammer. Donc, Cousin Hubert va dans le salon général audio. Et après, donc, Joe pourra t'ajouter dans le salon. Je pense qu'on a le temps de prévoir une petite news entre temps. C'est quelqu'un qui travaille dans le jeu vidéo. Hop. D'où il fait une conférence. C'est dingue. Ah ouais, bah écoute, c'est pas étonnant. Il y a plein de petits extraits de la conf de Doug. Voilà, on a des mobos, on a des Master System portables, on a des PC portables début des années 90, magnifique. On a du PC 88, non? Ou du PC 98? Je crois, en version portable en plus. Des jolis petits CRT, des Trinitron, des plats, la magnifique télé SP1 avec la Super Famicom intégrée, voilà, toujours pratique. Il y en avait plein dans les hôtels, des comme ça, des combos console plus télé. Alors la PGR, géographiquement, c'est au nord-est de Paris, mais la ville, je me souviens plus. C'est un truc en deux syllabes, Nippon, Noton, Nopon. Alors il y a Cousin Hubert dans le salon. Ah, alors je le glisse. Ok, super. Super, et super. Et bim, Cousin voilà. Hub est avec nous. Allez, commente-nous tout ça, mon cher cousin. Comment tu vas déjà dans un premier temps? Bonsoir. Ça va bien. Bon bah super, super. La PGR.
Et comment t'as trouvé la PGR alors, d'une manière globale, même si t'es pas sorti du périmètre de ton stand? Non, c'était merveilleux. Moi, c'était ma deuxième. Ah d'accord. Et cool. Comment je l'ai connu, c'est par Chris Redfield Retro Gaming Bureau. Bien sûr. Et donc c'était il y a 2 ans maintenant. L'année dernière, j'y suis allé pour la première fois et j'étais à peu près tout seul, il me semble. Donc j'ai fait des connaissances. Et puis cette année, il y avait tous les poteaux qui ont pu y aller, donc c'était génial. D'accord. Et alors après, comment ça se passe? Ben là, j'ai préféré y aller le vendredi pour avoir le temps vendredi soir d'installer le matos. Il y avait quasiment la moitié des exposants qui ont fait de même, parce qu'il y a tellement de choses à installer moi j'ai passé 3h30 à installer, 3h30 à débarrasser. Donc tu vois, il y a déjà un tiers presque de la PGR qui est alloué à ça. Et après, le matos qu'il y avait, c'était impressionnant. Enfin, sur les photos, j'hallucine. Hein. Ouais, non, tout le monde avait beaucoup de choses et en fait on est tout le temps à part quand on va manger ou aller se rafraîchir un petit peu aux toilettes quoi. On n'a pas trop l'occasion de butiner, je veux dire, d'un stand à l'autre. Alors il y en a qui sont venus sans stand, sans être exposants, donc eux c'est la fiesta. Ils ont pu aller voir tout le monde et passer le temps qu'ils voulaient. Et du coup, la ville, c'est Pinon. À ceux qui demandaient dans le chat, j'ai retrouvé la ville. C'est à Pinon. Voilà. Pinon, il n'y a pas d'hôtel à Pinon. J'ai pas vu de resto. Ils cherchent un médecin aussi. Ah ouais, d'accord. Donc, s'il y a un médecin dans le chat qui veut s'installer, voilà, n'hésitez pas. Il y a une banderole d'une maison médicale. En gros, Pinon, c'est Raccoon City. Venez vous mettre chez nous. Ouais, c'est entre ça, Paris et Amiens. Vous faites un triangle et enfin c'est à mi-chemin entre. Enfin c'est un peu plus proche de Reims que d'Amiens. C'est à 15 bornes de Soissons en fait. Ouais. Entre Soissons et Lens. Et donc non, il y avait des gens de toute la France et c'était très sympa, hein, sans faute. On a même eu le feu d'artifice parce que c'était la fête de la ville. Oh, carrément. Beau feu d'artifice, mais. Quasiment devant la salle municipale où on avait garé les voitures, du coup. Quoi. Donc, ils nous ont dit vous débarrasser toutes les caisses, là, parce qu'il y a des risques d'incendie, là, tout va retomber sur vos voitures. Donc, il était 11h du soir, on a warning, déplacé warning. Les voitures. Ouais, c'est ça, non, ouais, c'est, donc, voilà, si tu veux, moi, j'ai pas trop l'esprit de synthèse, mais si on regarde les photos, je peux te les commenter. Donc, ça, c'est. C'est le stand où alors il y a Gwen qui Gwen de Games Co. Je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Donc il a aussi une chaîne. Voilà, il a une chaîne YouTube, donc là on voit Harmony de dos sur la bande Paprium qui est à Gwen aussi, qu'il avait déjà ramené à la Edge Convention la dernière. Tout un tas de bornes de démonstration de consoles authentiques. Là, on a Cyril 2.0 avec son amour de la PlayStation. Mmh. Dans tous les sens. Il y avait plusieurs salles ou c'est la salle qu'on voit là sur la. Elle est en L, donc là, c'est la première partie, la plus grande, si tu veux. On voit avec le t-shirt orange là derrière. Mon pote Berrichon en t-shirt bleu Hard Off là à côté. Je sais pas si vous connaissez Will. Alors Lolo Oui sur Facebook, Will. Oh, ouais, bien sûr. 54, oui, bien sûr. Derrière en bleu Berrichon, ciel. Lolo, tout ça on connaît bien sûr. Ouais, Lolo, il a 5 ou 6 lasers actifs chez lui qu'il a réparé de fond en comble. Il a ramené aussi le X68000Z, donc ce qu'on appelle le mini. Il y avait il y avait du très lourd en termes de matos. Ah ouais, très très lourd. On voit sur les photos, c'est du très très rare. Ouais. Ouais. Et donc c'est pas du tout la foire à la saucisse de la vente. C'est vraiment une rencontre de passionnés comme on aimerait aller en faire tous les week-ends en fait, tu vois. Qu'on se retrouve dans une salle et qu'on amène tous nos trucs et puis en fait on parle tellement qu'on joue à peine. Mais bon, là c'est le stand de. Alors il allait le dire, Jop. Style Battalion. Ouais, mais ah oui, de Fey. Ouais, Fey, FEI. Picard. Avec son magnifique contrôleur, ouais. Là, on voit de dos. Alors,
attends, non, c'est pas, il s'est pas fait une queue de cheval, non, non, c'est pas lui, je sais pas qui c'est. J'allais dire Manu de l'aide de la RGC, mais c'est pas lui. Là, c'est le stand de Manu de l'être. Donc, il a mis un jour à l'installer. En fait, il a posé tous les cartons. Il foutait rien, il les a laissés. Il a réparé des, il a fait réparer des LT. Alors, il y a Gwen de Games & Co qui touche sa canette en réparation. Il a essayé de lui réparer une LT. Je sais pas si c'est arrivé à bout. Ça, c'est mon stand. Voilà, les deux photos. Ouais, j'avais ramené le Sega Terra Drive. Regardez, il y a deux knackis géants dans les mains. C'est des saucisses de Toulouse pour jouer à un jeu de rythme. C'est incroyable. Ah oui, ça oui. Oh, il y a un petit décalage sur YouTube. Kirito qui avait ramené. Alors Kirito, c'est... quand on parle d'amour du rétro gaming et du public qui aime le rétro gaming, je crois qu'on peut pas faire plus. C'est un bon représentant. Ouais. Il est venu, il avait pas d'écran. On lui a dit ouais, on va te filer un écran. Le truc c'est que les écrans à filer c'est que des CRT, des trucs anciens. Et lui il avait besoin d'un LCD. Pour brancher sa PS4 Hatsune Miku non disponible à la vente, à part au Japon à l'époque sur Internet. Ouais. Et donc, il est allé acheter une télé. Non. Je lui ai dit, mais t'es fou. Et il est allé acheter une télé. Il y avait un cache converteur collé à notre hôtel, quoi. Et donc, il y a Berrichon qui l'a accompagné avec Retro Gaming Bureau. Ils sont allés. Putain, et ça me fait mal à la boîte à Benko pour lui, en fait. Franchement. C'est ça. C'est ah ça, ouais, mais ça fait plaisir aux enfants, ils ont bien kiffé Toto. Il y a un problème, il y a une solution, tu prends la solution, là, voilà. Il a pas cherché plus loin. C'était le plus gros amoureux de Phantasy Star en tout cas. Ah oui, c'est Torb. Ouais, c'est incroyable. Le stand de Torb, bah, déjà l'année dernière c'était top, et puis il a ramené des serviettes éponges en plus. Là. Il a ramené des... C'est vrai que ça a de la gueule, hein. Quand c'est entreposé comme ça... Ouais. Ah ouais, il y avait aussi le magasin où va Valette Winiman qui est de Rouen. Comment il s'appelle? Matos and Games. Voilà, Matos and Games. Ouais. Il a ramené quasiment un tiers de son stock, quoi. Ouais. Il y avait bien de la vente. Ouais. Le magasin aussi. Mais c'était pas. C'était à l'écart, si tu veux. D'accord. C'était pas central du tout, c'était vraiment d'accord. Les gens qui avaient envie de regarder un petit peu dans les caisses, voilà, ils regardaient, mais c'était pas d'accord. C'était pas plus. Ouais, ça c'est Kirito. Ouais, c'est le partage, du partage de passion qu'une bourse de vente, quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai l'analogue pocket, pardon. Ouais, il y avait des amateurs de role-playing. Un petit CPS, hein, si jamais de trop, j'ai envie de dire, avec les deux manettes Sega. Oui, c'est les pattes qu'ils ont ressorties pour la mini Astro City, je crois, il me semble. Non, ça c'est les pads Saturn, avec le design de l'Astro City, ouais. Mais ils sont carrés. Moi, je l'aime, mais ils sont pas carrés, tu vois, il est rond. Ouais, normalement c'est rond, donc ça doit être des reproductions. Un bricolage, ouais. Non, je crois qu'il les avait sortis pour la mini. Des repros pour. Ouais. T'avais un pack. Le plus cher des packs avec la mini avait un pad arcade comme ça. Parce que ceux de la ceinture, ils sont arrondis. Enfin, ils sont arrondis, en effet, ouais. T'as le multi CPS2 là à droite. Voilà. Encore des photos. On est bien, hein. Non, il y a vraiment ce qu'il faut, hein. Pour une surface comme ça, il y a quand même des belles pièces, hein. Et. C'est toujours mis de pair avec des bons jeux et des écrans qui vont le coup, donc c'est vrai que c'est plaisant, voilà, quand t'as toute la Diverse Dreamcast, là, la télé tout en un Dreamcast. Ouais, c'est un rêve, ça. C'est un rêve, ce truc. Amiga CD32, Stand Paprika. Alors ça, c'est Torb aussi, hein, parce qu'il fait partie de l'équipe aussi. Regardez ce que c'était les Switch dans les années 80. Ça ressemblait à ça, une Switch. Ouais, j'ai ramené la shuttle, en fait, où tu vois en bas à gauche, et j'y ai mis le... Un Atari, ouh ouais. Non, c'est un Falcon, on tolère, le Falcon, on tolère. Ouais. On n'est plus sur la même photo. Ok. Voilà, excuse-moi, j'avance en mode diapo un petit peu. Ouais. De toute façon, on va peut-être changer de sujet, là, parce que effectivement, faire un petit débrief. Il y avait combien de monde à peu près à la louche sur les... Ouais, c'était quoi, deux jours, c'est ça? Donc trois jours? Ouais. En fait, le dimanche, les gens commencent à ranger depuis midi parce que
Il y a beaucoup de boulot pour ranger aussi. Et voilà le Coleco Adam là de Lolo, oui, que vous voyez là, de Will. C'est ultra rare, il l'a compré avec une boîte dans un étamite. La boîte, elle fait la taille d'un studio en fait. Tellement c'est gros. Tu peux habiter dedans, incroyable. Ouais, complètement. Voilà, il y avait un. Il y avait Taito. Voilà, du Coleco Vision Homebrew. Alors ça, c'était le stand de Berrichon. Il avait ramené plein de trucs super obscurs pour la PlayStation. T'avais le Jet des Gourges. Je savais même pas que le manche à balai était à retour de force. Ah ouais. Ah ouais. Il avait plein de trucs. En tout cas, bonsoir à lui, hein, au passage. Beaucoup on salue tout le monde, hein, tous ceux qui étaient à la PGR et qui ont ramené du joli matos. Yeah, ah, magnifique Amstrad CPC Plus et une GX 4000. La SF1 ouais, avec la Soupafa intégrée. Ouais, le 6148 plus. En plus, c'était le 21 pouces. Là. Un petit Turtle in Time, c'est jamais de trop, j'ai envie de dire. Un ouais, C64, c'est SF1. Bien, il en faut. C'est beau. L'abandonné du jour, c'est toujours le même. En France, le ZX Spectrum... pas trop, hein. C'est autant tu vas en Angleterre, c'est oh, c'est leur Amstrad à eux que chez nous ça a pas trop marché, hein, pour le coup. Et voilà donc la présentation qu'a fait Doug, c'était un peu impromptu. Il y avait un pote de Yuzo Koshiro, si je me souviens bien, qui a développé un jeu. Et donc il l'a présenté, il nous a laissé l'essayer en fait, les uns après les autres. Sur grand écran, le projecteur. Et c'est qui ce pote? C'est Motohiro Kawashima ou... Ben, il y a une vidéo, non, il le dit pas dans la vidéo. Ah, il le dit pas, d'accord. Le son, il y a beaucoup d'écho, alors du coup, on voit la tête de Yuzo Koshiro sur le rétro, mais j'entends pas ce qu'il dit, non. Le nom, tu sais, des noms barbares japonais, quoi. Oui. Ouais, d'accord. Bon, on regardera ça. On va être légende officielle. C'est jamais, il y a Doug qui est capable de te faire une conférence impromptue. Tu sais, tu lui tapes sur l'épaule, tu fais Doug, tu ferais ah ouais, vas-y, j'ai ce qu'il faut dans la poche. J'ai une clé USB avec tous mes PowerPoints. Et surtout, Doug, il y a eu la surprise que la ville, en fait, lui a ouvert une salle informatique à son nom. Ah ouais, oh, ouais carrément. La de la ville. Ah, avec ça, c'est une de la reconnaissance. Hein. Une plaque avec sa photo en couleur, si je me souviens. Waouh! Il manque plus qu'un élu de la République qui coupe un fagnon avec un ciseau et on y est, quoi. Ah, il y a eu ça, ouais, avec Doug, ouais. Il me semble. Ah, il aura la médaille de l'ordre du mérite avant la fin de sa carrière, je pense. Pour le service accompli aux jeux vidéo. Grave. En tout cas, moi, je vous propose d'avancer parce que franchement, il y a vraiment beaucoup de news. Tout à fait. Par contre, cousin, si tu veux rester, tu peux rester, il n'y a aucun souci, tu peux commenter et tout. Je dois me tourner à mes petits. D'accord. Je range encore les trucs de la PGR. Et bah écoute, ça marche. Avec ce que tu as ramené, c'était pas étonnant. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu et de nous avoir sauvé la mise. Allez, bonne soirée. Ouais, bonne merci soirée. Merci encore d'être passé. Ciao, ciao. Sayonara, sayonara. Salade mayo. Voilà donc, c'était notre caution PGR. Merci, merci Kuzahub, tu nous sauves la mise. On passe moins pour Et salut Mamax, salut Mamax. Ouais, parce qu'on a vraiment du lourd, on a vraiment du très très lourd ce soir, en tout cas au niveau des news, du moins lourd et du lourd, dont un jeu qui ravit encore les amateurs de Metal Slug, ça n'arrête pas en ce moment. Donc, allons-y, est-ce qu'on parle un peu de Total Recall? Allez, c'est parti. Les news, je change le titre, bim. Alors, j'ai réussi à trouver un petit plugin avec des jolies animations. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va avoir... Un nouveau look pour le Retro Game Show, vous verrez. En attendant que ce soit pas mal, je vous propose... Attendez, je vais tenter un truc. Bim! Ah, on est pas mal, là. Regardez, le chat, il est nickel. Faut juste que je fasse apparaître un petit gameou et puis on sera pas mal, je crois. Bim! Okay. Voilà. Attends, je te recentre juste. Vas-y. Valou. Et puis on sera pas mal, comme ça. Ça, le chat, il sera le plus lisible possible en attendant que je fasse la nouvelle interface. Allez, je te mets dans le coin ici, toi. Allez, t'étais pas sage, tu vas dans le coin. Allez. Bim, allez, c'est parti, news time, les gens. À genoux sur du gros sel. On va commencer avec
Total Recall, un prototype qui a été découvert, donc un jeu de 1990 qui a été sorti des eaux, j'ai envie de dire. Donc le jeu a été développé à la base, enfin publié par Océan. Donc le programmeur, le lead programmeur en fait qui a récupéré l'archive, c'est Mike Lyons. Donc c'est lui qui a trouvé le dump et qui l'a préservé donc via une asso qui s'appelle Games That Weren't. Donc en gros les jeux qui ne sont pas. Donc en gros c'est que des jeux qui ont été annulés, des unreleased et des jeux qui n'ont jamais vu le jour. Voilà. Ouais, donc les jeux qui n'étaient pas plutôt. Qui n'étaient pas, oui, c'est ça. Qui maintenant tout à fait. Deviennent, maintenant qui sont magnifiques. Ouais, ils sont, ouais, c'est ça. Donc la version, elle est jouable, on peut finir le premier niveau, par contre le jeu est inachevé, bien entendu, c'est plus un vertical slice et complètement buggé. Donc vous pourrez pas vous fier au gameplay en disant ah c'était bien, c'était pas bien, mais ça donne une fois de plus une petite lucarne sur un jeu qui finalement aurait pu voir le jour à l'époque, donc en 1990, et qui a été annulé. Et c'est vrai que Total Recall, je pense que les gens ne se rendent pas compte, si vous n'avez pas connu la hype autour du film, c'était n'importe quoi. Enfin moi je me souviens, ça a marqué, enfin Paul Verhoeven déjà, ses films étaient marquants de base, mais Total Recall, je ne sais pas si tu te souviens Guémou, vraiment la hype qu'il y avait chez les amateurs de SF, chez les amateurs de gore, chez les amateurs de... Enfin moi je me souviens que y a énormément de jeux ensuite qui ont utilisé cette thématique quoi, du mec qui va sur Mars, de... Alors tout à fait, alors moi je me souviens qu'à l'époque, il y avait les gens qui étaient saucés par le jeu, par le film, et les autres, parce qu'il n'avait pas eu que des bonnes critiques, le film. Mmh. Pareil pour le jeu, il est sorti sur absolument toutes les plateformes, et dont ZX et Commodore 64, hein, c'est juste que ça, c'est une version qui a été annulée, ils ont rebooté donc le projet. Le studio c'est Active Minds, hein, donc qui a développé le jeu avec Océan, et Océan a mis à la main à la pâte donc dans les dernières semaines, parce qu'ils sont partis de zéro pour sortir ce qu'on a connu. Et donc tout ça pour dire quoi? C'est que, Total Recall, en Angleterre, c'était quelque chose, parce que malgré le fait que tout le monde s'accordera à dire que c'est un jeu assez moyen dans l'ensemble, sur à peu près toutes les plateformes, que ce soit sur Amiga ou sur le reste, eh bien, en tout cas, en Angleterre, à sa sortie, il a fini deuxième, en tout cas, aux charts des ventes, derrière, eh bien, une licence qui est adorée en Angleterre, c'est-à-dire les Tortues Ninja. En fait, c'est sorti à peu près en même temps. Et donc, ce qui cartonnait, c'est Tortue Ninja. Et Total Recall a fait quand même numéro 2. Donc c'est somme toute très moyen, hein, comme jeu, mais ça a cartonné là-bas. Voilà. D'accord. Bah, tu vois, tu m'apprends des choses. Ok. Eh bah oui, eh bah, j'ai fait mes devoirs. Hein. Moi, je suis curieux de l'essayer, parce que juste par curiosité, un peu, une fois de plus, morbide, voir à quoi ça ressemble. Mais bon, là, le gameplay montre un petit peu que c'était le classique platformer, le platformer labyrinthique où vous avez des... On en parlait d'ailleurs la dernière fois du jeu arcade, tu sais, à base d'ascenseurs et de portes. Elevator Action. Elevator Action, ouais. Il y a un peu de ça, vaguement, avec des cartes à récupérer. Ouais. Et ils essaient de reproduire vaguement le scénario du jeu, hein, même si tout le passage, lavage de cerveau ne figure pas, quoi. Mais bon, là, voilà. Ça se voit très clairement. Hein. Ça se voit très clairement que c'est inspiré de Elevator Action. C'est un jeu qui avait énormément marqué. Même moi, j'y ai beaucoup joué sur CPC 6128. C'est vraiment quelque chose qui a marqué son époque, Elevator Action. Donc, pas étonnant que ça ressemble beaucoup à ça sur cette version. Effectivement, ouais. C'est pas surprenant. Donc écoutez, le dump il est dispo. Est-ce qu'on a le lien? Je pense qu'il est dans la description si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, source download. Alors attendez, je vous mets le lien de téléchargement. Regardez, il est carrément dans la description. Donc je vous mets en fait la vidéo. On pourra dire qu'il y a aussi une version NES de Total Recall, mais qui n'est pas du tout développée par Active Minds et Ocean. C'est Interplay, je crois, qui l'a faite. Et donc, cette version NES de Total Recall, je crois, a été élue par je ne sais plus qui, comme dans la liste des 20 pires jeux de jamais faits pour la NES. Donc, le succès commercial et critique n'était pas le même pour la version d'Interplay que celle d'Active Minds. Voilà. Effectivement. Bah c'était une grosse purge, on va pas se leurrer. À part l'écran d'intro qui vaguement était correct, je vous montre juste le sprite. Regardez-moi le sprite de Arnold Schwarzenegger, fantastique. Voilà, les décors sublimes. Regardez-moi cette profondeur, c'est incroyable. Non mais oui, effectivement, c'est un jeu horrible. Et à choisir, celui qu'on a vu annulé aurait été bien mieux que ce qu'on voit là. Hein. Je pense que, enfin, ça aurait pas pu être pire en même temps.
Alors je sais pas, j'ai joué ni à l'un ni à l'autre, donc je me rends pas trop compte. Mais ah oui, c'était pas ça, il jouait pas à ça à un moment, joueur du grenier, en parlant de nains pakistanais là. Oui, c'est possible. Ah, qui s'est fait tanner dans un épisode du JDG, ouais, c'est fort probable. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, donc voilà, ça. 1990, et c'est assez amusant que ça aurait dû finir sur Commodore 64. Donc c'était vraiment un jeu très tardif. Voilà, il y aurait eu probablement d'autres portages, mais c'est vrai que Océan était très porté sur les jeux ordinateurs, que ce soit 8 bits ou 16 bits. Et il n'y avait pas que du bon. Et ils n'hésitaient pas à jeter à la poubelle sans trop se poser de questions et sans considération. Donc voilà, ça a été préservé, c'est une bonne chose. Dreamfab qui nous dit c'est Tintin le sprite. Ouais, il a pas tort. Hein. On enchaîne. Un truc assez amusant. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais notre ami Neil Blomkamp, donc en fait le réalisateur de District 9 et d'autres films de science-fiction, est en train, donc Elysium, Chappie aussi avec le robot. Chappie énorme. Chappie. Voilà. Donc c'est un excellent réalisateur. District 9 pour moi c'est une révélation. Il a été découvert par Peter Jackson, monsieur Seigneur des Anneaux et précédemment des films gore néo-zélandais. Et donc il a explosé en Afrique du Sud hein, avec District 9 qui faisait vraiment film caméra au point, tu vois, reportage presque de guerre, et dedans il y avait des incrustations 3D CGI qui étaient vraiment super bien faits. Et du coup, en ce moment, il a envie de mettre les mains sur tout ce qu'il trouve au niveau franchise qui pourrait produire en jeu. Donc, si vous n'êtes pas au courant, il avait fait un script entier, qui tourne sur le net d'ailleurs, il a leaké, pour Alien. Il voulait demander les droits d'Alien pour faire un nouveau film Alien. Donc, complètement original, qui ne suit pas Prometheus et qui estime que tout ce qui a été fait par Ridley Scott ces dernières années n'est pas canon. Donc, il serait parti après le Alien... comment il s'appelle, fait par les Français, là, Alien 4, hein, en gros, je crois qu'il a un sous-titre, mais le quatrième, quoi. Oui, c'est ça, Résurrection, mais... il me semble. Ouais. Et lui aurait pris à partir de là et aurait créé donc un truc complètement inédit avec probablement une replay. Ça lui a été refusé, donc il a laissé tomber le script, il est passé à autre chose. Et là, il a commencé à approcher des studios de jeux vidéo, des éditeurs, et il y a Sony qui lui a dit « Nous, on aimerait bien faire des films, on est en train de produire plein de trucs, il y a Last of Us, il y a machin, il y a truc. » Et là, ils lui ont donné Gran Turismo. Donc il faut savoir qu'il y a un film... ah non, je ne vous avais pas montré le trailer, c'était sur un de mes lives avant que je sois sur Life is a Video Game. C'est juste nul, parce qu'en fait, ça suit une écurie de jeunes qui en fait font de la compétition... d'abord dans le jeu, puis sur des vraies voitures de circuit. Et en fait, c'est une love story un petit peu en mode Real TV, quoi. C'est bien réalisé, donc toutes les parties qui sont sur circuit bah, sont bien filmées, parce que le mec, c'est quand même un excellent réalisateur, mais le film a zéro intérêt narratif. Et là, on apprend qu'il aimerait bien, encore avec Sony, copiner pour avoir les droits de Wipeout et faire un film basé sur la franchise de courses futuristes. Pourquoi pas ? Écoutez, pourquoi pas ? Bah écoute, moi je suis assez saucé. Gran Turismo, selon moi. Je suis assez saucé parce que franchement, c'est tellement un jeu qui a marqué tout le monde à son époque. Avec, c'était qui était derrière le design incroyable ? C'était Game Republic, je crois. Oui, comme il ça. Me semble, ouais. Ça doit être ça. Et en fait, c'était quoi aussi le jeu qui avait inspiré Wipeout ? C'était Matrix Marauders, je crois, sur Amiga. Et si vous regardez donc une vidéo de Matrix Marauders, vous allez voir que le vaisseau, en tout cas dans l'introduction du jeu, c'est exactement un vaisseau de Wipeout, c'est juste impressionnant. Après c'est vrai que vous allez voir même dans le HUD, les armes bonus, c'est exactement pareil que dans Wipeout, on sent vraiment l'influence. Après c'est un jeu qui est, on a un vaisseau, on est sur une map 3D, et donc c'est pas vraiment un jeu de course, donc c'est ça qui fait la différence. Et... j'ai encore une petite anecdote, puisqu'on parle de Wipeout. Pour ceux qui adorent Wipeout comme moi, pour moi, le dernier Wipeout à être sorti, c'est le Omega Collection, donc sur la PlayStation 4. Eh bien, figurez-vous que non, la série continue de vivre, mais sur smartphone, malheureusement. Et le dernier, c'est Wipeout Merge, qui est sorti il y a un peu plus d'un an, puisqu'il est sorti en janvier 2022, et c'est une purge absolue. C'est même pas un jeu de course, si vous voulez, c'est un clicker game, en fait. Il n'y a pas de gameplay, zéro gameplay, et c'est bourré de microtransactions. C'est une insulte à Wipeout, si vous voulez, et donc, si vous avez envie de vous faire fourrer la boîte à Benko, comme je disais tout à l'heure, et allez acheter Wipeout Merge sur Android. De voir payer, les bas-fonds du jeu vidéo. C'est ça, les microtransactions, il y a tout ce qu'il vous faudra. Donc régalez-vous, voilà. C'était le petit conseil kiffance du soir.
Ouais, et du coup, bah voilà, moi je vous passe la bande annonce là de Gran Turismo. Donc, c'est sorti il y a un mois, cette bande annonce. Voilà, les scènes de course, oui, oui, ceux qui aiment les bagnoles. Mais c'est toujours pareil, pour moi, un jeu comme ça, 99% de son intérêt, c'est gameplay en main ou volant en main ou casque VR sur la tête. Et c'est pas en regardant une adaptation dans ce cas-là, regardez Top Gear, hein, regardez. Comment ils s'appellent nos Français de Villebrequin, vous aurez beaucoup plus de plaisir qu'à suivre ce truc-là, quoi. Donc, je ne sais pas. Neil Blomkamp, oui, sur un truc de science-fiction, je pense qu'il serait beaucoup plus à l'aise que sur un truc aussi bidon que Gran Turismo. Maintenant, c'est lui qui fantasme. Faut bien comprendre que c'est pas parce que lui tweet des mots-clés qui va tout de suite titiller les fans de Wipeout. Hein. Il cite en fait des. Il me semble que c'est les modèles de vaisseaux, je crois, ou les écuries. Que tu peux jouer dans Wipeout, il y a Phaser, AG System, ouais. Pyre-Anna. Donc ouais. Voilà, c'est un petit code pour faire comprendre aux fans de la franchise qu'ils seraient intéressés pour faire quelque chose. Maintenant, la question c'est est-ce que Sony va donner les droits ? Moi, je n'y crois pas. Donc, on verra vers où ça va. Mais c'est rigolo de voir que, ouais, ils seraient intéressés par ce genre de franchise. Allez, enchaîne. Ouais, on enchaîne. Alors, petite news très rapide, c'est juste que c'est rigolo, hein. Mario, voilà, ça parle à tout le monde, a été adapté, donc le Mario Arcade hein, de 1983 a été le adapté, premier. Ouais, c'est ça, par un développeur qui s'appelle Jimbo et qui en fait l'a porté sur, attention, roulement, Commodore PET, le PET de Commodore qui est un des tout premiers ordinateurs de la marque, ordinateur 8 bits. Uniquement qui fonctionne en ASCII, donc il n'y a pas de sprite, vous êtes obligé d'utiliser des caractères en fait pour faire les sprites, et on a quand même un portage qui est, oui, on reconnaît Mario The Arcade Game, voilà, mais c'est fait sur un ordinateur 8 bits qui est vraiment... J'ai envie de te dire, il risque pas d'être emmerdé avec un procès, là, par contre, ça va. Non, aller, c'est pas chez eux qui vont aller toquer, hein. Je pense pas que Jimbo a du souci à se faire. Donc, il faut savoir que le jeu a été porté donc pour une game jam qui s'appelle la Toge Jam 2023. Et effectivement, il avait voulu déjà faire Donkey Kong sur la même plateforme. Et donc, c'est juste un défi de développement. Hein. Je pense que personne prendra du plaisir à jouer à ça. On est vraiment dans le cadre d'un défi de développement pour dire est-ce qu'on peut porter un jeu comme ça sur une plateforme aussi simpliste au niveau des capacités de code et de programmation que le PET. Voilà. Et vous avez du coup la version que vous pouvez utiliser soit si vous avez un vrai Commodore on a peut-être des collectionneurs dans le chat hein, des collectionneurs de PET. Est-ce que vous fumez des PET ? Je ne sais pas. Mais changez vos condensateurs. Et sinon, ça fonctionne sur émulateur. Donc des émulateurs de Commodore PET, il y en a plein et ça tourne très bien parce que ça fait 20 kilo-octets et c'est pas gourmand du tout. Voilà. Je ferme la petite parenthèse. On rappellera que le Mario Bros n'est pas le Super Mario Bros, donc qui non. Est le deuxième jeu de la série, et que le premier jeu, donc le Mario Bros Arcade de 83, a été fait par Gunpei Yokoi et Miyamoto, pas juste Miyamoto tout seul. Voilà, il fait bien de le préciser, mon cher. Ouais. Je te laisse la suivante parce que je pense que ça va te faire plaisir. Hein. On est sur une franchise konamienne japonaise était jusque-là inaccessible. Alors, c'est pas forcément un bon jeu, mais ça fait des années que c'était devenu un peu l'arlésienne de certains fans d'arcade qui voulaient, un, préserver le jeu, deux, pouvoir y jouer chez eux sans avoir la borne. Donc, raconte-nous tout ça. Oui, oui, j'en avais déjà parlé, donc on va faire court lors d'un rétro game show où j'étais tout seul, en fait. Donc, effectivement, c'est par rapport à la borne Castlevania The Arcade, où on jouait, c'est un rail shooter, mais avec des fouets. Y a plusieurs personnages hein, de façon jouable. Et donc, ce que je vous disais la dernière fois, c'est que les contrôles n'avaient pas été émulés. Et maintenant, ça y est, c'est chose faite. Donc, on peut totalement jouer au jeu. Ça y est, c'est fait. Ça n'empêche pas qu'on aimerait quand même voir la borne. Hein. Moi, j'en ai déjà vu des bornes à la sortie du jeu. Je crois même qu'il y en avait une. Si je dis pas de conneries, peut-être que c'est des conneries. À Avranche Automatique, hein, faut savoir que Avranche Automatique, c'était un des plus gros distributeurs européens d'arcade. De bornes, ouais. Pour l'Europe, ils étaient importateurs officiels de Sega et Konami. Et donc, je sais plus trop où j'ai vu ces bornes-là. Il me semble que j'en ai vu une au Japon aussi. Et donc, à Avranches, hein, dans cette petite ville française, il y avait donc un entrepôt énorme rempli de bornes juste de ouf, quoi. Il y avait du Afterburner Climax, etc.
Et donc il y avait, il me semble-t-il aussi, ce Castlevania donc Rail Shooter, donc vraiment un épisode unique que, auquel personne n'a jamais vraiment joué, je pense, dans le public. Qui peut dire ici dans le chat qu'il l'a fini, quoi, en tout cas pas moi. Et voilà, donc eh bien ça va être chose faite, on va pouvoir se la donner dessus, il va falloir trouver un moyen de, je sais pas quel genre de contrôle on va pouvoir utiliser pour reproduire les fouets. Mais c'est chose faite, on va bientôt pouvoir y jouer, voilà. Alors il semble que sur PC en fait tu peux remapper ça un petit peu comme tu veux, parce que bah tu peux mettre une petite souris déjà à la place du curseur, donc en fait la souris te permet de viser comme si t'avais le light gun, et sinon t'as aussi la possibilité de mettre des raccourcis pour les autres boutons comme le fouet sur un bouton de clavier, quoi. Donc à partir du moment où ça c'est déjà implémenté sur PC, après via des périphériques USB, tu peux tout imaginer, hein. Tu peux imaginer des boutons poussoirs, tu peux imaginer un fouet littéralement qui serait en motion gaming, tout est possible après à automatiser et puis à injecter sur PC. Ouais, mais il faut respecter un petit peu le gameplay pour avoir du ah oui, feeling, bien sûr. Ouais. Le but c'est de pas pouvoir abuser, c'est juste de retrouver des sensations via des périphes qui ne sont, enfin, sont le plus proche de la borne d'arcade d'origine, quoi. Ok. Donc bah, c'est en la tout chaîne cas, Video Game Esoterica qui a deux vidéos, ouais, assez rapprochées à deux jours d'écart en fait. La première c'est on peut enfin contrôler le jeu, et ensuite c'est un gros extrait de gameplay qui montre que maintenant bah ça tourne à la perfection sur sur un PC avec quelques fichiers texte modifiés. Voilà, donc c'est pas très compliqué à mettre en place. Et vous avez tout dans la description si vous êtes curieux. Ok, cool. Donc bah écoute, on va avancer, je te propose. Ouais. Est-ce qu'on reste sur Video Game et Esoterica? Oui, si on est déjà chez eux, on peut. Vas-y, ouais. Bah je te laisse présenter le sujet, et puis moi je rebondirai si tu veux. Alors, par contre... tu parles des pour les PCB, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ouais. Alors, on j'ai supprimé ce lien parce que je me suis dit ça va faire trop long, parce que si on part dans ce sujet, c'est en gros, il a fait une vidéo sur les avantages et les inconvénients de collectionner des PCB arcade. Pourquoi j'aime et je déteste à la fois la collection de PCB arcade. Donc c'est très intéressant, et effectivement, il explique que à entretenir et à faire tourner au quotidien, c'est énormément de recherches, de parfois d'échecs aussi, parce que tu sais pas toujours comment tout se répare, si le condensateur que t'as acheté il est exactement compatible avec celui que tu ne trouves plus. Et alors merci aux gens qui sont sur les forums à donner des coups de main à longueur d'année, parce que souvent c'est par ce biais là que le savoir se transmet, mais voilà, il dit que c'est très chronophage et que des fois le résultat, maintenant on est à un tel niveau d'émulation sur MAME et sur des FPGA, que est-ce que ça vaut encore le coup de chercher la PCB, surtout vu les prix de certaines cartes, quoi. Ah, en gros je résume la vidéo, quoi. Moi qui suis collectionneur de PCB, j'ai envie de te dire que maintenant c'est plus une malédiction que vraiment un plaisir, parce que comme il disait, donc il y a aussi tous les processeurs propriétaires, donc les processeurs son, etc. Donc ça, il va falloir les reproduire, c'est pas forcément facile. Et surtout ce que me disait Apocalypse à un moment donné, c'était que en fait, il y a énormément de composants qui vont pas être fabriqués dans le futur au même voltage que les composants actuels, et ça va poser énormément de problèmes pour changer les composants de ces PCB qui en plus à la base n'ont jamais été conçus pour durer dans le temps. Alors les standards de qualité à l'époque c'était pas du tout les standards de qualité d'aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui on maîtrise beaucoup mieux l'obsolescence programmée. À l'époque on n'avait pas envie d'avoir de soucis et à gérer du SAV, donc on se donnait quand même pour faire un produit de qualité. Mais malgré ça, les PCB c'était fait pour être utilisé 1 ou 2 ans. Et en fait, après, on se souciait pas si ça marchait plus, parce que le jeu vidéo étant pensé comme un produit de consommation purement capitalistique. Il n'y avait pas de logique de durer dans le temps. Ils savaient très bien que 10 ans après, il y aurait d'autres bornes, et de toute façon, les actuels seraient vétustes. Et eux, la préservation, le côté historique, c'était pas leur problème. Eux, c'était des sociétés qui devaient faire du pognon, quoi. Donc, Et c'est ça, et on a déjà une chance incroyable que ça dure aussi bien dans le temps, mais ça y est, maintenant, les problèmes arrivent de plus en plus nombreux sur ce genre de matériel. Voilà.
les condos cool, et comme dit Guémou, hein, les finitions des pièces, quand bien même vous avez exactement la même référence, le même ampérage, etc., c'est plus du tout les mêmes matériaux, les mêmes produits chimiques, et ça, malheureusement, ça vieillit souvent très mal. Donc, c'est de l'investissement en temps, en argent, en recherche, et parfois en perte de matériel, parce que vous ne pouvez pas le sauver, quoi. Une fois que l'acide a fait son travail, ou que vous avez quelque chose qui a dégouliné au point que les traces de soudure sont flinguées, ben voilà, vous perdez parfois du matériel, quoi. Donc, comme il dit, c'est vraiment un truc de passionné pour le plaisir d'avoir l'objet et de perdre du temps avec. Et du coup, il disait en fin de vidéo qu'il prend autant de plaisir à les entretenir finalement qu'à lancer les jeux. Et il passe même plus de temps maintenant à les entretenir que à jouer aux jeux en question. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Je crois que c'est parlant, tu vois, sur la problématique de ce genre de collection, quoi. En tout cas, le jeu qu'il montrait, c'était un Racing Jam donc de Konami. Ouais. C'est vrai que c'est un jeu de caisse assez peu connu de 98. Il y a eu une suite en 99, le Chapter 2. Et sympa comme tout, hein, c'est pour ça qu'il le montre, je pense, avec plus de 24 courses. C'est un jeu où tu as du relief, donc tu peux faire des sauts et tout, un petit peu à la Sega Rally. Donc sympa comme tout, voilà. C'est ça. Il montre aussi que maintenant, sur MAM, ça commence à devenir complètement émulable, quoi. Donc voilà, c'est plein de petites bidouilles à faire au fur et à mesure du temps pour finalement un gain en gameplay pur qui est de plus en plus proche de ce qu'on peut avoir en virtualisant la chose, quoi. Maintenant, on sait très bien que la collection, c'est 50% le plaisir d'avoir l'objet aussi, hein. Donc ça joue énormément. Ok, ouais, bon bah écoute, finalement je voulais pas faire la vidéo, on l'a quand même abordé, mais voilà, tout ça pour dire qu'on pourrait faire un dossier hein, là-dessus sur la collection de PCB, quoi. C'est... Alors je te laisse lancer le prochain sujet au cas où j'en ai encore en extra, parce que c'est vrai qu'on a vraiment du monde ce soir hein, au niveau news. Ouais, c'est clair. Alors NoClip, très rapidement, pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne en fait qui traite des coulisses du développement de jeux vidéo. Donc en fait, c'est Danny O'Dwyer qui l'a fait tourner. C'est un Irlandais qui a travaillé pendant quelques années chez GameSpot. Donc il était journaliste. Et sa réputation, on va dire, est assez, on va dire, inédite. Quand on sait que tous ceux qui sont passés par les GameSpot, les IGN et c'est les Rock Paper Shotgun ou les Polygon se sont fait soit un petit peu laver le cerveau avec de la politique et des agendas qui n'avaient plus rien à voir avec le jeu vidéo, soit devenaient très complaisants et devenaient très, on va dire, leur éthique de travail était un petit peu mis sous leur siège. Hein. Ça existe chez des sites français aussi, hein, mais voilà. Danny, en tout cas, est passé rédac chef à un moment donné. Et au moment où il était au sommet, entre guillemets, de sa popularité sur GameSpot, il est parti. Parce qu'il estimait qu'il y avait des... Il n'était pas assez indépendant pour faire ce qu'il voulait faire autour des coulisses du jeu vidéo. Et il expliquait que les sites, finalement, qui chroniquent le jeu vidéo, c'est devenu plus que des relais de com et de publicité. Et lui n'envisageait pas le journalisme comme ça. Pour lui, c'était de l'investigation, c'était des interviews, c'était des témoignages. Et du coup, il a créé une chaîne qui s'appelle NoClip, donc financée uniquement par les patrons de la chaîne. Et donc les vues aussi des vidéos, hein, mais les vidéos ne sont pas assez régulières pour que, quand bien même il fait 500 000 vues, ça lui permette de payer les frais de parce qu'il va aux quatre coins du monde avec des avions pour accéder à tous les types de studios, quoi. Mais je sais que il affiche plus la somme, mais il gagnait au moins 30 000 dollars par mois via son Patreon, ce qui lui permet en fait de faire d'excellents reportages. Donc si vous connaissez pas la chaîne, c'est NoClip, hein, vous allez sur YouTube et vous tapez NoClip. Video Game Documentaries, et en fait lui aussi a des envies de préservation, voilà, on va pas se le cacher hein, et ça fait longtemps qu'il réfléchissait à faire autre chose que juste chroniquer le développement des jeux et laisser la parole aux développeurs. C'était carrément faire toute une phase de préservation, et du coup en fait il a lancé un projet qui s'appelle alors attendez, le nom c'est NoClip Game History Archive. Et donc le concept, ce serait de faire une chaîne YouTube alternative, donc ce serait une chaîne secondaire, où en fait, il préserverait tout ce qu'il peut trouver et numériser qui n'est pas encore sur le net. Donc ça peut être des VHS, ça peut être des présentations internes que les développeurs lui envoient, sachant que les studios n'existent plus, la NDA a échoué, lui se retrouve à voir des vidéos de présentations internes, ou bien des studios qui voulaient vendre en fait des projets à des éditeurs, il venait avec une petite présentation d'un prototype. Et ben toutes ces présentations et toutes ces archives qui vont pouvoir être numérisées seront stockées sur cette chaîne-là. Voilà. Donc vous voyez, il y a déjà quelques trucs. Hein. Disney Tarzan, la promo vidéo interne en fait de Disney, qui vient d'une VHS de 1999. Le jeu D2 sur Dreamcast, excellent jeu. Pareil, film promotionnel interne, VHS, année 2000. Voilà.
Donc les bloopers de la pub Banjo-Tooie, vous savez, où il y a la mascotte qui saute en, comment qu'on appelle ça, en free jump, je sais plus comment on appelle ça, en chute libre, hein, voilà. Et en fait ils ont dû refaire plusieurs fois la prise, et en fait tu as tous les bloopers et les coulisses de la réalisation de cette pub. Voilà. Donc c'est une chaîne qui va, pour moi il n'y a pas beaucoup de monde, hein, il y a 1000 abonnés, donc vous pouvez être dans les premiers, n'hésitez pas, parce que je pense qu'elle va être très très vite alimentée et qu'elle va vivre très rapidement. Connaissant Dany et surtout la, comment dire, le respect que les développeurs ont pour lui, c'est quelqu'un, quand tu as quelque chose à dire et que tu veux que ça passe par la voie la plus neutre possible, si c'est des coulisses entre guillemets drama, argent, économie, tu vas chez Jason Schreier, et si c'est des coulisses développement, prototype, unreleased, bah tu vas chez Dany Audoyer. Donc voilà, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Je te laisse la suivante du coup, si tu veux. Okay. Ça va parler musée. Il paraît que t'aimes bien les musées, ah. Monsieur Guémou. Ah ouais, c'est un truc qui me parle. Et là, en fait, c'est sympa comme tout. C'est Osamu Tezuka Prod. Et donc c'est assez fort. Je savais pas du tout que en fait, bah des mecs s'étaient organisés en boîte tout simplement pour faire vivre et perdurer donc l'héritage, voilà, enfin un mot qui sort de ma bouche, du grand Osamu Tezuka, l'inventeur du manga, et donc c'est justement le musée du manga Osamu Tezuka. Et donc les mecs font des trucs pas mal intéressants, parce que pour promouvoir donc Street Fighter 6, on va pas se mentir, ils refont une exposition croisée entre les œuvres de Tezuka, donc Astro, etc., et Street Fighter, et ça rajoute aussi du Darkstalkers, du Rival Schools, etc. Et donc, Capcom a travaillé donc avec Tezuka Prod pour croiser et faire des artworks sur tout cet univers. Donc, ils reprennent en même temps l'histoire de Street Fighter, donc ils expliquent un petit peu comment c'est né, etc. Et donc, putain, qu'est-ce qu'on aimerait y être pour pouvoir vivre le truc pour de vrai et pas vêtu comme des connards sur YouTube. Et parce qu'on est des merdes et qu'on on s'appelle pas Bernard Arnault et qu'on n'a pas 8 milliards d'euros sur notre compte et qu'on peut pas claquer les doigts. Il n'y aurait pas besoin de ça, un petit ticket d'avion. Il y a encore des billets qui sont dispo pour l'expo. Il y aurait moyen. Hein. Le problème, c'est effectivement le trajet pour nous. Mais. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça fait envie. Hein. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce genre d'expo fasse, tu vois, des tours du monde et passe par différents pays et différentes villes. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais aucun problème à monter à Paris pour voir une expo comme ça. Après, aller au Japon, effectivement, c'est un peu plus ambitieux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est au musée Osamu Tezuka. Et c'est à partir du 30 juin, donc le mois prochain. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que ça fait envie. Après, moi, ce que j'espère, c'est que des gens vont couvrir l'événement au moins en ligne, qu'on ait peut-être une captation, quelques photos, quelques captures de l'événement. On n'aura pas beaucoup plus, hein, je pense, nous occidentaux, malheureusement. Ok. Eh bien, donc, Deep Fleck nous dit qu'il me fait un don de 2000 euros pour que je puisse aller au Japon. Oh, les gens sont généreux. Non, mais passez par moi, Guillemou, on sait jamais, hein, parce que monsieur détourne des fonds, il fait des caisses pour tout le monde. Voilà, donnez au trésorier, le trésorier vous assure que c'est ce sera bien géré. Et en fait, Gunned, il touchera jamais rien, mais je suis... Exactement, c'est toi et moi qui partirons au Baléares se faire une lune de miel, comme dans Marié au premier regard. C'est ça le nom de l'émission ça, je ne sais plus. Marié deux enfants, ouais. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Allez, on enchaîne avec la mascotte oubliée de la PlayStation. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous vous en souvenez parce que vous êtes des vrais. Oui. Mais j'ai envie de dire, le grand public, passer les mascottes, on va dire, de la première génération ou les gros trucs typés Naughty Dog, etc. On a oublié ce genre de mascotte. Alors, parle-nous un petit peu de Dokodomo et de Tomoe. Mon cher Guillaume. C'est Toro et Kuro, je crois, les mascottes. J'ai pas ça sous les yeux. En tout cas, en fait, Toro, ça va plus vous parler si je vous parle de la Pocket Station. Donc, c'est le petit chat blanc. Le Sonic Cat, comme on dit aux États-Unis. Voilà, tout à fait. Et en fait, si vous voulez, c'est ultra populaire au Japon. Pour nous, ça nous paraît tout pourri, tout pérave. On s'en bat un peu les couilles. Mais c'est vrai qu'on l'a vu un petit peu partout. Et pourquoi? Simplement parce qu'au Japon, il était ultra populaire. Parce que le Pocket Station, là-bas, qui n'a pas été commercialisé chez nous, en fait, ils en ont refait une version améliorée du principe du Tamagotchi avec ce petit chat.
Et donc, y a plein de personnages dans l'univers. Hein. Donc, il a aussi donc son pendant noir qui s'appelle Kuro. Kuro en japonais, c'est-à-dire noir. Et donc, ils sont présents dans plein de jeux, hein, dont le Street Fighter Cross Tekken. Oui. Ils sont dedans. Hein, le taureau a son bandeau de Ryu. Et donc, c'est un personnage jouable de ce fantastique jeu au gameplay pas du tout pété qui est Street Fighter Cross Tekken. Et voilà. Hein, c'est le gameplay du Schnapps, mais c'est pour le plaisir de faire des beaux combos. Ouais, que dire, le Pocket Station, c'était vraiment sorti pour concurrencer le Dreamcast VMU, en fait. Et voilà, c'était sympa comme tout, effectivement. Il y a des jeux qui te permettent d'avoir du contenu exclusif, comme Street Fighter 03, je me souviens. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre, là on va peut-être voir, mais je sais plus. En tout cas, voilà, il y avait des jeux où il y avait des mini-jeux dedans, spécial pour le Pocket Station quand tu le branchais sur ta putain de PlayStation. Et voilà le principe, quoi. Sinon, c'était quoi la news sur les chats C'est pour dire en gros que, pour ceux qui connaissaient pas le chat anthropomorphique, effectivement, qui est apparu en 1999 pour la première fois, un documentaire intégral, en fait, retrace l'histoire, en fait, de la mascotte sur l'intégralité des jeux. Donc voilà, c'est sorti il y a quelques semaines déjà, mais c'est vrai que le documentaire n'a pas forcément eu son public, alors qu'il est super bien fait. C'est 48 minutes, vraiment, de tous les jeux, tout ce qui a trait, en fait, à la mascotte, aux produits dérivés et au hardware, du coup, de Pocket Station. Sont vraiment disséqués par Dodgy Kebab, j'adore son pseudo. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans le chat, comme ça vous avez un petit documentaire jeu vidéo un petit peu méconnu. Voilà, comme ça si vous aimez les kebabs au chat, vous allez vous régaler. Écoute, je suis sûr que ça se mange en Chine, hein. Ils sont pas très regardants là-bas. Oui. Non, ça va. Ok, allez, on enchaîne, c'est parti, on va parler d'un jeu physique. Parlons d'un jeu physique. Oh oui. C'est quoi, jeu physique sur Game Boy. Ouais. Ah ouais, Kudzu. Je te laisse en parler, alors. Je vais aller juste me faire couler un petit caf, je mets la bande-annonce du coup de la cartouche. Alors, on vous parle de ça, sachant qu'il reste 24 jours avant la fin du financement, et ils ont déjà explosé le compteur, ils ont 21 800 euros pour 14 000 demandés. Donc, le projet, il va se faire. Maintenant, si vous voulez avoir une cartouche, vous pouvez encore commander le premier batch en participant dans les 20 jours qui viennent. Voilà, je te laisse la parole, mon cher Gemu. Pas de soucis, donc avec Kudzu, on est encore sur un action-aventure, de la lignée de Zelda. Vous allez voir, la ressemblance est aussi frappante par rapport au Zelda Game Boy. Et donc, Kudzu, en japonais, je crois que c'est l'espèce de lierre, en fait, qui bouffe un petit peu tous les bâtiments, les trucs, c'est très invasif. Et justement, dans l'histoire, en fait, si vous voulez, c'est cette espèce de lierre qui se met à contrôler les monstres, les simples animaux aussi, puisqu'au début on se bat contre des serpents, des trucs comme ça, mais après ça change un petit peu et on se tape des fantômes, ce genre de choses. Et donc, c'est un jeu qui est assez prometteur et qui aura une version physique, écoutez, pourquoi pas. Moi je le trouve assez convaincant. Maintenant, faut aimer ce genre de choses. Regardez-moi ça, c'est quand même ultra détaillé. Mais ce soir, on a beaucoup de jeux en noir et blanc. Bon, là, on dirait plutôt que c'est vert et noir. Mais il y en a un autre ce soir qu'on va voir sur un micro-ordinateur qui me fait 10 fois plus bander que ça. Bien que celui-ci, en tout cas, pour un amateur de Game Boy, on peut pas dire que ça soit pas intéressé. Regardez-moi ce crocodile. Si on n'est pas au village de Cocolint, là, dans Zelda, dites-moi où on est, quoi. Et donc, voilà, quoi. Moi, je trouve ça très, très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, salut Moroccan Loser, j'espère que tu perds pas trop. Je sais pas, bon bah vous en avez rien à foutre apparemment, je regarde le chat, mais ça parle pas trop de Kudzu. À voir ce que ça va donner. Là on a le développeur, hein, un geek un petit peu comme nous, hein, et on a tous la même gueule en fait, on se ressemble tous. Et donc il dit, bah donnez-moi de l'argent, faites une cagnotte pour mon petit Kudzu sur Kickstarter, que je puisse me barrer au Baléar comme Fonzie avec l'argent de Paprium. Et donc c'est un petit peu le message, regardez la map là, ça rappelle pas du tout Zelda. On se croirait pas du tout sur une île, une certaine île des rêves. En tout cas, voilà, moi je mettrai pas de billets, hein, parce que je peux pas tout acheter. Mais ça doit être sympa. Voilà, donc qu'est-ce que dit le chat? Il va encore se coincer la bite dans le bas du masque. Non, mais pas du tout.
Le stream manque de likes. Bah ça, toujours les mecs. C'est gentil de le dire, en tout cas, merci Mokan Loser, t'as bien fait de venir. Ouais, why not, ouais, tout à fait, à Barbie et Calvas. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, il y a une petite Calvas, mais c'est la mode chez nous, les hommes. Ouais, Cocoline Thaïlande, ça fait... Bon, on va pas parler de ce petit jeu pendant... Ah oui, Mega 4 Studio, donc le plus gros studio de jeux indépendants américains qui serait comparable. Donc, chez nous, c'est quoi déjà? GGS Studio, ils sont chez... Putain. Chez Brock Studio, bien sûr. Bien sûr, chez Brock Studio. Donc, le pendant américain de Brock Studio. Donc voilà pour ce petit jeu. Bah écoutez, moi je vais peut-être avancer un petit peu sur les news parce que le café se... Ah voilà. Back dans les bacs. Le café se faisait attendre. je suis là. Ok, donc écoute, on peut passer à la suivante si tu as fait le tour. Ouais, je crois que ça serait Flying Shark si je me trompe. Ah non, Mine Machine. Ouais, alors c'est ça. Alors non, moi j'ai... Ah oui, j'ai peut-être un peu réagencé le fichier, je sais pas. Ah on doit ouais, pas d'accord, avoir la même bah, version. Vas-y. Moi j'ai Metal Slug bah, du coup. Ah ouais. Ah ouais, alors ça c'est du très très lourd. Pour moi c'est le plus gros... Ouais. Ah ouais, c'est le truc le plus ouf de la soirée. Je suis peut-être un petit peu trop fan de Metal Slug. Vous m'excuserez pour cet emballement et cette appréciation personnelle. Ouais, c'est Aqua Ipan. Est-ce que vous connaissez Aqua Ipan? Eh bien on va voir ce que Joe nous lance, mais Aqua Ipan va vous trouer le cul. Vous allez voir, alors on commence... Ouais, ça c'est un petit peu dommage, on va parler d'autres jeux, il y a d'autres jeux intéressants encore ce soir, celui-ci étant le plus hallucinant pour moi ce soir. Hein. Eh bien, c'est vrai qu'on a cette petite cinématique qui vend pas du rêve, et je trouve que c'est ce qui est un peu dommage sur les jeux actuels, c'est qu'ils te font des Merci cinématiques Platou. Assez bien foutues, mais pas super stylées. Regardez comment le jeu est ultra stylé, c'est vraiment de la super copie de Metal Slug. Ouais. Vraiment, on sent que le style graphique est identique, et je sais pas pourquoi on a une putain de cassette au milieu, ouais. Et parce que quelqu'un donc, vient de me lâcher un sub, mon cher Gemou. On gagne des sous sur Twitch, hein. C'est comme ça sur Twitch. Il faut choisir son moment de subber là, putain. T'es à quoi il panne quand même. Et donc en fait, dans ce jeu, c'est ces deux adolescents qui trouvent un trésor dans le lac en plongeant. Et donc du coup, ils sont coursés par une armée. Et voilà, donc ça late du connard à volonté. Et regardez-moi ça, mais c'est juste splendide. On dirait vraiment, enfin. Regardez le nombre de trucs à l'écran et tout, ça va donner à mort quoi. Et c'est un jeu qui est en cours de développement. Il disait que même les effets sonores n'étaient pas définitifs, que ça allait changer au niveau des effets sonores parce que vous avez une démo disponible et vous pouvez essayer déjà ce Aqua Ipan. Alors, on dirait que c'est un studio japonais, mais pas du tout, hein, c'est des occidentaux, on n'en sait pas trop. J'ai cherché, mais j'en ai pas trouvé plus que ça sur eux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au niveau animation, c'est fait par Division Loku. Donc c'est un nom japonais, Loku, tu vois, ça veut dire 6 en japonais, Division 6. Mmh. Et voilà, quoi. Donc à suivre, ça vient juste d'être annoncé. Et bon, je sais pas, est-ce que ça dort encore dans le chat comme quand, pour Kudzu ou pas? Le pixel art est ouf. Ah, ça réagit un petit peu plus quand même. Ah, quand même, attends. Non, faut rendre à César, c'est un super boulot, ah bah un peu oui. Importe d'où ils viennent sur la planète, j'ai envie de dire à ce stade, on s'en fout. Hein. Alors oui, les ah bah artworks 2D... Physique, c'est pour moi. Hein. Oui, en plus, il y a une version physique. Ouais. Je pense que c'est un peu préliminaire pour en parler ou le dire, parce qu'il me semble pas que les développeurs aient communiqué dessus. Mais en tout cas, moi j'attends ça impatiemment, peu importe la plateforme, hein, parce que là pour le coup, que ce soit Switch, PC, PS5, ou l'idéal serait carrément d'avoir des versions physiques de ces plateformes, on est vraiment sur un truc, la palette, c'est presque trop proche. Autant que Crowdbuster arrivait un petit peu à s'éloigner visuellement, tu vois, de Metal Slug, mais à garder un peu quand même les bases du gameplay, même si là aussi il y a des petites différences, mais là j'ai l'impression qu'on est vraiment une copie conforme, mais c'est pas un mal, ah oui. J'ai envie de dire, c'est pas ah un non, mal non, pour moi le coup. Moi j'adore. Alors il y a Lucky Game qui dit que c'est vraiment une copie au rabais. Écoute, c'est un jeu qui est en développement, on peut peut-être être surpris, peut-être qu'il y aura encore plus d'éléments animés dans les décors, et ça serait complètement ouf. S'il rajoute encore de l'animation dans le jeu, pour l'instant c'est prévu que sur PC il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, s'ils arrivent encore rajouter des éléments animés à l'écran, mais ça va être waouh. Enfin moi en tout cas je suis saucé, voilà. Effectivement. À part pour les scènes animées, mais sinon pour le reste,
Donc, c'est pour savoir ceux qui ont travaillé dessus, donc c'est Division, Division X, Division DS, Division caractère japonais que je ne sais pas déchiffrer. Loku, c'est le 6. Ok, donc c'est il a une chaîne YouTube si vous voulez suivre le développement, parce que du coup il chronique, il est dessus quand même depuis 4 ans. Hein. Il faut savoir que la toute première démo date d'il y a 4 ans, où ça avait un autre nom, hein, ça s'appelait Beasten Pulley. Et vous regardez, il y avait déjà le look et tout, hein, donc il montrait vraiment, voilà, le code tout préliminaire, avec des sprites qui bougent, pas de décor, juste les hitbox pour avoir les collisions sur le décor qui n'existait pas encore. Et ça fait 4 ans qu'il taffe dessus. Donc après la question c'est à quelle vitesse il va aller, mais là effectivement on a une démo depuis une semaine qui est complète. Il me semble que c'est un niveau complet, peut-être même un peu plus. Et après vous pouvez suivre ça sur tous les réseaux sociaux du monsieur, sachant qu'il s'est alloué aussi d'autres personnes, hein. Le soundtrack c'est Akuro qui fait ça, il a un Twitter et un SoundCloud. Il a eu des coups de main de deux autres programmeurs qui sont venus lui donner un coup de main. Les items ne sont pas designés par lui, mais apparemment lui s'occupe du pixel art et de la programmation. Donc à la base c'est un one man project, mais qui s'est entouré un petit peu comme Chris est venu nous dire pour son second jeu, il a besoin d'un coup de main aussi pour avoir des personnes en plus sur le projet. Bah là c'est exactement ça. Ouais, vous pouvez suivre, je vous mets le itch.io et vous pouvez le télécharger et suivre le projet. Voilà. Vous pouvez suivre StixDude sur Twitter, donc qui donne des news du jeu et qui participe au projet. Ou Division Loku, donc Division 6, vous tapez Division 6 sur Twitter et donc ce sera deux comptes que vous pourrez suivre pour avoir des news du jeu. Voilà. C'est ça. Et vous pouvez du coup payer un café aussi sur Ko-fi ou bien directement, il me semble, sur itch.io. Quand vous téléchargez la démo, vous pouvez laisser. Elle est à 0€, mais vous pouvez lui donner la pièce si vous voulez. Voilà. Sachant que le développement pour le moment est financé uniquement par le monsieur. Il n'y a pas de Kickstarter ou quoi que ce soit. Donc peut-être que c'est pas encore assez avancé aussi à ce niveau-là. Ok, et bah écoute, moi aussi c'est une des news qui me sauce le plus, hein, revoir un truc qui ressemble autant à Metal Slug, même si c'est une pâle copie avec des guillemets, moi ça me va très bien, parce que bah, y a des Metal Slug, bah, on en a plus en ce moment qui sortent, donc avoir une version comme ça qui est aussi proche, moi ça me va, franchement je suis partant. Mon cher Guémo, est-ce que tu es encore là? J'ai l'impression que tu freezes. Est-ce que tu aurais planté? Oh, je sens que notre Guémo a planté. Sa webcam ne bouge plus. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais continuer en attendant qu'il se reconnecte, hein, parce que je pense que le problème vient de là. Donc, le making-of d'un magazine, un des magazines de jeux vidéo les plus connus en Angleterre. Alors, vous connaissez pas forcément en France, parce que nous, on a été biberonnés à Console Plus, à Player One, Tilt, Joystick, Joypad, Nintendo Player, Nintendo Power, etc. En Grande-Bretagne, ils avaient aussi leur magazine et pour le coup, Min Machine, c'était le magazine le plus, on va dire, acerbe, le plus sarcastique, le plus, on va dire, critique aussi de l'industrie. C'était vraiment des rédacs qui n'avaient pas leur langue dans leur poche. Et c'est pour ça que ça a autant marqué rétrospectivement les lecteurs et les gamers britanniques. Un petit peu comme Joystick chez nous, voilà, l'esprit Joystick en fait, avec leur punchline, avec leur côté complètement décalé où ils pouvaient te faire un test d'un jeu sans parler du jeu, c'est un peu Min Machine en gros. Et du coup, on a un dossier complet sur la création en fait du magazine. Donc comment le magazine a vu le jour au début des années 90, au début quelle console était chroniquée, qui était le rédac chef, qui s'est passé en fait la main au niveau de la rédaction, est-ce que ça a été racheté par un gros groupe de presse? Spoiler alerte, oui, ils ont été rachetés par un gros groupe de presse, comme un petit peu les magazines papier chez nous. Hein. Ils ont subi un petit peu les mêmes crises et les mêmes problématiques outre-Manche. Et donc voilà, c'est un long dossier, hein, c'est vraiment très très long, c'est très très détaillé, il y a plein de témoignages, dont des journalistes qui sont passés du coup par Min Machine, et je pense que c'était important, parce que je trouve que les Français sont un petit peu ethnocentrés au niveau de leur connaissance jeu vidéo et de leur appréciation du jeu vidéo. Alors je comprends très bien que quand t'as 12-13 ans, que t'es en France, que tu parles pas anglais, tu t'en fous d'avoir un magazine qui vient de Grande-Bretagne. Mais voilà, il faut savoir que chez eux c'est aussi culte que la presse papier que nous on a connue dans les années 90 en France. Donc avoir la liste de ces magazines là, c'est intéressant pour les mettre en parallèle aussi avec ce qu'on a chez nous et ce que les magazines qu'on a aimés ont subi, parce qu'ils ont tous fait perdiment, hein. Quel magazine de l'époque? Il n'y en a plus un seul.
Donc je vous mets le lien. Les coulisses de Nin Machine. Voilà. C'est en anglais, hein, mais vous pouvez le traduire. Hein, si vous avez n'importe quel plugin, regardez, je vous montre, j'en ai un au hasard. Traduire la page, hop, traduire, bim, et voilà. Et vous avez le dossier traduit en français. Magnifique Internet. Ah, Guimou revient pour ouais, la deuxième c'est bon, tentative. En fait, c'est ma connexion Internet qui merde. Je sais pas non, y a pas de souci. J'ai avancé, hein, j'ai. Bon, t'en as fini avec Mine Machine ou pas? Ouais, ouais, ouais. Alors. Bah, c'est bien. Eh bah très rapidement, on va terminer les news de la semaine et puis après on va passer juste aux sorties de la semaine hein, parce que c'est on va dire une rubrique un peu à part. Je vous ai mis ça dans une section dédiée parce qu'en fait il y a pas mal de sorties en fait entre les démos, entre les protos, entre les annonces de néo-rétro, de compilations, etc. Il y a la dose, mais on va terminer rapidement avec. Souvenez-vous, je vous avais montré un shmup sur Amiga qui s'appelait Flying Shark et le développeur avait terminé le niveau 4. Et ben là, du coup, il vient de terminer le niveau 5. Ça avance et ça avance plutôt bien hein, parce que ça fait quoi, 2 semaines ou 3 semaines que je vous avais parlé de ce jeu et donc en moins d'un mois, il arrive à abattre un niveau. Donc s'il continue comme ça, je crois qu'il a prévu 7 ou 8 niveaux avec peut-être un niveau caché ou un niveau. Un boss caché, pardon. Je pense que d'ici septembre-octobre, on devrait avoir la version finale de Flying Shark, voilà. Alors c'est un petit shmup qui paye pas de mine, hein. Faut pas le comparer avec des caves, avec des psycho, avec. On n'est pas sur ce genre là, on est plus sur des shmups fin des années 80, voire milieu des années 80. L'Amiga sait faire du scrolling, c'est pas le problème, mais voilà, c'est un ordinateur. Au niveau de sa gestion des sprites, on n'est pas non plus sur. On n'est pas sur une Neo Geo, on n'est pas sur une PCB arcade. Mais voilà, le gameplay est fluide, on est à 50 Hz, hein, parce que faut savoir que les Amiga sont sur les courants européens, donc on n'est pas sur du 60 ou du 30, on est en fait sur du 50 Hz ou du 25. Donc là, on est sur un jeu qui tourne à 50 Hz. Vous ne voyez pas, parce qu'on diffuse nous à 30 le live, mais c'est fluide, je vous confirme que c'est fluide. Voilà ouais. Pour... les amateurs d'Amiga. Ensuite, très rapidement, je vais pas vous montrer. Ah si, je vais très rapidement vous montrer les pages, mais on va pas les décortiquer. C'est juste pour faire un petit peu de la pub aussi à Guillaume Verdun du Magmo 5, parce que on voit énormément de gens. Hein, on regarde aussi l'émission de Recallbox qui a lieu, je crois, la veille ou le même jour que nous. Je sais jamais. C'est aussi en début de semaine qu'il fait son émission. Et c'est vrai que on est beaucoup. On va pas se leurrer à taper sur Timed Extension pour aller chercher nos news. Et moi, j'estime que ben on a un rédacteur qui toutes les semaines abat un travail incroyable. Ben, c'est Guillaume sur le mag MO5. Et comme MO5 c'est des copains, je me dis que on peut aussi aller chercher nos news là-bas, sachant que lui fait un travail de veille sur les sorties et les émissions en fait de tous les copains rétro gamers, hein, que ce soit Retropolo, que ce soit Michel Louvet avec Old School is Beautiful, Gunnet TV, etc. Ils sont tous dans les récaps de Guillaume. Donc Génération Micro aussi, Retropolo, voilà, visiter la PGR, tiens, vous voulez voir la PGR en direct avec Retropolo qui fait un petit tour de 15 minutes du propriétaire, vous avez la vidéo, etc. etc. Donc ça c'est très bien, c'est toutes les semaines. Donc on va appeler ça le récap des vidéos rétro. Et puis voilà, on connaît quasiment tous les créateurs qui sont dans la liste, donc on leur fait un petit coucou au passage. Et je vais aussi en profiter pour vous mettre un autre lien, donc c'est d'autres découvertes vidéo rétro, dont l'Apricot F1, qui est un ordinateur complètement méconnu, voilà. Vous voyez, Apricot F1, histoire, test, démo et jeu. Car oui, il y avait une ludothèque sur cet ordinateur qui avait surtout une vocation professionnelle. Et vous voyez, c'est sur une toute petite chaîne de 800 abonnés qui s'appelle Olipix. Du coup, une chaîne qui se retrouve à sortir un doc qu'on ne trouve pas finalement sur d'autres chaînes. Parce que l'Apricot, à ma connaissance, j'ai jamais vu de documentaire qui chroniquait cette plateforme. Donc tout ça, c'est sur le deuxième résumé de Guillaume, avec des sorties aussi néo-rétro. Donc ça, on les chronique pas, hein, parce que sinon, on pourrait faire une émission entière sur les sorties de la semaine. Voilà, je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller lire toutes les actus de ce cher Guillaume. Ensuite, très rapidement, on termine les news avec juste un lien. C'est un documentaire complètement malade. La personne qui a fait ça... franchement respect, parce que ça fait apparemment 4 ans que c'est en gestation sur sa chaîne et qu'il avait commencé à faire des petits bouts de ce grand documentaire. De quoi il s'agit? Il s'agit du documentaire, le titre c'est The Entire History of Video Game, l'histoire intégrale des jeux vidéo. Alors c'est un petit peu exagéré parce que il ne chronique pas tout, mais par contre j'ai beaucoup appris
précieux. Lui, il fait dans l'ordre historique avant les années 70, les années 70 au Japon. Et du coup, en fait, il y a même une partie qui s'appelle Gaming Alternate History. En fait, il retrace les années 70 et 80, mais par le prisme européen et des ordinateurs. Parce que souvent, quand on parle de l'histoire des jeux vidéo et qu'on parle de ces années-là, 70-80, on parle du Japon, on parle de l'arcade, mais on oublie complètement qu'il y a plein de micro-ordinateurs à base qui ont une destination professionnelle, pour faire du tableur, pour faire votre compta, etc., qui se font détourner par les premiers développeurs français sur 8 bits et européens, et qu'il y a toute une histoire du jeu vidéo européen qui est un petit peu oubliée. Donc j'ai apprécié qu'il fasse à chaque fois ces parties alternatives, où pour une même dizaine d'années, vous avez une vision d'un autre territoire. En fait. Et donc le documentaire complet fait 6 heures. 6 heures de vidéo pour retracer l'intégralité du jeu vidéo. J'ai trouvé ça gonflé parce que entreprendre une vidéo comme ça, c'est aussi se mettre en danger. Hein. Que tous les gens qui font de la préservation de l'histoire et qui se cultivent sur le domaine disent « il manque ça, t'as pas traité ce sujet-là, ouais, t'as oublié cette anecdote-là, l'année-là, elle est fausse. » Donc avoir 6 heures comme ça en ligne avec des chapitres et apparemment une réception très correcte, hein, il a déjà 100 000 vues en 3 jours, bah moi je vous encourage à aller la voir. Parce que 6 heures, on va pas la diffuser, mais moi j'ai regardé les deux premières heures, c'est très 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 intéressant. Et vous pouvez aussi sous-titrer, hein, je vous refais pas la manip, hein, mais sachez que vous pouvez sous-titrer automatiquement n'importe quelle vidéo d'une autre langue en français. Je sais pas, ça doit marcher sur les smartphones aussi, hein, mais si vous êtes sur un navigateur PC, hein, c'est la roue crantée. Sous-titres, anglais généré automatiquement, et ensuite vous recliquez dessus, là vous faire traduire automatiquement, et vous mettez français. Voilà. Et comme ça, lui va s'occuper de vous traduire l'intégralité de la vidéo. Et tu veux pas qu'on tège le reste des news, à part peut-être Iron Myth, mais... Ouais, j'allais te dire, les dernières, ouais. on va tège tout ça. Par contre, je vais quand même... DreamFab nous a filé deux news, donc ça par contre c'est dans les sorties de la semaine, donc je change juste le titre en bas. Les sorties de la semaine. Voilà, hop. Bientôt, ce sera automatique. La semaine prochaine, j'aurai plus besoin de taper les titres. Ça se fera automatiquement avec un bouton. Ce sera très bien comme ça. Donc, ouais. Très rapidement, donc merci à DreamFab. Hein, deux news sur des homebrew Neo Geo. Donc, on a un premier successeur à CyberLeap. Donc, successeur spirituel hein, de CyberLeap qui s'appellerait Cyborg Force. Et du coup, c'est d'accord. Le développeur qui nous tient au courant en fait de l'avancée du projet. Voilà, un petit run and gun sur Neo Geo, ça fait toujours plaisir. De toute façon, tout ce qui sort sur cette plateforme me fait plaisir. Après, ça dépend du niveau de finition et du niveau d'investissement du développeur. On n'est pas sur un truc qui explose visuellement ce que la Neo Geo peut faire, mais on est sur un truc très correct. J'attends d'en voir plus, parce que pour le moment, ça pourrait être sur une Mega Drive ou sur une Super Nintendo qu'on verrait pas la différence, quoi. Ouais, c'est les débuts, là, hein, parce que si c'est pas les débuts, au secours, quoi. Ouais. Mais ça les sprites sont pas moches, mais en fait, on voit que c'est pas encore animé de manière très très détaillée. Le code, la physique des boulettes, c'est pas encore totalement au point. Et tu sens que même manette en main, le feeling est pas exceptionnel, quoi. Mais voilà, c'est du Neo Geo, on vous en parle. Et puis, c'est surtout un viewer qui nous a donné des liens, donc on a dit que si vous avez des news, on les placera toujours dans l'émission si on a le temps. Et du coup, on a un autre action platformer qui mixe Magician Lord et Ghouls and Ghosts. Donc, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est plutôt un bon ADN, ouais, des bonnes inspirations. C'est par le créateur de Neotris. Et du coup, c'était jouable en alpha au Stunfest. Donc, j'ai pu me faire une petite partie dessus. Malheureusement, Oblivion a pris des photos, mais j'ai oublié de filmer du coup une partie. Donc, merci DreamFab pour ton lien, parce que ça me permet d'illustrer un des jeux que j'ai testé. C'était dans la tente qui était à l'extérieur du Liberté. Voilà, voilà. Et là, pour le coup, on est déjà sur un truc qui vend un peu plus du rêve, tu vois. On sent déjà un peu plus le côté Neo Geo quand même. Ah, c'était sur le stand Neo Geo Fan ? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, d'accord. Bah, salut à eux. Au passage. C'était en essai libre, ouais, dans une Neo Geo AES avec la cartouche de dev et puis d'autres jeux qui ils éditent, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ah ouais ? Ouais. En tout cas, ça a l'air plus intéressant pour l'instant. Ouais. Plus avancé ouais. Dans le développement. Hein, ouais. Ils sont déjà bien plus proches d'une version alpha jouable en entier. Voilà. Ensuite, très rapidement, si vous connaissez Bungie.
donc qui fait Destiny, qui a fait les Halo, etc. Bungie a commencé en fait avec une trilogie qui s'appelait Marathon et qui est sortie sur Macintosh. Donc c'est un des FPS ordinateurs les plus préliminaires. Hein. Je crois que c'est 94 le premier Marathon, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc 94, 95, 96 la trilogie. Un an après Doom, donc voilà, c'est pas mal. Hein. Et du coup, alors, ces trois jeux, donc la trilogie Marathon, étaient déjà disponibles gratuitement. Mais comme lors du PlayStation Showcase, ils ont dévoilé le reboot de Marathon, qui, rassurez-vous, n'aura rien à voir avec le jeu original, hein, qui tendait vers l'immersive sim, ou du moins le FPS un petit peu cérébral, même s'il y avait beaucoup de shooting, mais ça tendait vers quelque chose qui voulait être un peu plus RPG que juste un FPS, et l'univers était très cyberpunk, futuriste. Et en fait, ce qu'ils ont fait avec le reboot, ils vont faire un, on appelle ça un shooter extraction. C'est-à-dire, tu joues à 2, 3 ou 4, tu rentres, tu dois voler des choses ou braquer machin ou ouvrir un coffre et t'extraire. T'extraire avec le loot. Escape from Tarkov, c'est un jeu comme ça. Unshowdown, c'est un jeu comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'en fait, ce qu'on a vu, c'était juste une cinématique en CGI. Donc, bah, j'ai envie de dire, ça ne vendait pas du rêve du tout, même si l'esthétique était très perchée. J'ai beaucoup aimé le look du robot, c'est très épuré, tu sais, tout le monde joue un genre de robot IA, tu sais, blanc comme ça, avec... Attends, je vais te montrer un extrait juste très rapidement. Alors j'en profite juste pour dire que vas-y. Doxma, dans le chat, on a su que son pseudo se disait Doxma, dit qu'il faut utiliser Aleph One pour y jouer sur des ordi modernes. Alors Aleph One, ouais, c'est le moteur graphique. Puisqu'après, au bout d'un moment, Bungie a publié le code source des marathons. Marathon, dans le jeu, c'est pas un mec qui court, c'est le vaisseau en fait, spatial qui s'appelle comme ça. Et donc, comme ils ont publié le code, en fait, ça a permis de faire un moteur open source. Et donc, c'est pour ça qu'il est jouable maintenant sur les ordis modernes. C'est ça. Pour moi, on sent vraiment un pré-Halo, quoi. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses dans le style qui rappellent Halo. Oui. Moi, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Oui, complètement. Il posait déjà les bases un petit peu de ce que Halo devait être, hein. Même si Halo à la base aurait dû être un RTS, hein, et c'est un développeur en mettant la caméra au-dessus de l'épaule qui s'est dit « Oh mais merde, en fait on a quelque chose, hein, on pourrait faire un FPS ». Mais à la base ça aurait dû être, comme leur précédent jeu d'ailleurs dont j'ai plus le nom, c'était un jeu de stratégie en temps réel. Comme quoi, hein, des fois, les développements. Donc voilà, moi j'aime beaucoup l'esthétique de ce reboot, mais j'en attends rien par rapport à la franchise d'origine. Mais ouais, savoir qu'à la base, en plus, ils avaient visé comme target plateforme le Macintosh. Faut savoir que Bungie était vraiment versé dans le développement sur Mac, que ce soit pour même le premier Halo, hein, qui a été développé sur Mac. Puis Microsoft est arrivé avec sa Xbox et voilà, ça a été, on va dire, un petit peu porté. Mais la toute première build tourne sur Macintosh. Donc voilà, amusant. En sachant que ça tourne aussi sur Apple Pippin, donc la console de Apple. Tout à fait. Exactement. Ouais. Je fais bien de le préciser, j'avais complètement oublié qu'elle existait cette chose. Et oui. Ensuite, on a une nouvelle démo d'un jeu qui singe Contra. Donc ça s'appelle Iron Meat. Ça m'intéresse. Pour moi, ouais. Ce soir, ouais. Ça a une bonne gueule, c'est assez, assez nerveux, c'est un run and gun vraiment qui envoie du pâté. Et du coup la démo surtout est dispo, donc ça vous permet vraiment de vous faire votre avis voilà, en testant un petit peu le jeu. Il y a une cinématique d'intro en dessin animé, ça rappelle un petit peu les dessins animés G.I. Joe et compagnie. Ça rappelle aussi Aqua Ipan de tout à l'heure. Moi je trouve que les scènes animées sont pas intéressantes en termes de DA. Ouais, écoutez, ça fait 13 années 80 en termes de dessin animé, mais avec une technique moderne. Après, bon, on n'aime pas, mais franchement, le jeu apporte tellement plus que les scènes animées. Vraiment, là, regardez, c'est pas mal du tout. Ça rappelle un petit peu la tendance avec un certain jeu de Joy Masher, hein, pour ceux qui savent de quoi je parle. Et donc, bah, écoutez, pas mal du tout. Et en fait, c'est le studio RetroWare qui fait ça. Et RetroWare, ils ont l'air d'être en forme, donc ils ont sorti que des petits jeux en 2D jusqu'ici, mais là, ils ont l'air d'avoir du très très lourd, donc il y a ce Iron Meat, hein, qui est vraiment impressionnant, mais en fait, ce que je veux que tu montres aussi, c'est le Toxic Crusaders qu'ils ont fait, qui est absolument démoniaque.
Ça, c'est un super jeu, Iron Meat, mais après, il faut absolument que tu mettes une petite vidéo de Toxic Crusaders, donc du même studio, RetroWare, parce que Toxic Crusaders, si vous aimez les beat'em up, et je suis sûr que vous adorez ça, on n'en parle pas assez, en fait, de beat'em up, et ben là, on a un truc complètement démoniaque qui se joue à 4 et qui fait penser un petit peu... comment il s'appelle, le jeu de Konami avec les mecs qui se transforment en bêtes, là, j'ai un petit trou de mémoire... c'est quoi putain vous allez me bah, le tu dire tu me dis les mecs qui sont en bête, je pense à Primal Rage mais ah ouais non parce que j'adore la franchise de Konami, ouais. Et en fait celui-ci se joue à 4 donc c'est pas mal hein. Donc le style de dé est plutôt puissant. Et donc entre Iron Meat qu'on vient de voir, le Contra-like là qui a l'air pas mal du tout, et ce petit beat'em up qui se joue à 4 et qui rappelle donc un peu Metamorphic Force, merci Bantaro, eh bien, un Metamorphic Force version comics quoi. Oui. Mais cartoon, voilà, cartoon. Mais par contre, vous avez vu, jouable à 4, ça va être puissant, on va se régaler avec ce petit... ça rappelle un peu TMNT, le jeu Tortue Ninja, ouais. Là, qui est sorti récemment, dans le style, hein, ouais. Au niveau du graphisme. Oui, et c'était aussi 4 joueurs, il me semble. Non, c'était 6, je crois que c'était 6. C'était le gros bordel, il me semble. Si je dis pas de bêtises, hein. C'était 4 ou 6 en simultané. C'est trop pour le coup. Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça vient de Trauma, en fait. Trauma, la maison d'édition des films un petit peu horreur, un petit peu cul, et fait avec 3 francs 6 sous. Donc voilà, la maison Trauma, moi, c'est mes premiers films d'exploitation US, cheapos, mais un peu gore. Et c'est vrai que Toxic Avenger fait partie des mascottes de la Trauma. Voilà. Donc, c'est plus connu des Américains que des Européens, la Trauma, mais c'est cultissime. Hein, avec. Comment il s'appelle son PDG d'ailleurs Trauma, je sais pas. Il est super connu. En tout cas, si vous avez aimé ce Iron Meat et ce Toxic Crusaders, n'hésitez pas à le dire dans le chat, parce que moi, ça me sauce. En tout cas, ça fait partie des jeux qui me saucent ce soir, avec Aqua Ipan. Donc, je sais pas ce que vous. Ah, Lloyd Kaufman! Lloyd Kaufman, ouais, qui est très connu, hein, c'est le papa de tous ces films base de donc, Toxic Avenger 1985, Toxic Avenger Part 2, Troméo et Juliette. Je vous encourage à regarder Troméo et Juliette. Regardez juste la pochette du film, vous allez tout comprendre. Donc voilà, film un peu gore, un peu cuse, Poltergeist aussi avec des poules. Voilà, c'est. Moi ça m'a bien plu, c'était ma jeunesse, et le jeu est vraiment basé là-dessus, quoi. Ensuite, nous avons du homebrew sur Mega Drive. Alors, Mega Man 4, 5, 6, qui sont des épisodes quand même assez appréciés des fans, va sortir dans des versions Mega Drive homebrew épisodiques. C'est-à-dire, chaque jeu aura droit à un épisode. Donc là, ils appellent ça épisode Red. Il me semble que c'est l'épisode 4, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est Woodfrog qui s'occupe de ça. Et donc, la compile complète va s'appeler The Sequel Wars. Donc là, hein, c'est un petit clin d'œil au seul jeu Mega Drive Mega Man à ce jour, hein, qui s'appelle Lily's War, si je dis pas de bêtises. Willy's War sais... Non. Oui, ah, je sais voilà, plus si, ça. Je crois. Willy's War. Hein. Ouais, Willy's War. C'est ça. Et du coup, The Sequel Wars, pour dire en gros que c'est les suites 3, 4, 5. Et donc, c'est disponible en téléchargement. Donc ça fonctionne via émulateur, mais vous pouvez aussi avoir une version boîte. Donc il y a même une cover qui a été faite pour singer les jaquettes Mega Drive. C'est vraiment bien fait pour le coup. Et vous pouvez déjà essayer la ROM, sachant que c'est en version 1.1. Donc c'est pas encore totalement terminé. Si, pardon, l'épisode 4 est intégralement terminé. Maintenant ils attaquent le 5 et le 6. Voilà. Donc je vous mets le lien là encore de la itch.io. Mega Man 4 sur MD, c'est pas rien, mine de rien. Et surtout, je trouve que le pixel art a été vachement bien adapté. Si vous regardez la bande-annonce, ça profite de la palette couleur Mega Drive. Les sprites sont un peu plus proches, bah forcément, du jeu Mega Drive ou des épisodes de Mega Man X. Mais voilà, on a quand même la difficulté, le level design, les boss des 4, 5, 6 sur NES. Avec des personnages additionnels jouables, hein, c'est bien fait. Pour le coup, c'est une franchise qui manquait un peu à la Mega Drive, parce que c'est vrai que Nintendo en a eu beaucoup plus des Mega Man. Donc, les fans sont là pour rattraper ça. Je vous mets aussi le Twitter du projet, si vous voulez suivre ça, les avancées, et surtout la sortie des épisodes 4-5. 5-6, pardon. Allez, très rapidement, on termine Bravo Man aussi, le jeu de Namco, qui arrive sur Switch et PlayStation, donc PS4 et PS5, le mois prochain.
Donc c'est Hamster une fois de plus qui s'occupe du portage. Ce sera dans leur collection, il me semble. Elle a pas un nom cette collection ? Non, elle a pas de nom. Je sais pas, moi je dirais bien 2-3 trucs sur Bravoman parce que ça. Ah oui, vas-y, parle-nous-en. C'est un jeu qui me parle, donc c'est un jeu de 88 en fait, donc qui était développé sur la carte arcade Namco System 1. Et donc ce qui est intéressant sur l'histoire de Bravoman, c'est que c'est en fait un compositeur qui a créé le concept du jeu. Et donc c'était quand même pas très commun à l'époque d'avoir donc des mecs qui fait de la musique donc à diriger tout un projet de jeu. Et en fait c'était Norio Nakagata. Et lui, si tu veux, j'ai l'impression que c'était un peu un suceur, parce qu'en fait le héros du jeu, il a le même nom que le patron de Namco, qui était quelqu'un qui était connu pour ses excès de colère en fait. Hein. Le mec n'avait pas du tout la langue dans sa poche. Hein. Il était connu pour se crêper le chignon donc avec le patron de Nintendo, parce qu'en fait lui trouvait que Nintendo en demandait trop par rapport donc aux émoluments qui étaient réclamés pour pouvoir faire des jeux sur Famicom, parce qu'au début Namco faisait partie des 5 donc privilégiés, et en fait après Nintendo avait revu les conditions en ouvrant plus à tout le monde, en disant si on fait ça pour les autres, on va aussi faire ça pour vous. Et le patron de Namco à l'époque n'avait absolument pas kiffé. Et donc le nom du patron, c'est le même nom qu'une chanteuse assez connue, hein. Je pense qu'elle a pris ce nom par rapport à ce monsieur. Donc c'est Nakayama en fait, il s'appelait Nakayama. Et donc c'est le nom du héros aussi dans Bravoman. Et Bravoman, donc c'est un jeu qui est basé sur les tokusatsu. C'est-à-dire tous ces films où il y a des kaijus là, un petit peu comme aidez-moi, les vieux films Toei en fait, puisque en fait ils ont embauché énormément de mecs qui travaillaient pour la Toei en animation à l'époque. Et donc c'est un jeu qui se veut parodique, donc de super-héros américains parodiques. C'est pour ça qu'il s'appelle Bravoman, en Bellaboman, si on prononce la japonaise. Et donc y a tout un tas de personnages autour de lui. On ramasse des objets en fait en tuant les ennemis. On peut les tuer avec des coups de boule, des coups de poing, des coups de pied, ou en sautant dessus. Et on récupère des objets qui permettent d'avoir des bonus au hasard avec un mec qui s'appelle Lotryman. Donc c'est assez marrant à savoir qu'ils avaient prévu de... Ouais, ils avaient prévu de faire une suite, hein, et donc c'est là que tu vois le côté humoristique, parce que là en fait dans la suite, donc ils devaient commencer le développement après la version arcade de Bravoman, et ben en fait le héros était au chômage, sa meuf l'avait laissé, c'était un lardon. Ouais, d'accord. C'est ça, il fallait qu'il se redresse, mais comme le héros avait un petit peu le nom du patron de Namco, Hitoshi Nakamura, c'était Nakamura, je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis pas sûr d'avoir dit ça, et donc du coup, c'est pas sorti en fait, ils ont juste cancellé le projet, parce que on sait pas si les gens étaient prêts pour ce genre de concept. Moi je dis pourquoi pas, mais c'est surtout que comme le héros avait le nom du patron, peut-être que ça le faisait pas, en tout cas c'est... C'est possible que ça pose des problèmes. Hein. En tout cas, c'est source à discussion et à réflexion. Maintenant, c'est une fierté. Tu regardes le Bowser de Nintendo, il est content de s'appeler Bowser finalement. Tout le monde l'a trollé quand il est arrivé d'ailleurs. c'est vrai. Et après, pour Bravoman, dernière petite chose pour pas aller trop loin, il y a eu un digital comic, c'est-à-dire qu'il sortait une petite bande dessinée toutes les semaines ou je sais pas trop quoi, à partir de 2012, basée sur le personnage. Et voilà, et puis je crois qu'il apparaît aussi dans le Namco Cross Capcom, le jeu PS2, qu'on connaît pas nous parce qu'il est jamais sorti chez nous. Et voilà, donc un jeu qui a un gameplay assez varié, je crois qu'il peut se transformer en espèce de bateau à un moment donné. Donc un jeu qui... Il y a une séquence de shmup aussi entre les séquences de run. Mais voilà, un jeu qui a marqué l'histoire de Namco en tout cas. Avec une magnifique cover, hein, regardez-moi ça, la jaquette est sublime.
Ça fait bien plaisir. Et du coup, ça sort le 8 juin, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, le 8 juin sur PS4, PS5 et Switch. Et c'est bien dans le cadre de la collection Arcade Archive. J'étais pas sûr, mais voilà, j'ai confirmation. C'est bien Arcade Archive. Donc, les tarifs, normalement, maintenant, vous avez vu, hein, y a eu un jeu Arcade Archive qui s'est retrouvé, un Mazinger Z qui s'est retrouvé à 14,99 au lieu des 6,99 habituels. C'est en fait qu'ils doivent payer la licence Mazinger. À Bandes Pro, et ça leur coûte tellement cher que ça double, que ça dépasse même le double du prix des jeux AKA Neo Geo ou bien des jeux Arcade Archive un peu plus vieillots, on va dire, ou qui n'ont pas une grosse licence liée. Donc il n'est pas impossible que là-dessus on est aussi sur un truc avec une licence, parce que j'ai pas de tarif, mais voilà, vous allez sur les stores et vous saurez effectivement ce qu'il en est. Et dans le chat on nous a demandé s'il y avait une version PC Engine, effectivement il y a une version PC Engine / TurboGrafx, et vous pouvez même récupérer ça sur la Wii Virtual Console, qui n'existe plus, mais c'est, le dump et la ROM existent, et c'était vendu sur la Virtual Console à l'époque. Voilà, un bon petit jeu voilà, qui arrive dans les collections. Hamster font du bon travail pour ressortir certains vieux jeux comme ça, et pour certains méconnus, hein. Bravo Man, je suis pas sûr que tout le monde connaît. Hein. Donc voilà, ça fait plaisir. Skatecat, est-ce que tu l'avais pas fait celui-là? Non. Ah non, attends, pourquoi j'ai l'impression qu'on l'avait fait? Non, je n'en ai pas parlé, non. Non, autant pour moi. Donc, une petite cartouche NES d'un homebrew. Donc, on sait que vous aimez le physique. Bah, c'est l'occasion, une fois de plus, de participer au financement d'une version cartouche. Donc, en fait, c'est 40€ hors frais de port. Et vous pouvez faire la demande via un formulaire Google Doc. Ah oui, c'est fait à l'ancienne, hein, c'est old school. On n'a pas un joli site avec une inscription PayPal. Voilà, c'est un formulaire. Mais du coup, vous pouvez contacter, sachant que le jeu existe déjà en version démat. C'est un chat qui fait du skate, j'ai envie de dire. Skatecat, vous vous attendiez à quoi avec ce nom, sans déconner? Donc, je vous mets le formulaire. Version physique. Formulaire Skatecat physique. Pour avoir une cartouche NES. Et vous avez la démo en version ROM sur le site itch.io. Et vous avez aussi tous les liens vers le studio SJ Games, le Twitter du développeur et l'Instagram du studio. Voilà, comme ça vous avez tous les liens si vous aimez les chats qui font du skate et que vous voulez avoir une cartouche NES. Voilà, voilà. Ensuite, très rapidement, un roguelite RPG sort sur ZX Spectrum. Parce qu'on me dit souvent, Jop, dans ton émission de merde, tu ne parles jamais d'ordinateur 8 bits. Vous parlez toujours des consoles des Japonais et de toutes ces conneries. Il n'y en a jamais pour les ordinateurs et les Européens. Et je vous ai entendu. Voici une sortie ZX Spectrum. Alors le jeu s'appelle RPG Roguelite, il n'a pas de nom, enfin le nom c'est RPG Roguelite, et c'est pour le moment un work in progress. Hein. Donc, on est sur un jeu quand même assez original, parce que le ZX, c'est que entre sa palette de couleurs, entre sa puissance, entre le fait que normalement il ne gère pas du tout les scrolling en hardware, c'est très compliqué de développer un jeu correct là-dessus. Et là on a un jeu qui se prend pour tout plein de choses. On a un genre d'open world, oui, vous avez bien entendu, un open world où vous pouvez vous déplacer en véhicule avec une mini-map en haut à gauche, et je crois que c'est généré procéduralement si je ne m'abuse. Ensuite, vous pouvez sortir de cette voiture, et là vous avez toute une partie exploration un peu plus traditionnelle, avec des combats au tour par tour, voilà. Et tout est généré procéduralement, d'où la partie roguelite. Donc pour le moment, c'est juste un petit work in progress. Hein. On vous en dira un peu plus le jour où ça aura avancé. Vous pouvez déjà télécharger cette démo, mais bon, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Je vous mets quand même le lien. Si vous êtes curieux, c'est un projet russe. Oh mon dieu! Faites de la pub à un projet russe, quelle horreur! On reste sur les ordinateurs, mais cette fois on va sur des ordinateurs un peu plus asiatiques. On va parler du MSX. Alors, on a eu l'annonce que Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 allait sortir. Donc cette annonce a eu lieu en même temps que l'annonce du remake du 3, qui va s'appeler Metal Gear Delta, si je ne m'abuse. Et en parallèle de ça, Konami a annoncé donc une collection qui devrait comprendre en théorie tous les Metal Gear Solid. Et là, levé de bouclier, les gens se sont posé la question, est-ce qu'on aura droit aux versions MSX? Parce que Konami au début n'a pas listé les jeux. Sur la jaquette de pub, il me semble qu'on a la version PSP, enfin c'est des jeux récents qui sont mis en avant. Hein. C'est genre le 1, le 2 et je crois le 4.
Donc en fait on ne savait pas si les jeux déjà NES et ensuite surtout les originaux MSX allaient figurer dessus. Et bien Capcom a répondu sur Twitter, oui. Voilà, donc trêve de blabla, les jeux MSX seront bien dessus. Voilà. Sachant qu'à l'heure actuelle, vous pouvez les avoir via Metal Gear Solid 3 Subsistance. Et la HD Collection, il me semble. Voilà, voilà. Et ensuite, on termine avec une démo d'un jeu sur Amiga. Pour ceux qui kiffent l'Amiga, on est sur un genre de Rick Dangerous. Oh là là. Réalisé en monochrome. Donc, j'ai surkiffé. Un petit peu le même look que finalement le jeu ZX que je vous ai montré juste avant, avec du noir et du blanc. Mais le gameplay, mais entre guillemets... 10 fois plus détaillé, quoi. C'est juste magnifique. J'adore le jeu, quoi. Arriver à faire un look graphique avec deux couleurs, c'est quand même un défi. Et là, on est quand même sur le haut du panier, quoi. On est vraiment sur un gros sprite. Le gameplay, c'est vraiment du Rick Dangerous. Donc, c'est du Die and Retry avec plein de pièges. Vous avez des objets, un petit peu comme la Mulana et ces jeux-là. Et je pense que, voilà, ça peut cartonner, sachant que l'Amiga a besoin d'avoir une scène active. Donc, même si c'est pas votre style, sachez que ça sort d'une compétition, une fois de plus, d'une Game Jam. Et il y a une démo disponible. Donc, je vous mets directement... le lien vers l'article qui contient tout, la démo, la compétition et un miroir pour le télécharger ailleurs si le premier lien est cassé. Voilà, et puis on termine du coup Est-ce que je peux juste dire un mot sur le jeu, parce qu'il s'appelle Tony en fait. Et en fait, je me demandais si les gens voulaient savoir pourquoi il s'appelle Tony. C'est un jeu polonais et bien ça vient de Tony Halyk, c'est un hommage à lui. Et en fait, c'était un explorateur polonais. Et ce qui est intéressant, pourquoi j'en parle, c'est parce que le mec, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, s'est barré de Pologne et il est venu en France, il a fait partie de la résistance française. Et donc, on lui a donné la croix de guerre en France pour ça. Et après, il s'est marié avec une Française, il s'est barré en Argentine. Et bon, après, il a changé de meuf, il a viré la Française pour prendre une Polonaise. Mais voilà. Les histoires en gros, c'est ça. Les histoires de femmes. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et en tout cas, c'est ça, c'est basé sur ce mec-là qui était explorateur. Et ça me rappelle un petit peu le jeu Dr. Livingstone de l'époque sur Micro. Tout à fait. Et peut-être en plus Rick Dangerous, ouais, mais sympa comme tout. En tout cas, je trouve le design vraiment somptueux. Bah ça me fait plaisir, parce que j'avais peur qu'en fait, tu aies un a priori sur ces jeux monochromes, voilà, tu nous avais dit que Hexapoda, ça t'avait attiré le regard aussi, etc. Bon, ouais. Mais c'est vrai que des fois, ça vend pas forcément du rêve, mais moi récemment, j'avais acheté un Metroidvania, je me souviens plus du nom, t'es un chat qui rentre dans un genre de mecha, et c'est un Metroidvania en pixel art, Roboto quelque chose, non, je sais plus. Et du coup, bah, c'est un excellent jeu. Et Dieu sait que il y a que deux couleurs, quoi. Ou bien downhill avec un petit perso qui tombe en fait dans un énorme puits et vous pouvez tirer et le tir vous permet de sauter. Et en fait, le but du jeu, c'est de toucher ni aucun décor ni aucun ennemi. Donc c'est un jeu un bouton. Et pareil, downhill, visuellement, c'est magnifique, quoi. Donc voilà, faut pas s'arrêter à ça. Si le gameplay derrière est bon, et là pour Tony, c'est le cas. C'est intéressant. Allez, on termine avec. Ouais, je peux faire mon petit dossier parce qu'après il faut que je me barre, je suis payé à l'heure normalement et j'ai déjà dépassé mes horaires YouTube. Alors attends, tu sais quoi, je fais juste la toute dernière news, comme ça on les boucle vraiment, hein, une bonne fois pour toutes. C'est une toute petite news pour vous dire qu'on a un portage, en ce moment tout le monde porte Final Fight, je ne sais pas pourquoi, Final Fight c'est le jeu à porter pour montrer qu'on est capable de le faire sur une plateforme où le jeu n'était pas destiné, ou du moins n'a jamais vu le jour officiellement, et là c'est sur l'Atari Falcon, donc un Falcon 060. Ah oui. Et on a vraiment un portage impressionnant. Alors, le scrolling est un petit peu, on va dire, lent, mais vous allez me dire, il y a des portages console, c'est pas plus fluide que ça. On est quand même moins fluide que la version arcade. Moi, ce qui m'étonne, c'est la taille des sprites et la palette couleur qui est ultra respectueuse du jeu original. J'étais assez surpris pour ça. Ah, le Falcon, c'est vraiment une machine que j'aimerais beaucoup avoir, mais le 030... pour le coup. Ah ouais, ah ouais. Et le 030 J'ai un 030, ouais, mais j'ai un Falcon. Ah ouais, super. Ah, superbe. Donc, il 030 sera mis au musée, il sera mis dans la collection, mon cher. Il n'y a aucun problème. Wow. Pour que j'apporte les quelques rares pièces que toi, tu n'as pas, hein, si je peux participer, ce sera avec plaisir. J'ai quasiment pas de micro, donc... C'est comme je dis, on se complète. Hein, et les adhérents aussi, je pense, vont ramener un petit peu d'eau fraîche aussi à ce niveau-là, quoi.
Ouais, en donc, tout voilà. cas, le Falcon 030 qui s'appelle comme ça parce que c'était toujours des technologies à base de Motorola 68000 et c'était donc la version 030, donc plus puissante qu'un simple 68000. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et Falcon, c'est on va dire le dernier grand ordinateur unitaire qui faisait un petit peu du multimédia et qui avait une scène jeu vidéo d'Atari. Hein. Après ça, ils ont complètement abandonné. Ils ont fait des plateformes très IBM PC compatibles. Et là, c'est devenu le PC et c'est devenu plus que des constructeurs. Et d'ailleurs, ils ont arrêté très tôt de faire des ordinateurs hein, parce que ils voyaient que n'importe quel assembleur pouvait maintenant, avec des architectures universelles, monter des PC. Et Windows a conquéri le monde, hein, avec Linux en parallèle et macOS, hein, mais c'était encore une époque où chaque ordinateur avait vraiment sa spécificité, son architecture, son OS et sa manière de tourner, quoi. Donc, ouais, le Falcon, c'était un joli, on va dire, chant du cygne pour Atari, sur la partie micro-ordinateur. Donc voilà, ouais. Petit portage work in progress, fait en version homebrew. Et c'était la fin des news de la semaine, messieurs, dames. Ouais, et bah mon cher Guémon, on enchaîne avec ton dossier, comme ça tu peux ouais, te libérer un peu okay. plus tôt. Ça marche. Ouais, je vais bâcler un peu, hein, vous m'excuserez. En tout cas, ça parle de Cinemora X, donc Cinemora tout court en fait, tout simplement. Donc qui est ce qu'on appelle donc un shoot'em up dieselpunk, donc pas steampunk, mais dieselpunk. Alors vous me direz, mais putain, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien en fait, la différence entre les deux, c'est qu'un steampunk, bah, c'est très à vapeur, charbon. Et là, on est plutôt sur des engins qui datent plutôt de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas dans l'inspiration. Donc voilà pourquoi diesel, c'est que technologiquement, c'est le cran au-dessus. Et donc voilà, donc Cinemora, un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, non seulement parce que en fait, il est magnifique en termes de graphisme, ça faisait longtemps donc à ce moment-là, donc il est sorti en 2012 sur Xbox, c'était une exclusivité Xbox en mars de 2012. Et eh bien, en tout cas, c'était magnifique et c'était quand même une période où eh bien, on n'avait plus beaucoup de jeux de cet acabit. On mettait moins de moyens dans les shoots, surtout que Cave, c'était déjà détourné de la scène shmup. Et donc, il y avait une sorte de perdition. Et donc, on voit arriver ce jeu absolument magnifique avec des modèles 3D magnifiques, une direction artistique mais complètement oufissime, c'est juste sublime. Et donc avec des animaux anthropomorphes en termes de personnages, hein. Au début ils avaient prévu de faire des humains, mais en fait ils ont voulu donner un côté plus singulier, plus extraterrestre, puisque ça se passe sur une planète qui s'appelle Seol. Et donc c'est pour ça qu'ils ont donné, ils ont mis des animaux en termes de personnages. C'est pas du tout une inspiration de Star Fox comme on aurait pu penser. C'est juste ouais. un choix artistique, ouais, tout à fait, pour se démarquer. Oui, tu vois, j'ai jamais fait le lien avec Star Fox. Moi, pour moi, c'était un choix, comme tu dis, de leur part et qui n'avait pas de lien avec une inspiration rétro. J'aurais même pas pensé à Star Fox, qui, oui, c'est aussi des animaux, c'est aussi un shoot, effectivement. Ah bah si, le fait qu'ils se parlent autant dans... Oui, dans, c'est vrai, le blabla aussi pendant ouais. l'émission, t'as ouais. raison. Ça fait très Star Fox. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, en me renseignant sur le jeu, j'ai été surpris. Parce que je pensais que ça, c'était fait autant par des Japonais que... Parce que c'est un jeu qui a été fait par deux studios. Et donc je pensais que ça a été fait par les Japonais, puis en fait complété par une équipe dont je vais parler un petit peu après. Et donc, au Japon, en tout cas, c'est Grasshopper Manufacture qui l'a fait. Et donc, des gens qui sont quand même relativement connus, puisque tout le monde connaît Suda Goichi. Hein, Suda 51 Ouais, voilà, pour de nombreux jeux originaux qu'il a fait, comme No More Heroes, ou comme Shadows of the Damned, un jeu qu'il a fait en collaboration avec Mikami. Donc c'est ce genre de petit jeu là. Et donc en fait Grasshopper Manufacture travaillait avec un studio hongrois qui s'appelle Digital Reality. Et donc en fait Digital Reality a si vous voulez pris en charge toute la partie programmation et donc la conception en tout cas l'univers du jeu a été fait par Grasshopper Manufacture. Alors c'est pas Suda Goichi hein, qui a dirigé le jeu, c'est un de ses collègues à lui. Lui a juste supervisé. On reviendra peut-être sur les gens au Japon qu'on fait donc le côté design.
Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, le jeu a été pensé à l'origine, mais je pense qu'il s'est, il a beaucoup dérivé de ce qui devait être à la base par rapport aux Japonais, tout simplement. Mm. C'est Théodore Reiker qui a été le directeur du jeu, en fait. Et donc, c'est un Hongrois. Et en fait, quand les mecs ils parlent dans le jeu, on se dit putain, mais ils parlent une espèce de yaourt, ils parlent oui. En une langue extraterrestre. C'est une consonance pas du tout, en fait. C'est nordique, enfin, ça c'est étrange, ouais. Et bah, c'est ça, c'est parce que c'est de l'Hongrois, les mecs se sont pas fait chier. Et en fait, voilà. C'est un studio hongrois, et bah, ils ont pris des Hongrois et on dit vous parlez comme des extraterrestres, les mecs, donc vous allez parler dans le jeu, et tout le monde va croire que c'est de l'extraterrestre. Et bah, non, c'est du Hongrois, sauf qu'ils le disent mais pas. Tu sais en fait. Que je le fais des fois, quand il y a des jeux qui sont doublés, tu sais, dans plein de langues, genre les gros triple A qui ont vraiment plein de doublages, je teste des fois des langues complètement anecdotiques et ça te donne un petit côté, genre déjà les Metro Exodus et compagnie, je mets en russe, parce que forcément tu vois, t'es plongé dans l'ambiance russe à fond quoi. Et en fait t'as des jeux comme ça où si c'est perché déjà dans l'univers, je me souviens de Biomutant, tu sais le jeu où tu joues un genre de chat, enfin une genre de raton laveur ninja complètement what the fuck avec des monstres, on dirait que t'as pris du LSD. Et ben pour le coup, je sais plus ce que j'ai mis comme langue, c'était peut-être le hongrois d'ailleurs ou le portugais, enfin je sais plus, et ça collait trop bien, ça faisait extraterrestre, c'était parfait. Ouais, bah là en tout cas ça donne un certain exotisme, mais moi j'étais loin de me douter que c'était du hongrois en fait. Non, donc moi non la plus, langue, tu vois, tu me l'apprends. De Digital Reality, et donc voilà, ce directeur qui a l'idée en fait de ce cinémora, donc 4 ans avant qu'il commence à le développer, et en fait lui il s'inspire beaucoup de Battle Garega, c'est le jeu qui lui parle, et aussi d'un autre jeu qui est un clone en fait de Galaga ou de Galaxian qui s'appelle Kavax 95 je crois, je vais vérifier que je dise pas de bêtises. Et je vous invite à regarder ce Kavax 95 parce que en fait on a l'impression comme ça, si tu veux mettre une petite vidéo, que c'est un jeu ancien, parce que quand on pense Galaga on se dit que les mecs ils vont pas refaire un Galaga en 95. Et ben ça comment Kavax? Bah c'est CAVAX hein, je crois, ou 95. Ouais, il y a 95 dans... C'est peut-être Carax. Ouais, c'est Carax, pardon. Carax 95, voilà, j'ai retrouvé. Ah, top, c'est Carax mieux, c'est 95. Ça voilà, et c'est un jeu de 98, ça, en fait. C'est un jeu de 98. Et en fait, c'est un des jeux qui, avec Battle Garega, a inspiré Cinemora. Donc, pourquoi? Bah, je vais vous expliquer. Simplement, en fait, le principe de Kavax 95, donc un jeu de 98, attention. Hein, et donc, de singer Galaga... Mais de lui donner donc la possibilité de se déplacer dans l'espace, parce que vous savez que dans Galaga, ça reprend le principe de Space Invaders, on va juste à gauche ou à droite. Et bien dans ce Kavax, en fait, on peut se déplacer exactement comme on veut pour gagner du temps. Exactement comme Cinemora. Parce que Cinemora, ça veut dire ne pas perdre de temps, sans perdre de temps, en fait. C'est ça le nom du jeu. Et donc... dans quelle langue, du coup? C'est aussi en hongrois, Cinemora ? Je sais pas, ça fait... Ouais, c'est peut-être du hongrois, moi c'est ce que je pense à la base, mais c'est peut-être du latin, mais je pense que c'est du hongrois, ouais. Pour moi c'est du hongrois, puisque tout est en hongrois dans le jeu. Donc sans perdre de du temps, roumain, en fait... Du roumain, mon cher. Ah non, ça veut dire « soit meurt ». Cinemora, bah, en roumain, hein. C'est « soit meurt ». Le plus logique, c'est que ça soit du hongrois, mais je n'ai pas vérifié ça. Donc tout ça pour dire quoi ? Eh bien, donc ce Carax 95, en fait, le but, c'est de se rapprocher des ennemis le plus possible pour les tuer le plus rapidement possible, parce que plus vite vous finissez le stage, et plus vite vous gagnez quelques secondes de temps, qui fait que vous allez jouer plus longtemps. Regardez le timer en haut à droite, vous allez voir que le temps défile, et à chaque fois que vous finissez un niveau, vous avez un bonus qui vous remet un peu de temps, et c'est comme ça qu'est basé le jeu. En fait, c'est du rush, quoi, c'est du time attack. Et donc, en fait, il s'est basé sur ces deux jeux. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'a à voir Battle Garega avec Cinemora ? Explique-nous, Guillemot. Bah, c'est simplement qu'il a repris le système de rank. Alors vous savez que les Yagawa, hein, Yagawa étant Shinobu Yagawa, le développeur de Battle Garega, eh bien lui aimait beaucoup les jeux à rank, c'est-à-dire que plus vous ramassiez de bonus, et plus le jeu devenait difficile. Eh bien c'est le cas dans Cinemora, il a hérité de ça par rapport à Battle Garega. Et c'est en ça que... Cinemora ressemble un petit peu à ces deux jeux, parce qu'en fait le principe, en tout cas le core gameplay de Cinemora, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de vie
En fait, quand on s'est touché, on perd pas de vie, on perd du temps. On a un timer, exactement comme dans Carax 95. Et à chaque fois que vous défoncez des ennemis, vous gagnez un petit peu de temps. Et à chaque fois que vous faites toucher, vous perdez du temps. Voilà. Et donc, quand ça arrive à zéro, et ben vous perdez votre vie et vous perdez un crédit. C'est comme ça que ça se passe dans ce jeu. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Après, je comprends que les scoreurs, ils y trouvent pas leur compte. Et j'entends très bien cette remarque. Et c'est évident que je trouve que ça renouvelle. Enfin, ça change un peu de tous ces shmup à score. Ça rappelle un peu les time attack des jeux de course arcade de la grande époque. Hein. Pour le coup, j'aime bien le concept. Alors ça, c'est justement, on va y venir un petit peu plus tard, parce que ça, le scoring, c'est tout le drama de ce jeu, parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, et il y en a autant qui détestent. Mais on va voir pourquoi. Moi, je fais partie de ceux qui aiment, mais les puristes n'aiment pas. Donc pour reparler un petit peu de Theodor Reiker, donc le directeur du jeu, eh bien en fait, ils ont fait concevoir tout l'univers par Grasshopper Manufacture, et donc et on va revenir sur eux un petit peu après. Et quand ils ont récupéré le travail de Grasshopper Manufacture, en fait, au sein du studio hongrois Digital Reality, eh bien il a pris 10 personnes, ils se sont isolés de tout le reste et ils ont fait un jeu dans le studio à part, donc en immersion totale, en étant coupé des autres en fait. Et c'est eux qui ont codé Cinemora comme ça. À part du reste du studio qui était sur un autre projet, je sais plus sur quel jeu ils étaient, c'était peut-être Black Knight, il y avait un jeu qui s'appelait Black Knight Sword, un truc comme ça, de Digital Reality, c'était un jeu Xbox Live, sympa comme tout. Peut-être qu'ils étaient là-dessus, parce que c'est sorti à peu près en même temps, me semble-t-il, mais en tout cas, eux étaient isolés, ils travaillaient pas sur le même projet que ce petit studio hongrois, voilà. D'accord. Donc pour en revenir donc aux japonais, parce que c'est ça qu'on aime, hein, on s'en fout des hongrois, non je déconne, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien en fait, il y a Akira Yamaoka qui a travaillé sur les sons et la musique du jeu, donc lui, comme c'était un univers dieselpunk, il a voulu reprendre les sons électro des années 70 pour essayer de coller à la musique. Après, il y a plein de gens qui disent que c'est pas ouf ce qu'il a fait. Moi, je trouve que ça colle très très bien au jeu. Ah oui, c'est de la musique d'ambiance en fait. Hein. C'est pas une BO qui va te faire bouger en fait. Il y a des gens qui se plaignent, qui disent ouais, mais moi ça me fait pas. C'est pas la BO d'Exapoda, sans vouloir refaire de la pub à Monsieur Garcin qui a fait vraiment des track ultra entraînant. C'est vrai qu'on est plus sur de la musique d'ambiance, comme de la musique de film qui accompagne un peu le déroulement de l'histoire et des séquences quoi. Mais c'est vrai que c'est pas on n'est pas sur de la musique arcade de shmup. Voilà, c'est ça, il a pas voulu faire une BO, il a voulu faire un truc qui colle à l'ambiance dieselpunk, et ce qu'on peut dire c'est que c'est ultra réussi, parce que même si c'est pas une OST que tu vas aller écouter tout seul dans ta chambre, en tout cas ça colle parfaitement bien avec l'univers, avec le scénario ultra développé, parce que qu'on peut dire aussi de Cinemora, c'est que c'est un des rares shoots à avoir un scénario aussi profond, même plutôt compliqué à comprendre. Et voilà, donc Akira Yamaoka a travaillé sur le jeu. Et donc, en fait, j'en avais parlé, je crois, dans un rétro game show. Et bien, il y a une autre personne importante qui a travaillé sur la conception de l'univers de Cinemora, et c'est Mahiro Maeda. Et Mahiro Maeda, c'est un mec qui a travaillé sur énormément de séries d'animation, dont Neon Genesis Evangelion, et je crois que c'est aussi Animatrix, des trucs comme ça, mais aussi sur beaucoup de jeux vidéo. Donc il y a Blood Will Tell, puisqu'on parlait de Tezuka Osamu un petit peu plus tard, puisque c'était sur sa licence Dororo, Blood Will Tell chez nous, mais c'est Dororo au Japon. Donc il a travaillé là-dessus, il a travaillé sur la série des Lunar avec Silver Star Harmony sur PSP, et le Star Story qui est l'original, dont il faisait partie des animateurs aussi, hein, puisqu'il y a des scènes animées dedans. Il a fait des gros trucs, hein, j'avais fait une vidéo sur Gungrave, et il a travaillé sur Gungrave Overdose. Gungrave tiré d'un animé, hein. Il a travaillé sur l'excellent Silhouette Mirage de Trigger. Il a travaillé sur quoi d'autre? Bref, énormément de jeux, mais je voulais venir à un jeu en particulier, c'était Radiant Silvergun. Voilà. Et donc il a fait partie de la création du monde de Radiant Silvergun. Et donc, on reconnaît en tout cas la richesse d'un tel travail, parce que Cinemora, on peut pas dire que, en tout cas, la direction artistique soit moche. C'est absolument de toute beauté. Ah non. Qui peut dire le contraire, quoi?
Moi, c'est le jeu qui m'a tenu en haleine, c'est en grande partie parce que je voulais voir les boss, l'architecture des vaisseaux. Ouais, les détails et tout. Donc, ouais, et souvent, la 3D, les shmups qu'ils font dans la 3D, la 3D est souvent cheap au bénéfice d'avoir une vitesse d'affichage, le maximum, tu vois, de balles à l'écran, etc. Mais là, on a vraiment un jeu qui est atmosphérique, tu vois, avec ses pannings de caméra où ça tourne autour de l'ennemi, ça prend son temps. Mais en même temps, la 3D, elle est vraiment de haut niveau. Je vois pas beaucoup de shoots 3D avec autant de détails, quoi. Ah oui, non, mais on est absolument d'accord là-dessus. Y a rien à dire. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ah, je vais faire plutôt court, je vais zapper le reste. Ouais, donc au niveau des Japonais, ça s'est résumé à livrer un monde, puisque en fait, Rainer, donc le directeur, avait déjà pensé l'histoire. L'histoire, c'est plus lui, en fait. Mais l'univers graphique, la DA, c'est les Japonais. Et sûrement aussi un petit peu le game design quand même, malgré tout. Hein, parce que, voilà, eux, en tout cas, n'avaient aucune expérience du shoot. Et surtout, Rainer n'a jamais dirigé de jeu avant Cinemora. C'est assez étrange, d'ailleurs, qu'il ait eu cette opportunité de faire son jeu. Et tant mieux, parce que enfin, ce jeu qui ressemble un petit peu à Steel Empire, qui ressemble un petit peu, comme Bantaro le disait dans le chat, à Pro Gear, ou à Prehistoric Isle, a vraiment une identité propre malgré toutes ces références, quoi. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler peut-être un petit peu rapidement du scénario. Le scénario est juste incroyable, avec plein de scènes cinématiques et des dialogues qui sont vraiment bien incrustés dans le jeu. Je veux dire, c'est pas en trop, c'est pas casse-couille comme dans Raiden 5, Vinou en parlait sur le Discord. C'est pas du tout chiant comme ça, c'est très très bien implanté. Et de toute façon, comme on fait plusieurs runs, on n'est pas obligé de tout capter du premier coup, on découvre par la suite. Et en fait, c'est une histoire de vengeance, parce qu'en fait, il y a un empire qui a décimé en fait une race qui était capable de contrôler un petit peu le temps, et eux ont fait leur propre machine à contrôler le temps. Je parle de l'Empire. Et l'Empire, en fait, on apprend que ouais, cette machine à contrôler le temps chez l'Empire est mise en marche par 2 millions de cette ancienne race, en fait, qu'ils ont réduit en esclavage et qui sont en train de parasiter pour pouvoir contrôler le temps. Et donc c'est on a deux points de vue en fait dans un temps différent, puisque en fait le jeu est vraiment basé sur le temps, hein, comme on l'expliquait. Et donc on a un père qui a perdu son fils, qui veut se venger de l'Empire. Et donc, eh bien, cette ancienne race des espèces de léopards, qui les Enki, en fait, du nom du même prophète du temps, qui veulent eux aussi se venger de l'extermination de leur race par rapport à l'Empire. Et donc, par rapport au gameplay, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, selon le mode arcade ou story, on fait pas la même chose. Et en fait, c'est un jeu qu'ils ont conçu pour être le plus casual possible. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ce concept de rewind du temps un petit peu quand on se fait toucher. Et qu'on peut utiliser diverses armes comme ralentir le temps pour éviter les boulettes. Et je crois qu'il y a 6 armes supplémentaires, donc vraiment un shmup à l'ancienne, parce que c'est pas tout à fait un bullet L, ça dépend des moments. Et on a quand même 6 armes différentes, puisque les shoots modernes, eux, ont tendance à avoir une seule arme qu'on upgrade tout au long du jeu, et ça, c'était un peu dommage. Et bien, ça change dans... Alors attendez, Gemu, un instant, je t'arrête juste parce que j'ai changé de casque, donc il faut juste que je remette le son, hop, dans le bon... Tac. Voilà, Guillaume. On t'entend à nouveau. Ok. Donc, on a parlé un petit peu du système de temps. On peut parler aussi des armes. Il y en a 6, hein, donc c'est assez varié. C'est cool d'en avoir 6 différentes, mais malheureusement, un des défauts du jeu, c'est que l'efficacité des armes est très variable. On peut se retrouver avec des armes de merde, donc il faut faire attention dans son choix. Surtout que, comme expliqué un petit peu avant, il y a du rank. C'est-à-dire la difficulté augmente au fur et à mesure que vous ramassez des bonus. Et on a aussi des armes secondaires, et donc ça varie selon le mode arcade ou story. Le mode story, vous avez 10 continues, et le mode arcade, c'est pour les scoreurs, vous avez 3 continues. Et là, on va en arriver au débat qui fait que certains considèrent ce jeu pourri, alors que d'autres, comme nous, adorent. Donc il y avait Dick Aurélie qui a joué il n'y a pas longtemps, puisqu'on en avait parlé sur le Discord. C'est comme ça qu'on en est venu à traiter ce jeu dans le Retro Game Show. Et il disait qu'il adorait. Et moi, je fais aussi partie, comme toi, des gens qui l'adoraient. Alors que Prickly, Angler et Vinou, qui jouent au shmup plus sérieusement,
Et ben eux, ils détestent. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'ils détestent ? Eh bien, simplement parce que le jeu est très mal conçu au niveau du scoring, et c'est là qu'on voit qu'on a affaire à des gens de chez Digital Reality qui n'ont aucune expérience du shmup, parce que en fait, c'est vrai que c'est très très mal foutu niveau scoring. Si tu veux découvrir, si tu aimes une ambiance, si tu aimes les animés, si tu aimes les scénarios, ça sera un jeu super pour toi. Tu feras n'importe quoi, tu utiliseras toutes les armes comme tu as envie, les pouvoirs comme tu as envie, mais si tu es un scoreur, en fait c'est la croix et la bannière. Tout est fait pour que tu te casses les couilles en fait dans ce jeu. Ouais. Je vais vous expliquer. En fait déjà les leaderboards au niveau des scores, et ça c'est une totale anomalie dans le monde du shmup, eh bien quand vous perdez un crédit, en fait ils vous gardent le score et vous pouvez continuer sur le crédit suivant à faire monter votre score. Donc ça c'est une anomalie dans le monde du shmup, mais bon encore ça pourrait se comprendre par le concept. Pourquoi pas, mais déjà c'est chaud, déjà pour les joueurs de shmup c'est chaud. Ensuite, bah oui. Là tu luttes contre tes habitudes les plus comment dire, primaires quoi, c'est... Bah c'est one credit, ouais, one credit, et plus tu vas loin, et c'est comme ça que ça se passe quoi. Donc même si t'as qu'une vie dans ton crédit, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ensuite on en arrive au cœur du problème, en termes de scoring, c'est que en fait... Donc ça se joue à base de multiplayer, hein, c'est-à-dire que à force de dégommer des ennemis, le multiplayer monte. Seulement, le pouvoir, si tu l'utilises, ça baisse ton multiplayer. Si tu utilises les capsules, par exemple, et les pouvoirs pour ralentir le temps, ça réduit ton multiplayer. Et si tu utilises les armes secondaires, ça réduit ton multiplayer. Ouais. En gros, c'est comme si on te disait... Bah écoute mon pote, on a un gros bazooka, on a des missiles nucléaires, mais si tu veux gagner, il faut utiliser la sarbacane avec du papier cul mouillé dedans. Voilà. C'est une belle métaphore, oui. Non mais c'est exactement. Un peu ça, ouais. C'est vrai. Voilà, t'as ni le droit à la bombe, ni rien en fait. En fait, faut que tu utilises rien si tu veux garder ton multiplayer. Alors ça, c'est ça le problème, ouais. En termes de game design, ça rend le jeu ultra dur et ultra chiant, quoi. Parce que déjà que c'est pas forcément évident. Tu te frustres en fait pour passer à côté. En fait, c'est presque un run, à challenge additionnel. Si tu veux faire du scoring, tu te rajoutes encore de la difficulté complètement artificielle, hein, pour le coup. C'est vraiment un jeu pour ceux qui aiment se faire fouetter si tu veux scorer. Ouais. Ouais, tout à fait. Faut pas scorer. Sans déconner, vous allez vous dégoûter. Non, faites le jeu pour ce qu'il est, c'est-à-dire voilà. un joli panorama de magnifiques environnements, des architectures, des méca design, des boss design, l'ambiance. Vraiment de folie. Et il y a des moments où on est sur un peu du bullet hell et vos réflexes vont quand même être mis à rude épreuve. Quoi. Ah, oui, non, mais le jeu en termes de gameplay, il est vraiment très sympathique. Hein. Ouais. Tout à fait. Mais pas en termes de système de scoring, c'est vrai. Et il reste encore un dernier souci, en tout cas pour les scoreurs. C'est un souci qui se rend moins évident, qui est moins évident quand on parcourt le jeu comme ça. C'est que vous pouvez avoir des time traps. Voilà, c'est-à-dire que en fait, vous avez plus ou moins mal joué. Et en fait, vous arrivez au boss, il vous reste 30 secondes. Et c'est absolument impossible. De battre le boss en 30 secondes, donc comme le timer arrive à zéro, vous perdez votre crédit. Et donc ça, c'est simplement intolérable de se retrouver pour certaines personnes qui mettent, par exemple, je vous donne un exemple, un peu trop de temps à tuer le boss, mais parce qu'ils veulent être méthodiques et surtout survivre et pas se faire toucher, et d'être pénalisé par ça, par un time trap, c'est-à-dire qu'au final, il te restera pas du tout assez de temps pour tuer le boss. Surtout que, je vous le rappelle, vous n'avez pas le droit à la bombe, vous n'avez pas le droit au pouvoir, vous n'avez pas le droit aux armes secondaires. Donc tu vois un petit peu le truc qui tranche chauve en fait, hein, et fait tourner trois fois autour de ton slip. Et donc voilà pourquoi, en tout cas, énormément d'amateurs de shmup n'aiment pas Cinemora. Moi, je pense que leur erreur, c'est d'avoir laissé le timer pendant les boss. Il aurait fallu, pendant le cheminement du niveau, les timers, c'est pas déconnant, parce que le niveau, finalement, il scrolle, tu vois ce que je veux dire ? Il avance de manière continue. Là où ça pose problème, c'est effectivement, comme tu dis, le boss, en fonction des patterns et de sa stratégie, toi, tu vas vouloir un petit peu prendre ton temps, et là, ça va à l'encontre de ça. Donc, le compteur devrait disparaître pendant les boss fights, et ça pourrait rééquilibrer un peu le jeu, quoi. Alors, moi, je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, selon le temps que tu utilises pour finir ton niveau, t'as un bonus aussi de score à la fin. Oui, exact. Ouais. Mais par contre, plutôt que mourir à zéro, quand t'es au boss, en tout cas, peut-être faire un truc qui fait que tu perds du score, tu vois.
Je sais pas, je dis des conneries, c'est compliqué comme système, mais... Ouais, ouais, équilibré, c'est pas évident. Quelque chose d'autre. Mais voilà, c'est pas évident, c'est vrai. Et donc, on n'a pas parlé de la version X, ouais. Puisque en fait, le jeu ressort très largement après, hein, puisque à la base, il était exclusif, comme je disais, à la Xbox 360, mais uniquement dématérialisé. Ouais. Mais après, il est sorti sur PS Vita avec un personnage en plus de Under Defeat, hein, le shoot de J-Rev. Donc, je pense que c'est du côté Grasshopper Manufacture, ils sont arrangés avec J-Rev. Et donc aussi sur PS3. Et ensuite, plus tard, la version EX, hein, donc qui sort sur Switch, PS4... Ah oui, il était sorti sur Steam aussi. Switch, PS4 et Xbox One, voilà. Là, vous avez la version Switch qui tourne, elle est pas... c'est pas un drame. Vu la 3D qui est quand même exigeante... ouais. Alors, le jeu tournait sur 360, la Switch est en capacité de d'égaler, on va dire... dire 360, mais en portable, elle a tellement peu de consommation en watts que c'est compliqué de porter des jeux bien. Donc là, ils ont reconstruit un petit peu la résolution et les textures sont un petit peu à la baisse. Et comme plein de jeux Switch, il n'y a pas d'anti-aliasing. Donc vous allez avoir pas mal de petits crépitements dans l'image. Mais sinon, c'est un très bon portage. À 30 FPS, il me semble. Malheureusement, pas 60. Et ça, c'est un peu dommage pour un shmup. Mais sinon, les versions console de salon et PC, là, c'est 60 ou plus. Hein. Il n'y a pas de souci. Et donc pour terminer, parler un petit peu des différences qu'il y a dans la version X, en fait, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a une quand même majeure, c'est qu'il est possible de jouer donc en coopératif, à plusieurs, donc en local, uniquement en local. Mais c'est déjà pas mal, pour un jeu comme ça, franchement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir profiter de ça à deux, parce que tout seul, c'est toujours moins marrant. Après, il y a 15 challenges rajoutés, et puis trois modes versus où on peut s'affronter, et donc c'est un jeu qui est sorti 5 ans plus tard quand même, hein. Mais le jeu étant tellement joli qu'il a très très bien vieilli en fait. Ah donc, oui, voilà. Oui. C'est vrai que autant d'années après, il n'a pas à rougir de ses graphismes, je maintiens impressionnant. Ouais. Moi j'en voudrais plus des comme ça, je maintiens que j'adore le pixel art, surtout sur les shmups, mais la 3D souvent, on tend plus vers des jeux un petit peu au look smartphone, tu vois, ou très simpliste, et c'est dommage, parce que regardez ce qu'on peut faire en taffant un petit peu sa DA, quoi. Ouais, pour moi c'est une petite redard, hein, vraiment. Mmh. Ouais. Bon, par contre, je vais devoir vous laisser. Bah ouais, pas de soucis. Ça fait déjà... ça fait 3 heures, moi je vais essayer de boucler ça en 20 minutes, comme ça... On vous fait un petit dossier rapide Boomer Shooter. En tout cas, merci Gamou de m'avoir assisté comme chaque semaine. On va te laisser aller tuer des gens pendant ton poste de nuit de ninja. C'est ça. Donc je vous dis pas Salamayo, hein. Je laisse. Je ferai le Salamayo final tout seul. C'est ça. Salaud. Et bonsoir tout le monde. Merci d'être aussi nombreux. On passe des super moments. C'était cool. Ouais. Et puis amusez-vous bien en compagnie de Job. Voilà. Et puis surtout, rendez-vous, si vous voulez avoir des news de la cagnotte et de l'affaire Gunhead, demain c'est la fin de la cagnotte, hein, c'est le dernier jour où elle est ouverte, ouais. Et du coup Gamou fera un petit débrief demain soir après 21h avec Biggie, c'est ça, il me semble Biggie et Retropolo et Wise Pixel. Par contre ça sera, en tout cas au niveau de Life is a Video Game, ça sera multichaîne, mais nous ça sera sur la chaîne secondaire. Par rapport au fait qu'il va falloir, vis-à-vis de l'association, séparer nos avis politiques, hein, parce qu'en fait, on est une chaîne où on a une certaine liberté d'expression, eh bien, quand on va parler politique, on va vraiment déplacer ça du côté de la chaîne secondaire. Donc, ça sera sur la chaîne secondaire, comme la vidéo Gunhead, voilà. Voilà, comme ça, ceux qui sont dans l'assaut et qui ne veulent pas entendre parler de ça, ce sera segmenté suffisamment pour que vous ne soyez pas parasités par ces vidéos un peu hors sujet, jeux vidéo. Exactement. Voilà. Sur ce. Voilà. Ça y en a là, on mettra le lien sur le Discord, hein, du live de demain, quand bien même c'est sur la chaîne secondaire, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Allez, bye bye. Allez, ciao. Bonne soirée, mon grand. Merci encore. Salam Mayo, jeune homme. Ok. Écoutez, hein. On va faire le boulot tout seul. Ce sera qu'une fois de plus. Non, je plaisante. Alors, grand merci à Gamou. Des fois, vous imaginez pas comment il enchaîne entre ses journées de taf, ses trajets en transport commun pour finir des lives à minuit passé et 6h du mat, ça recommence. Voilà, on est des cravacheurs de l'ombre. Alors, sur ce,
On va faire très rapidement, parce que pareil, hein, je vais pas perdre des heures, sachant que ça aurait été intéressant de rebondir dessus, parce que j'aurais voulu avoir un petit peu les retours de Guémou, qui ne sait pas forcément ce que c'est. Enfin, il ne pratique pas les FPS. À ma connaissance, Guémou, c'est pas un joueur FPS. Il a peut-être fait Doom 2016 par curiosité, mais là-dessus, l'ADN, on va dire, ordinateur et les jeux qui se jouent majoritairement clavier-souris, il a. Je dis pas qu'il a pas connu ça, mais il a moins baigné dedans à l'époque, en tout cas où c'était la grande époque des FPS et des Doom-like, des Quake-like, que moi. Donc, je me suis dit, dans le cadre d'un jeu que je vais vous tester en fait dans les semaines à venir, qui s'appelle Bolt Gun, enfin Warhammer 40K Bolt Gun, je vais vous mettre le trailer, hop, pendant que je change le titre, parce que il y a personne pour combler maintenant, il faut que je me démerde tout seul. Non, voilà, allez. Je vous laisse juste la bande-annonce de Bolt Gun pour vous voyez à quoi ressemble un boomer shooter. Et surtout, ils ont fait un petit clin d'œil avec leur intro, où regardez, l'intro, et enfin le trailer est en 4 tiers. On voit une chambre des années 90 avec un écran CRT, une disquette qui est réécrite 50 fois avec du marqueur. Enfin voilà, c'est le Rubik's Cube. C'est cliché, hein, on se croirait dans Stranger Things. Mais c'était ça, des chambres d'adolescents dans les années 90. Et voilà le gameplay de Bolt Gun. Donc, on est dans l'univers de Warhammer 40K, donc le Warhammer futuriste, hein. Et c'est littéralement un Doom-like. Un pur Doom-like, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Avec des niveaux qui s'appellent E1-M1, E1-M2. Donc vous avez des épisodes, c'est les chapitres en fait de la campagne. Et vous avez un nombre de maps définis par chapitre. Il y a une entrée, il y a une sortie, vous avez des portes qui ont des couleurs, vous avez des clés de couleurs, les clés de couleurs ouvrent les portes de couleurs, vous avez un ensemble de maximum 10 flingues différents, chacun qui a une situation et une utilité bien précise, et vous avez un bestiaire d'une quinzaine, vingtaine de monstres. Et voilà! C'est aussi simple que ça. Mais ça rappelle les meilleurs FPS rétro du début de ce genre. Hein, parce que le genre FPS, c'est un genre qui est finalement beaucoup plus jeune que d'autres. Genre arcade et genre 2D. Parce qu'il a fallu attendre qu'on maîtrise la 3D. Sauf que c'est pas vrai. On a fait des FPS avant que la 3D existe. Et c'est ça du coup que je vais un petit peu vous parler ce soir. C'est d'où viennent ces FPS. Et qu'est-ce que finalement ce renouveau en ce moment depuis... ça fait 3 ans, hein, 3 ans qu'il y a vraiment une hype autour de ce qu'on appelle les boomer shooters. Alors j'aime pas forcément le terme parce que ça veut rien dire. Hein, et, si on traduit boomer shooter, ça veut littéralement dire les FPS pour les vieux. Et ils ont pas entièrement tort parce que la destination, enfin le marché principal de ces jeux, c'est les trentenaires ou même quarantenaires qui ont connu ces FPS sur PC à l'époque de Windows 3.1, Amiga, Atari, console 16 bits, et voire même des ordinateurs encore avant. Et donc, on va commencer dans l'ordre. Alors attendez, déjà il faut que je change le titre, dossier numéro 2. Allez, je me donne... Un quart d'heure, 20 minutes, hein. On va faire vite parce que pareil, hein, la journée a été longue et je veux pas non plus vous retenir, ça fait 3 heures déjà qu'on est en live. On aimerait faire un jour une émission qui fait 2 heures, tout compris. 2 heures entre les news qui ferait 1 heure et chaque dossier qui ferait 30 minutes. Dans un monde parfait, on ferait une émission de 2 heures. Ces derniers temps, on est plus sur 3h, 3h30. Et à un moment donné, il faudra qu'on s'auto-flagelle pour faire soit moins de news, soit un seul dossier et pas deux. Mais là, comme en plus, on avait un invité. Cousin Hub est venu nous faire un petit débrief de la PGR. On avait énormément de news. Et Guémou n'a pas fait un petit dossier non plus sur Cinemora. Donc, ben, qui est-ce qui va raccourcir son taf? Ben, c'est Bibi, hein, pas le choix. Voilà. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, hein, on va résumer. Et si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Hein. Putain, j'aime pas cette expression, on n'est pas des boomers. Mais j'aime pas non plus, hein, surtout dans un genre de jeu, mettre littéralement le terme boomer qui est quand même... un peu péjoratif, même si moi je l'endosse de mieux en mieux. Je vis beaucoup, chaque année qui passe, et puis en mai j'ai eu 42 ans, et ben je vis mieux le terme boomer. Et quand je me rends compte maintenant que je deviens un petit peu un vieux réac, en fait on est des boomers nos rétros. Hein. Faut juste assumer, faut juste assumer. Mais j'aime pas associer par contre le terme à un genre de jeu, je trouve ça débile. Mais comment tu veux appeler ça autrement? Parce qu'on peut appeler ça autrement, hein. On peut appeler ça les FPS néo-rétro qui singent un game design un peu plus simpliste de la grande époque du début des FPS. Mais ça fait long comme phrase, tu vois. Donc je préfère trouver une phrase un peu passe-partout, même si le terme me plaît pas plus que ça. Voilà.
Donc, voici Boltgun, ça vient de sortir. C'est sorti le 28-29. Et donc, je vais le tester sur Life is a Video Game. J'ai reçu une clé de l'éditeur. Et bah, un petit peu comme Hexapoda, mais cette fois plus court, et ce sera monté, scripté. Hexapoda, en fait, à part l'intro et le petit passage avec Monsieur Garcin qui parle de la BO, on a enregistré ça et j'ai coupé les blancs pour rendre ça un peu dynamique. Mais le montage pendant le gameplay de Vinou, il n'était pas plus travaillé que ça. Mais ça fait une vidéo de 27 minutes. Et je sais que tout le monde n'encaisse pas 27 minutes pour un test. Donc Boltgun, ça va être 8 minutes maximum, scripté et monté de manière un peu plus dynamique, comme ce que Gemu fait avec ses tests. Donc ça, ce sera pour... peut-être pas le week-end prochain, mais sous 10 jours à peu près. Et après, j'ai un autre jeu qui s'appelle Bad Boy, mais ça, je vous en parlerai mardi prochain. Donc, attaquons le dossier Boomer Shooter. On va commencer avec... Bah, la base... Alors, est-ce que je peux dire ça? C'est pas la base de tout. Parce que si on commence par Wolfenstein, il y a des gens qui vont dire « Non, c'est pas le premier FPS !» Merci DreamFab, merci pour tes homebrew Neo Geo, hein, du coup. Et bonne fin de soirée à toi. Désolé d'avoir abusé en temps d'antenne, il n'y a pas de problème, cousin. C'était un vrai plaisir. À vrai dire, c'est plus intéressant de parler de ce genre de choses avec toi qui y étais, quitte à ce qu'on rogne sur des trucs... tu sais, parler des FPS rétro, je peux en parler la semaine prochaine. Là, la PGR, c'était vraiment dans l'actu, donc c'était sympa que toi qui y étais, tu viennes nous en parler et que nous, on dise pas que de la merde alors qu'on n'y a pas mis les pieds. Du coup, on va quand même commencer par ce qui a lancé, selon moi, ce genre FPS qui est devenu vraiment mainstream, alors qu'avant, c'était plus des soit des modes labyrinthe dans des RPG, mais c'était pas des jeux à part entière. Un des jeux qui a vraiment lancé le FPS à part entière, c'est Wolfenstein 3D. Pourquoi ? Parce qu'on a un scrolling ultra fluide, on a un jeu qui tourne à une fréquence où à l'époque les ordinateurs de bureau n'étaient pas du tout capables de le faire, mais c'est pas le premier FPS loin de là. Et c'est pire que ça, c'est pas de la vraie 3D. Mais c'est important d'en parler, parce qu'en fait, ce système de lancer de rayons... Alors, à ne pas confondre avec le ray tracing, hein, ça n'a rien à voir avec le ray tracing qui est... c'est du lancer de rayon pour simuler les photons et donc la lumière, alors que le moteur de ray casting de Doom, en fait, c'est un système pour, via une carte en 2D, je sais pas si vous avez déjà vu les cartes de Doom quand vous appuyez sur tabulation, ça vous met la map en surimpression, et en fait, vous voyez les murs, vous voyez les coursives, vous voyez les escaliers, et c'est une map en fil de fer vue du dessus. Et bien en fait, cette map-là, qui est créée dans un éditeur 2D, vous permet de générer des niveaux 3D. Mais c'est pas de la vraie 3D, c'est-à-dire la perspective, elle est fausse. Dans la toute première version de Wolfenstein et de Doom, vous ne pouvez pas regarder vers le haut ou vers le bas. La caméra, elle est bloquée en fait sur un axe horizontal. Donc il y a plein de limitations techniques. Mais c'est la première fois qu'on voit un FPS qui est fluide, qui est texturé, et qui tourne avec, on va dire, un labyrinthe horizontal à plat. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'étage, il n'y avait pas d'escalier, et il n'y avait pas de possibilité de couloir courbe. C'était que des lignes droites. Et il me semble même que les diagonales n'existaient pas dans Wolfenstein. Donc pour vous dire à quel point c'était techniquement limité. Et pourtant, le jeu est culte, hein, parce que... regardez ce qu'on avait avant, ça c'est Wolfenstein, mais en 2D. Admettez que c'est moins arcade, c'est moins rentre-dedans, tu prends moins plaisir à défourailler du nazi dans cette version-là, de Castle Wolfenstein, hein, qui est le tout premier jeu du coup de la franchise. Alors Romero, on va pas revenir sur ID Software, hein, parce que dans ce cas-là, il me faut 3 heures. ID Software, c'est les papas de Doom, de Quake, et de quasiment toutes les innovations dans le rendu 3D de ces 30 dernières années, y compris la VR, parce que John Carmack, quand il est parti de ID Software, il s'est retrouvé embauché par Oculus Rift, par Palmer Luckey, qui venait de faire le Kickstarter pour le tout premier casque VR grand public, et son ingénieur technique, c'était John Carmack. John Carmack qui est resté ensuite avec le rachat Facebook et qui a supervisé le MetaQuest 1 et MetaQuest 2. Donc ce mec-là, c'est un ingénieur qui... Il a posé les bases quasiment de tout ce qui s'est fait ces 30 dernières années en rendu 3D. À part Unreal Engine, parce qu'il n'est pas responsable de quoi que ce soit au niveau de Unreal Engine. Mais voilà, c'est un précurseur, il a fait des jeux 2D,
il a vendu un Mario qui aurait dû sortir sur micro-ordinateur, mais il s'est fait refouler par Nintendo, qui n'en voulait pas. Parce que Nintendo a dit, on en a rien à foutre de votre Mario qui a un scrolling ultra fluide sur PC, ce qui était complètement inédit, parce qu'en fait les jeux, les platformers sur PC étaient dégueulasses et personne ne jouait à des jeux de plateforme sur ordinateur, parce que les scrollings étaient impossibles à faire ou pas fluides. Donc soit tu faisais des écrans statiques, et à chaque fois que tu changeais d'écran, il y avait l'écran qui mais c'était impossible de rendre ça nerveux et dynamique comme un Sonic ou un Mario. Et Carmack a réussi à coder une routine de scrolling qui était fluide. Et ils ont fait un prototype de Mario. Et Nintendo a refusé. Voilà. Donc vous voyez, Dangerous Dave in Copyright Infringement 1990, c'est littéralement ID Software qui fait un clone de Doom. Pardon, de Mario, qu'est-ce que je raconte ? Et le titre, c'est une blague, hein, c'est Dangerous Dave. C'est une blague, hein, en gros. Et copyright infringement, c'est en gros, si on sort ce jeu, on va se faire copyright striker par Nintendo et attaque en justice. Donc le jeu n'est jamais sorti. À la place, ils ont fait Commander Keen. Donc voilà, ID Software n'a pas que fait de la 3D. Mais on avait des premiers essais. Vous voyez, on avait ça. Vous voyez ? Alors. Ça date de 1991, mais c'est des prototypes qu'on a retrouvés par la suite. On avait ce genre de choses aussi. Là, on est sur un FPS aussi. Avec Overtank, c'est encore le prototype d'avant Wolfenstein. C'est ça, Doom 2, tu peux pas regarder en haut. Exactement. Doom 1 et Doom 2, tu as la caméra qui est bloquée sur la verticale. Merci Futuramax d'être passé. Bonne fin de soirée à toi. Ciao, ciao. Donc, je vous passe les précurseurs. Il y a eu des précurseurs avant Wolfenstein, hein, qu'on soit bien d'accord. Catacombe, il y en a eu plein. Mais tous ces jeux utilisent la même technique, le ray casting, qui évolue de plus en plus. Donc au début, vous voyez, on a la perspective qui est fausse. On a uniquement des niveaux qui sont basés sur des angles droits à 90 degrés. On n'a pas d'hauteur, on n'a pas d'escalier, et on n'a pas la possibilité de faire une salle qui passe en dessous d'une salle ou au-dessus d'une salle. Donc c'était très simplifique, hein. C'était en gros un labyrinthe. Un labyrinthe à plat. Mais arrive Wolfenstein, et là on a un scrolling ultra fluide. 92, hein. 91 on a des trucs un peu balbutiants, 92 on a ça. Avec une résolution beaucoup plus élevée, avec des sprites colorés, avec des salles qui changent de texture, et avec des nazis qui ont des voix digitalisées, et les samples audio ont marqué autant que la fluidité du jeu. Merci Xavier, bonne nuit à toi si tu pars, et puis bonsoir à ceux qui nous rejoignent, hein. Je ne vous salue plus nominativement parce qu'il est tard, mais je vous fais des bisous, que vous soyez arrivant ou sur le départ. Donc voilà, Wolfenstein a vraiment posé les bases. Puis, en un an, les mecs ont réussi à développer le shareware, donc la version démo. Enfin, c'était pas là aussi, il faudrait que je prenne une heure pour vous expliquer ce que c'était des shareware. Mais en gros, les shareware, c'était des jeux où on avait uniquement un chapitre dispo sur 4 ou 5, qui était distribué gratuitement sur les BBS, donc c'est avant Internet, pour échanger des fichiers, et via des échanges de disquettes. Et en fait, ces shareware permettent de répandre un jeu, et si le jeu est vraiment bon, tu envoies une enveloppe avec des sous à une adresse, qui est souvent pendant les crédits du jeu, et tu reçois la version complète du jeu. Donc c'était en fait un moyen d'auto-édition, tu n'avais pas besoin d'un éditeur, et c'était littéralement le studio qui envoyait par la poste ses disquettes de jeux complets. Mais toi, tu avais l'occasion de tester la version shareware. Et c'est comme ça que Wolfenstein a été distribué, et que Doom a été distribué en 93. Donc regardez-moi ça. Début 93, on a une alpha qui ressemble à ça. C'est déjà bien. On a des escaliers, on a des niveaux avec de la verticalité. Vous voyez, on a des ascenseurs. On a la possibilité de placer des diagonales maintenant, au niveau de l'architecture des murs. Et on a des effets de lumière, qui sont complètement factices. Hein. Le fait que plus ça va loin, plus vous avez l'impression qu'il fait sombre, tout ça c'est complètement factice. Hein. Et quelques mois après, on a cette version 0.99. Et c'est là que Doom naît. Donc c'est la version quasiment 1.0. Et le chemin qui a été fait entre le début de l'année 93 et la sortie du shareware, c'est fou. En fait, en deux ans, les mecs ont inventé un genre, l'ont peaufiné, ont amélioré une technique de rendu et ont livré Doom, probablement un des FPS le FPS le plus majeur de l'histoire du jeu vidéo.
Et toutes les alphas, d'ailleurs, DocsM4, tu fais bien de le préciser, toutes les alphas et les versions de développement ont été archivées et préservées. Merci d'ailleurs hein, à tous ces sites qui font un travail de dingue pour mettre tout ça à l'abri, parce que bah, ça pourrait être perdu, hein, et c'est vrai que c'est des pièces maintenant, des pièces de musée, j'ai envie de dire. Alors attendez, il y a juste le chat. Ouais, je suis psychorigide, il est bas, on va le mettre un peu, voilà. Gemu n'est plus là, alors autant que vous preniez de la place, hein, voilà. Donc voilà, Doom arrive en 93, et là tout change. Tout change, les micro-ordinateurs se vendent comme des petits pains pour jouer et puis pour faire de la bureautique. Pourquoi ? Parce qu'on a ce jeu. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, oui, il y a eu des portages consoles. Presque toutes les consoles y ont eu droit. La Super Nintendo, la Mega Drive, 32X, les consoles CD, la Jaguar. Toutes les consoles ont essayé d'avoir une version de Doom. Mais soit les performances étaient horribles, soit la résolution était risible. Et sur PC, on avait 45 FPS, pas 60. La version DOS 1.0 est bloquée à 45 FPS. Mais c'était le jour et la nuit, hein, quand vous savez que la version Super Nintendo elle est à 11 ou 12 FPS. Dites-vous que 45, c'est 3 fois plus. Donc c'était d'une fluidité quasiment jamais vue sur PC, quoi. Et là, il y a eu carrément les ordinateurs dans les sociétés et les entreprises européennes et américaines se sont vus monopolisés par les employés pour que, pendant leurs horaires de travail ou pendant la pause entre midi, ils se retrouvaient à jouer à Doom et même en réseau local. Parce que comme tu pouvais brancher les PC en réseau local pour jouer ensemble et que les sociétés souvent avaient déjà des ordinateurs branchés, le nombre d'employés qui ont passé leur temps de repas à se défoncer la gueule sur le multijoueur de Doom, grande époque. Grande époque, le début des années 90. Donc ça a marqué des gens. Et les gens qui ont connu Doom à cette époque, qui ont mon âge, maintenant, bah, sont les développeurs des boomer shooters. C'est ça que je veux dire aussi, c'est que le genre boomer shooter a été inventé par des fans qui ont connu les FPS au moment de leur invention et à l'époque, l'âge doré, on va dire, de ce genre, quoi. Où tout était possible. Parce qu'ensuite, il y a eu un enchaînement de FPS qui sont tous des hits. Hein. On va rester encore sur les jeux en 2,5D ou en raycasting. On a un jeu culte, Duck Nukem. Duck Nukem, c'est toujours pas du vrai rendu 3D, mais on a un rendu qui peut maintenant être simulé à 100%. C'est-à-dire, on peut regarder vers le haut, on peut regarder vers le bas, on peut voler carrément à travers la map. Les ennemis sont toujours des sprites, les armes sont toujours des sprites, mais on commence à avoir des objets en 3D, des petits coffres, des chaises, des barres. Et vous voyez, le level design commence à être de plus en plus travaillé. On peut utiliser de plus en plus de polygones à afficher à l'écran en simultané. Et on commence à avoir des caisses. On a du platforming, vous voyez. Du coup, les passages secrets sont beaucoup plus intéressants que dans un simple Doom où t'es quand même cloué au sol à la base. Vous pouvez utiliser des caméras de sécurité. Duck Nukem, il a posé les bases vraiment d'un gameplay sandbox, un vrai bac à sable où si tu vois une caméra, tu peux l'allumer. Si tu as un interrupteur, tu peux l'activer. Et il y a plein de secrets qui sont cachés dans les niveaux. Donc ça, c'était un vrai plaisir de décortiquer les niveaux pour aller trouver les secrets cachés, quoi. Mais on est toujours sur un jeu qui n'est pas en vrai rendu 3D, vous voyez. Les sprites, c'est quand même la base de tout. Les ennemis au sol, c'est des sprites. Les pick-up, que ce soit les soins, les munitions, c'est des sprites. Tous vos armes que vous tenez dans votre main, c'est un sprite, un simple sprite qui bouge et qui est animé image par image. Le reste des niveaux, on est sur de la 3D, donc le moteur s'appelle le Build Engine, c'est Ken Silverman qui l'a inventé, et il y a énormément de jeux qui sont basés sur ce moteur-là. Le moteur de Ken Silverman, c'est 96, et on a par exemple un grand nom qui s'appelle Shadow Warrior. Si vous connaissez pas Shadow Warrior, ça ressemble. Non, le tout premier, s'il vous plaît. Merci. MS-DOS, y'a que ça de vrai. Duck Nukem basé sur le moteur de Ken Silverman, exactement, avec Ken Labyrinth qui était le prototype de ce moteur. Donc Shadow Warrior, un de mes préférés. C'est ultra nerveux, c'est ultra violent, c'est gore au possible, ça pisse du sang de partout, mais c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir de jeu. C'est nerveux, c'est arcade, c'est sans concession, ça va à 200 à l'heure. Et il y a plein de mèmes sur la pop culture et plein de lieux communs du jeu vidéo. Mais voyez, les textures sont toujours pas filtrées. Quand on s'approche d'une texture, on voit vraiment les pixels qui composent la texture.
La perspective est faussée, on n'a pas de la vraie perspective, mais on peut regarder dans toutes les directions. On a la gestion à la souris de la caméra, ce qui n'était pas le cas au début. Hein. Au début, la caméra, on utilisait des touches du clavier pour jouer uniquement au clavier. Et c'est seulement après que la souris a servi à gérer la caméra, en fait. Donc tout ça, ça s'est découvert au fur et à mesure des années. On a un autre jeu encore, un dernier, aller sur le Build Engine, c'est Blood. Blood 97, donc un an après Duck Nukem. On a le jeu de Monolith Production, à ne pas confondre avec Monolith tout court. Et pareil, hein, il a eu une version... Tous ces jeux-là ont eu des remasters récents. Hein, donc si vous voulez redécouvrir ces jeux, soit il y a eu des portages, soit il y a eu des adaptations sur des moteurs qui tournent maintenant sur Windows 10 ou 11. Et effectivement, il y a eu d'autres jeux sur Build. Et Build existe toujours, d'ailleurs. Redneck Rampage, exactement. Et effectivement, le dernier, Ion Fury, qui aurait dû s'appeler Ion Maiden, mais Iron Maiden a foutu la merde en disant « Non, vous n'utilisez pas notre nom !» Alors, Phantom Fury, c'est le nouveau, c'est la suite. Nous, ce qu'on veut, c'est Ion Fury, voilà. Allez, on va chez Digital Foundry. Regardez-moi ça. On est sur le même moteur que Duck Nukem, on dirait pas. Franchement, on dirait pas. Regardez-moi la qualité des visuels. C'est le même moteur, mais modé au bout du bout du bout de ce qu'il peut faire. C'est-à-dire, la résolution est poussée à fond, les textures sont poussées à fond, le nombre de polygones et la taille des maps, le nombre d'objets disponibles par map, le nombre de couleurs disponibles à l'écran, les objets maintenant sont en voxel. Enfin, ça a été poussé vraiment au maximum de ce que le moteur permettait, mais c'est le moteur Vanilla. C'est toujours le Build Engine, et ce jeu-là est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a, il me semble, 4-5 ans. Et il est sur console, vous l'avez sur Switch, vous l'avez sur... Et il tourne à la perfection, hein. Sur Switch c'est 60 FPS. Ça tourne nickel. Donc voilà, là on est sur un vrai boomer shooter. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui respecte les codes de l'époque, donc les codes de Duck Nukem, utilise le moteur d'époque, mais met tout ce qu'on a imaginé depuis en game design. Donc il y a des accessoires, il y a des armes qui sont un peu plus fun, les levels sont gigantesques, c'est une ville complète cyberpunk, avec des étages, avec des immeubles, avec des quartiers qui sont reliés les uns aux autres. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, mais c'est un jeu moderne qui a été fait il y a moins de 10 ans. Mais ça aurait pu sortir dans un monde parallèle à l'époque, si il y avait un voyageur dans le temps qui avait ramené tout ce qu'on sait faire depuis. Donc voilà, là on est sur un vrai boomer shooter. Hein. Je saute un peu les étapes, mais c'est pour vous expliquer aussi ce que c'est. Un boomer shooter, pour moi, c'est ça. C'est un revival qui est fait soit avec des techniques modernes, soit avec des techniques d'époque, mais qui singe soit le game design, soit les visuels, mais l'idéal c'est d'avoir les deux, des jeux rétro de la grande époque des FPS. Donc, parce que après il y a toute une autre timeline alternative, hein, avant Wolfenstein ou en parallèle de Wolfenstein, sur les ordinateurs 16 bits qui à la base n'étaient pas censés faire tourner de la 3D, on a eu des jeux 3D. Je prends l'exemple de l'Amiga. L'Amiga, il n'est pas connu pour ses jeux 3D parce que les performances de rendu 3D sont quasiment inexistantes. Mais si on cherche bien, Robocop 3, on a de la 3D. Ça, c'est de la full 3D sur Amiga. Mais regardez le nombre de FPS. Tout ça pour dire que il y avait des FPS, mais c'était des proto-FPS. Vous voyez Jurassic Park de Océan, 1992. On est avant Doom et on est quasiment au même moment que Wolfenstein. Et au final, Alien Breed 3D, c'est littéralement Doom sur Amiga. Donc l'écran de jeu est beaucoup plus petit, hein, parce que l'Amiga, les performances d'un 500 et même d'un 1200, c'est pas incroyable. Mais là, on commence à avoir une fluidité de jeu qui est jouable. Le problème, c'est que la résolution, on est sur des énormes pixels, et en plus, on joue dans une toute petite fenêtre. Hein. Mais l'Amiga a eu des FPS, voilà. Et il y a encore des développeurs à l'heure actuelle qui poussent le vice, et regardez ce qu'on commence à faire, quoi. Là, on est toujours sur Amiga. Ça commence à ressembler un peu plus à du Quake ou à à défaut à un jeu Build Engine, quoi. Donc voilà. Mais le problème, c'est que si je vous parle après de ces jeux-là méconnus, on n'arrête plus, quoi. On n'arrête plus parce qu'il faudrait 2 heures. Mais voilà, il y en a eu plein. Il y a eu Breathless, il y a eu Genetic Spaces. Il y a eu Quake, il y a eu un portage de Quake sur Amiga au final en 99 grâce au code source.
Et voilà, il y a eu d'autres jeux, des portages de mode aussi pour ces jeux. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sinon ? On peut parler des éditeurs de Boomer Shooter, parce qu'il y en a qui font des revivals, mais il faut bien des gens aussi pour éditer et mettre en avant ces FPS. Et ben, il y a quelques studios qui font de l'excellent travail. En ce moment, il y a 3D Realms. Donc 3D Realms, c'est amusant parce que c'est littéralement l'éditeur originel de Duck Nukem. Apogée et 3D Realms. Et du coup, l'éditeur existe toujours. Alors, c'est plus du tout les mêmes employés, hein, même si il me semble qu'il y a encore un vétéran de la grande époque qui est à bord. Et lui, en fait, continue d'éditer des Boomer Shooters. Et ils ont en fait une conférence qui a lieu tous les ans qui s'appelle Realms Deep. Et c'est une vraie conférence comme à l'E3 où pendant une heure on vous présente les jeux qui vont sortir cette année. Voilà. Et donc là c'est l'édition 2022. Vous voyez, 2h37. Il me semble que c'était sur deux jours cette année. Enfin l'année dernière. C'était du grand n'importe quoi. Et effectivement, voilà, c'est Tim Willits. Tim Willits, lui, était là à l'époque, et Tim Willits était chez ID Software. Donc, Industrie Légende, c'est pas des blagues. Et c'est lui qui chapeaute 3D Realms. Donc lui, c'est un ancien, vraiment, de la première heure, quoi. Alors, il faut savoir qu'ils éditent plus que des Boomer Shooters, mais si vous regardez ça, ça, c'est purement l'annonce d'un Boomer Shooter. Un parmi tant d'autres, hein. Il faut savoir que sur Steam, maintenant, c'est inondé de ce genre de jeux. Apogée, tout à fait Overtime 3D, Catacombs, Wolfenstein. De toute façon, il y a trois grands noms à l'époque, c'est ID Software, Apogée et 3D Realms. Ils ont créé un genre, et qu'ils ont raffiné, qu'ils ont amélioré. Et effectivement, sans ces trois studios, le FPS ne serait peut-être pas ce qu'il est à l'heure actuelle. Mais il y a quand même un jeu qui a tout changé, c'est Quake. Quake, c'est littéralement le jeu qui est passé en full 3D. Donc... Quake a fait deux choses. Il a montré qu'on pouvait faire tourner un jeu en 3D intégral, sans sprite, sans astuces de rendu visuel pour truquer la 3D. Non, non, on est sur de la vraie 3D où tout est rendu, y compris la lumière, y compris les particules, y compris les modèles 3D des ennemis, avec de l'interpolation, les armes sont en 3D, les pick-ups sont en 3D, tout est en 3D. Il n'y a plus un seul sprite 2D, à part la barre de vie en bas, que vous pouvez faire disparaître en plus. Le problème, c'est que ça consommait aussi des ressources. C'était sous DOS, c'était en 320x200, et c'est uniquement un rendu software, donc c'est votre CPU qui faisait l'intégralité des calculs. Sauf que, arrive, et c'est là aussi que Quake a révolutionné le jeu vidéo et a fait en sorte qu'on a pris les PC au sérieux pour autre chose que de la bureautique, c'est les cartes d'accélération 3D. Avant Quake, tout était rendu en software, et c'était soit tu avais un CPU puissant, donc avec beaucoup de mégahertz, soit eh ben, ton jeu y ramait. Arrivent les accélérateurs 3D, qui au début ne faisaient pas la 2D, hein, c'était vous aviez une carte, un pont avec un câble, et une deuxième carte. La première carte rendait votre bureau Windows la 2D, et la deuxième carte faisait uniquement la 3D. Et c'est là qu'on a commencé à avoir les Power VR, qu'on a eu les 3DFX, qu'on a eu les S3 Virge, enfin il y a eu plein de constructeurs, les Matrox, et tous ces constructeurs là en fait, exactement Android, welcome, fallait le MMX pour jouer à Quake, sinon le top avec le patch 3DFX, exactement. Donc là vous avez Quake en rendu DOS, vous voyez avec les pixels non filtrés, avec l'aliasing en 320x200, alors c'est fluide, hein, parce que ça doit tourner sur un PC moderne, mais c'est pas comme ça que l'on l'a connu à l'époque, moi j'avais un Pentium 90, ça ramait du cul. Arrive Quake 3DFX, et là, waouh, on passe en couleur 16 bits, les textures sont filtrées, on est à 60 fps, on peut monter en 640x480, voire en 1024x768. Regardez-moi la fluidité. Alors, je diffuse à 30 fps, donc pour vous, il n'y a pas de différence de fluidité. Mais sachez que là, on est à 60, et regardez comme c'est filtré. Vous pouvez vous rapprocher d'un mur, vous ne voyez plus les polygones de la texture. Donc toutes les techniques de rendu moderne, elles ont été baptisées avec ces premières cartes accélératrices. Puis on a eu le TNL, donc c'est Texture and Lightning. C'est-à-dire en fait, avant les shaders, il y avait encore des choses qui étaient rendues par le CPU. Et quand DirectX a intégré le TNL, c'est en fait la carte graphique, la carte 3D accélératrice qui a commencé à rendre la lumière, les ombres
les effets de texture, les effets de transparence, et tout ça, au final, a été déporté vers le GPU, ce qu'on appelle maintenant carte graphique, en fait. Maintenant, nos GPU font les deux, hein, ça fait la 2D et la 3D, vous avez une carte, et tout passe par la carte. Mais sachez qu'on peut, s'en passer. Il y a des CPU qui ont on appelle ça des iGPU intégrés, et ça vous permet d'afficher votre bureau, voire même de jouer à des jeux 3D. Mais du coup, ce sera beaucoup moins puissant qu'une vraie carte accélératrice. Et en fait, bah, Quake, c'est ça qui a tout changé. Parce que ces cartes-là, elles ont fait en sorte que, jusque-là, les consoles explosaient les ordinateurs. Les consoles étaient plus rapides en scrolling, géraient mieux tout ce qui est fait de raster et la rasterisation elle-même. Les jeux arcade avaient plus de sprites. Les jeux à scrolling défilaient plus vite et plus fluidement. Et il y avait même maintenant les consoles 3D, la PlayStation 1, la Saturn, qui ont commencé à faire de la 3D temps réel un petit peu filtrée. Arrivent les cartes accélératrices et le PC a pris le devant. Et ne l'a quasiment plus jamais rendu, en fait. Le seul moment où je peux dire que le PC est un peu en retrait, c'est ces deux dernières années, avec des portages PS5 qui rament sur des PC qui coûtent 3 fois le prix d'une PS5. Ça, avant, ça n'existait pas. Jusqu'à la génération PS4, Xbox One, un PC que vous montiez au même prix que la console neuve était toujours plus puissant que la console. Et ça, ça a changé, ouais, ces 2-3 dernières années, quoi. Mais bon, il y a eu un problème aussi, le Covid, la crypto-monnaie, les fermes de calcul, la crise des composants, enfin bref. Les tarifs ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 3 ans. Mais c'est vrai que c'est un vrai changement de paradigme. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, ok, donc le PC, un, ça devient une plateforme de jeu, pas que de développement, et deux, ça devient une plateforme qui est plus si chère que ça à monter ou à posséder, et qu'on peut aussi mettre à jour, parce qu'une console, quand elle était vétuste, souvenez-vous, hein, quand il y a eu des sorties décalées Nintendo qui sortaient aux États-Unis la Super Nintendo, alors qu'elle était déjà prête depuis de nombreuses années, et ben les années d'avant, ils faisaient croire que la NES, elle avait encore de beaux jours devant elle. Imaginez, vous achetez une NES et 2 mois après, la Super Nintendo sort, vous étiez dégoûté en tant que parent. On a l'impression que Nintendo s'était foutu de vous. Ben un PC, alors c'est vrai jusqu'à un certain moment, hein, vous pouviez mettre à jour les pièces. Vous pouviez ajouter de la RAM, vous pouviez changer de carte graphique. Même si les normes, elles ont tellement changé qu'à un moment donné, en fait, c'était pas vrai. Hein, parce que à chaque fois, t'avais une nouvelle norme, l'AGP, le PCI, PCI Express. Voilà. Mais maintenant, en 2023, les normes sont figées. Un PC, sur 10 ans, vous pouvez le mettre à jour, quoi. Donc voilà, c'est Quake qui a finalement introduit tout ça. Ce qui est pas rien, je trouve, une feat comme ça. Doom a posé les bases d'un genre. Quake l'a raffiné, l'a passé en full 3D et a montré qu'on pouvait accélérer des ordinateurs en fait pour exploiter les performances au max. Et là du coup je vous fais juste une petite frise, hein, c'est en gros 2 minutes 30 pour résumer les FPS. Et comme ça je peux lire le chat pendant ce temps. J'avais la GeForce 2 GTS, ah, elle est culte celle-là en plus. Transform and Lightning, j'ai dit quoi? Texture and Lightning, autant pour moi cousin Hub. C'est effectivement TNL, c'est Transform. Moi aussi, Pentium 90 avec le bug de division par 0. Non, on ne m'en parle pas. Moi, je suis passé du 90 au 120. Du coup, ils m'ont fait le changement aussi, ouais. Fallait le MMX. Alors, à partir du moment où on avait la 3DFX, je crois qu'on pouvait s'en passer. J'ai un doute. J'ai un doute parce que j'étais équipé, j'ai jamais essayé sans. Tu mets le doute, nos rétros. Il y a quand même du versionning sur le PCI Express. Non, bien sûr, hein, bien sûr. On est en PCI Gen 5. La RAM, la DDR, on est passé de DDR4 à DDR5. Tout ça, ça vous force à changer de carte mère et quasiment de système complet. Hein. Les cartes graphiques maintenant, RTX 4000, elles sont tellement grandes que vous devez souvent changer de tour. Les alimentations 500-600 watts ne suffisent plus. Parce que si vous avez une 4080 ou une 4090, il vous faut une alim 800, voire 1000, voire 1200 watts. Tout ça effectivement voilà, rien n'est figé, mais on a quand même maintenant une plateforme qui est assez universelle et vous pouvez encore continuer de jouer sur un PC en DDR4, hein. Vous pouvez jouer en PCI Gen 3, hein. Enfin, toutes ces plateformes sont encore tout à fait compatibles avec des jeux modernes. Donc voilà, on a eu plein de jeux, on a eu Soldier of Fortune, on a eu après des vrais jeux console. Halo a posé les bases aussi de ce que pouvait être un FPS sur console avec un gamepad, et ça a très bien marché. Donc il y a énormément de jeux,
Maintenant, moi, ce que je vais vous conseiller pour clôturer là-dessus, parce que je pourrais en parler des heures, il y en a eu tellement des boomer shooters ces trois dernières années. On a des petites vidéos du style les meilleures annonces de boomer shooters pour 2023. Par exemple. Donc, cette année, on sait que on a Turbo Overkill. Celui-là est déjà disponible. Je vous encourage à l'essayer chaudement. Si vous aimez les combos, les enchaînements complètement what the fuck, où en fait vous rebondissez sur un ennemi pour récupérer des power-up, pour prendre des munitions, pour ensuite passer en bullet time, jeter une grenade, faire du wall ride. On est sur ce genre de jeu. Très nerveux. Très kinétique. Cinétique plutôt, en français. Ensuite on a Supplice. Là on est sur un vrai jeu Doom Engine. Donc c'est Open, GL Doom. Donc c'est en gros le moteur de Doom qui tourne sur des ordinateurs modernes avec commande à la souris, possibilité de regarder en haut et en bas, résolution plus élevée que le Doom sous DOS. Et en fait, ce moteur GL Doom est utilisé pour faire plein de modes qu'on appelle des total conversions. Vous changez l'intégralité des textures, des armes, des niveaux, des ennemis, des campagnes, et vous faites ça dans un autre univers que vous inventez. Et ça devient une vraie conversion à part entière. Et dès comme ça, il y en a... je sais pas moi, 25-30 par an qui sortent, qui sont dignes d'intérêt. Un des plus connus, c'est Brutal Doom. Brutal Doom, je pense que vous avez tous entendu parler. Ensuite, on a Coven. Ça, c'est aussi un jeu basé sur le bullet time et le scoring. On a Wrath Iron of Rune. Celui-là aussi, hein, qui est basé un petit peu sur le gameplay de Quake. Avec beaucoup d'exploration, si vous aimez les niveaux labyrinthiques où il faut aller chercher des clés de couleur pour ouvrir des portes, toi tu sais, hein, toi tu sais de quoi on parle. Voilà, il y a des clones aussi de GoldenEye. Là on est sur un jeu Steam, mais qui est un hommage assumé à 1000% à GoldenEye 64, hein, avec le rendu un petit peu de Perfect Dark. Vous voyez l'arme en fait qui scrolle dans le niveau et le curseur de visée qui n'est pas centré sur l'écran, qui peut bouger littéralement sur les coins de l'écran. Il y en a plein. Blood West, si vous aimez les jeux un petit peu à la BioShock, où vous avez une gestion d'inventaire, où vous pouvez la jouer un petit peu furtif, où il faut récolter des ressources, un petit peu survival, vous avez très peu de munitions, vous devez gérer des compétences et de l'argent, dans un univers western zombie. Plutôt original. Pareil, hein, résolution volontairement basse, texture non filtrée. On a tous les cases cochées de ce que peut être un bon boomer shooter en 2023. System Shock Remake, disponible depuis 46 minutes. Il est sorti le 31 mai. On est le 31 mai depuis 3 quarts d'heure. Donc voilà, sachez que ça fait 7 ans qu'on l'attend, System Shock Remake. C'était un Kickstarter à succès. Le jeu a été développé sur Unity, puis intégralement rebooté sur Unreal Engine. Et 4 ans après le reboot, on a enfin le jeu complet disponible sur Steam. Et ceux qui achètent cette version, vous avez le Enhanced Edition de System Shock 2 qui est offert gratuitement. Donc c'est plutôt intéressant. Je le classerai pas dans les boomer shooters, mais ça fait partie des revivals qu'on apprécie beaucoup. Là, on est encore sur du Doom Engine, hein, GL Doom. Vous reconnaissez parce que les armes sont en sprite. Les ennemis sont en sprite, mais les niveaux sont en full 3D. Brutal John, là encore, un jeu où on peut défoncer le décor avec du bullet time. En fait, c'est une scène qui est devenue mais tellement émergente et balbutiante et remplie de dynamisme et d'inventivité. Amid Evil, qui est disponible sur toutes les plateformes, et le jeu va avoir droit à une suite qui s'appelle Black Labyrinth. Half-Life, effectivement, putain de révolution. Half-Life, on n'est plus pour moi sur les boomer shooters, on est sur des FPS un peu plus narratifs et un peu plus, moins arcade. Le boomer shooter, il a aussi cette idée que le scénario, c'est secondaire, l'immersion, c'est pas si important que ça, l'essentiel, c'est shooter et prendre du plaisir vraiment viscéral à tuer des ennemis et à gérer tes ressources. Gérer tes HP, gérer tes boucliers, gérer tes munitions, gérer les clés. Avancer dans le niveau, dans les labyrinthes, pour moi c'est ça un boomer shooter. Half-Life s'éloigne un petit peu de cette philosophie, même si après on a des modes basés sur Half-Life, hein. ça existe aussi. Hein. Voilà, Dread Templar, hein, un pur jeu de scoring qui rappelle Quake et Quake 3 aussi. Il y en a énormément, hein. Moi je vous encourage en fait à regarder surtout
les Realms Deep, hein, qui sont les conférences de 3D Realms, parce que eux présentent souvent des jeux qui sortiront dans l'année qui suit. Donc en fait, chaque année, vous avez une quarantaine de jeux qui arrivent l'année suivante, vous voyez. Bold Gun, bah, c'est le dernier que j'ai récupéré. Et celui-là, il est exceptionnel, hein. Je vous le testerai, je vous dis, hein, sous quinzaine. Tokyo Underground, pour ceux qui aiment le côté un peu cyberpunk, cel-shadé, un petit peu japonisant, avec un sabre, en plus des armes à feu. Witchfire, qui est littéralement un Doom-like, avec des vagues d'ennemis dans un univers dark fantasy, avec de la magie. Hyper Violent, pareil, Doom Engine. Celui-là aussi, qui est au look BD des années 50. Des comics américains, hein, de la grande époque de la Prohibition. Hellscreen, le genre de jeu que tu mets en FOV 120 pour avoir l'effet presque œil de poisson, la fisheye. C'est comme ça qu'on joue au FPS. Il y en a qui sont un peu plus RPG, vous voyez, où vous devez gérer un inventaire, vous devez gérer des magies, vous devez gérer des potions, regarder votre carte. Il y en a qui utilisent du pixel art tout en utilisant le moteur de Doom. Hein. Là, on est toujours sur le Doom Engine, mais avec des gros pixel art colorés. Sin Reloaded, bah, c'est un jeu aussi qui tourne sur le Source Engine, le tout premier Source. Donc voilà, il y en a des tonnes et des tonnes. Les jeux LucasArts, les Dark Force, incroyable, Jedi Academy, tout ça, tout ça. Voilà. Moi, je vous encourage en tout cas à regarder les liens, parce que j'en ai plein que je peux pas vous montrer parce qu'il y en a trop. Là, il y en a un tout récemment qui est sorti, il s'appelle Ashrot. Regardez à quoi ça ressemble, c'est magnifique. Regardez-moi cette nervosité du gameplay. Dites-moi que ça vous fait pas envie. Voilà, on est sur un jeu entre Blood, entre Redneck Rampage, entre Quake, des couleurs très ternes. Couleur caca, c'est le jeu brun, voilà. Si vous aimez le brun, vous aimerez Ashrot. Aucune texture n'est filtrée, mais voilà, vous avez une dizaine d'armes, le level design est sublime. Passez à travers tous les biomes, les décors possibles. Vous avez les égouts, vous avez la gare de TGV, vous avez une ville entière. Vous avez, bah voilà, il y a des trucs obligatoires, les toits, les égouts. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Cultic aussi, qui est un hommage de Blood. Je vous parlais de Blood avant, qui tourne sur le Build Engine. Et ben, Cultic, c'est littéralement un hommage à Blood récent. C'est sorti sur Steam, ça arrive sur les consoles de salon, et on est littéralement... voilà. Encore un one-man project, donc c'est un développeur tout seul qui a fait un clone assumé de Blood. Avec volontairement les textures 8 bits, enfin compressées, vous voyez, avec du postering en fait. Et ça peut être ajusté, hein. Si le postering vous le trouvez trop envahissant, bien entendu vous pouvez un petit peu ajuster tout ça. Voilà, vous voyez, le vidéaste fait une comparaison entre les deux, c'est flagrant. Voilà, et après, bon, il y a plein de sites qui vous permettent de classer aussi les boomer shooters avec des tier lists. Alors je vous ai mis sur Discord une des tier lists que j'avais croisées. Prodeus, qui est sur le Game Pass aussi, qui utilise aussi ce système de sprite rendu image par image pour faire les armes et les ennemis. Ennemis qu'on peut voir sous tous les angles possibles et même en diagonale. Du coup, je sais pas combien il y a de sprites par ennemi, mais Prodeus est impressionnant pour ça, pour le nombre de sprites, quoi. Et voyez, voilà, What's a Boomer Shooter, il y a plein de vidéos ou 30 minutes pour vous expliquer ce que c'est un Boomer Shooter. Toujours est-il qu'en ce moment, ça arrête pas. Serious Sam a droit à des mods, a le droit à des suites. Le studio d'origine qui faisait les Serious Sam est encore à l'œuvre sur cette franchise. C'est n'importe quoi. Moi, j'aimerais bien avoir un nouveau Wolfenstein, hein, parce que depuis The New Colossus, il me semble qu'il n'y en a pas eu. Donc ça, moi, j'aimerais bien avoir une suite, ouais. Mais voilà, ça n'arrête pas, c'est un genre qui est en pleine ébullition. Moi, je vous mettrai tous les liens sur Discord, hein, parce que j'ai une page pleine de liens intéressants. Et puis, on va s'arrêter là-dessus, je crois. Il est tard. Oh oui, ça fait presque 4 heures, 3h45. Le jeu, et pas Sin City, le film. Oh, je suis aussi fatigué, Ashram. Je te pardonne ton erreur, j'en fais aussi.
System Shock, l'origine de BioShock, tout à fait. C'est pour ça que c'est important d'y jouer, parce que ça a posé les bases de l'immersive sim. Il n'y aurait pas eu de Deus Ex, il n'y aurait pas eu de BioShock s'il n'y avait pas eu Warren Spector et Ken Levine. Et ces deux personnes, Ken Levine et Warren Spector, ont bossé sur System Shock 1 et 2. Donc le jeu vidéo ne sort pas de nulle part, hein. C'est des gens qui inspirent d'autres gens. Et pour moi, comme je disais, les créateurs, et ce sera le mot de la fin, de Boomer Shooter, sont en fait les fans de jeux vidéo qui avaient entre 10 et 15 ans quand tous ces FPS cultes sont sortis, et ils ont tellement été marqués par ces jeux que maintenant qu'ils sont adultes et en capacité de développer des jeux indé, homebrew, kickstarter, peu importe, ils rendent hommage finalement à un genre qu'on ne voit plus beaucoup. Parce que les FPS modernes maintenant, c'est quoi? C'est Call of Duty, Apex Legends, c'est beaucoup de multijoueurs compétitifs, beaucoup de Battle Royale, mais des FPS solo non narratifs, hein, parce que Metro Exodus, c'est un excellent FPS, mais la saga Metro, on est plus sur un jeu immersif, lent, de survie, qui vous raconte une histoire. Le shooting, c'est pas vraiment le centre de l'affaire. Les boomer shooters, c'est le gameplay avant tout. L'histoire, on s'en fout. On a besoin de quelques niveaux labyrinthiques, des cartes de couleurs, des portes codées avec les mêmes couleurs, plein d'ennemis, une entrée, une sortie, et des secrets cachés. Et avec ça, vous avez déjà la formule d'un bon boomer shooter. Ghost Runner, je saurais pas comment le placer. Parce que tu ne tires pas. Finalement, Ghost Runner, on est plus sur un jeu de puzzle, un jeu de réflexe, un jeu de parcours. Même s'il a l'ADN d'un jeu arcade, hein, parce que c'est du Die and Retry. Mais effectivement, maintenant, on a plein de genres qui commencent à partir dans d'autres directions. Et c'est très intéressant de voir ce qu'on peut faire. Parce que Ultima Underworld, c'est un FPS, mais c'est avant tout un RPG. Et on commence à avoir maintenant des FPS Skyrim. Skyrim, à la base, si vous mettez la caméra à la première personne, vous jouez un FPS. Mais ça n'a plus rien à voir avec les FPS à la Doom, les FPS de la grande époque, quoi. Donc le genre FPS, maintenant, il existe, il survit. Mais les boomer shooters, c'est revenir à l'essentiel. Vraiment simplifier le gameplay dans sa plus pure version pour uniquement privilégier les sensations de jeu. Et ça fonctionne mieux à la souris. Voilà. C'était le mot de la fin. Bon les messieurs, moi je n'ai plus de voix, il est tard, hein, ça fait presque 4 heures d'émission, Gamou est déjà au lit depuis 1 heure au moins. Sur ce, je vais rendre l'antenne. Merci en tout cas à tous ceux qui sont restés aussi tard. Merci de m'avoir écouté jacter faire mon cours magistral ultra condensé. Hein, j'aurais pu. En fait j'avais pris des notes pour faire littéralement 2 heures d'explication, quoi. Mais comme on dit, hein. Je veux pas trop non plus vous inonder avec ça. Si vous avez des envies de peaufiner le sujet, venez sur Discord, je mettrai tous les liens que j'avais regroupés dans le fichier de news. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, on se retrouve mardi prochain, n'hésitez pas à venir demain soir à partir de 21h, 21h15, ce sera le compte-rendu de la caisse de solidarité Gunnet TV, donc pour aider David Eck avec ses prêts de justice. Ce sera indépendant de l'association Life is a Video Game, soyons d'accord, ce sera sur la chaîne secondaire, mais on vous mettra lien sur le Discord pour ceux qui veulent aller voir Gamou et qui ont surtout aidé David et qui veulent voir un petit peu le compte-rendu de cette cagnotte et des réponses à vos questions les plus profondes. Sur ce, passez une bonne soirée, passez une bonne semaine, on se retrouve très bientôt sur Life is a Video Game, et puis, comme dirait Gamou, salam bayou !